M6. M6. Ouais. Bonjour à tous et à tous, le doigt il est pointé avec mon cher Simon et mon cher Alex, comment ça va? Oh, les gens sont prêts sur le chat. Première question importante, est-ce qu'on nous entend bien? Est-ce qu'on nous entend à fond? Est-ce que le son est bon? On va checker tout ça comme d'habitude. Mon cher Alex, comment ça va? Impeccable, comme pour un Game 6. Comme un Game 6 de finale NBA, mon cher Simon, comment ça va? Ça va et toi? Je sens que le Big 3 est en place. La règle, elle est simple. Lorsqu'il y a Simon, Alex et Bibi sur le canapé, ça part en couille. Messieurs, c'est quand la dernière fois qu'on a commenté un match ensemble? C'est une bonne question, ça. J'ai aucune match. C'est quand la dernière fois? C'est pas cette année? C'est pas cette année. L'année dernière. C'est les Bucks contre les Suns? Ah oui. Peut-être, ouais. Peut-être la fin du Bucks Suns. C'est Yanis, ouais. C'était une belle époque. On était tous ensemble pour vivre le sacre de Yanis. Les Suns, c'était en finale NBA. C'était une belle époque. C'est ça. Vous faisiez des choses intéressantes dans des matchs décisifs. Mais donc, nous sommes ici ce soir. Pourquoi? Pour l'égalisation des Celtics pour un Game 7 ce dimanche ou pour le titre des Warriors? On va vivre ça. Comme d'hab, je balance toutes les infos. Le match, il commence dans, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutes. 20 minutes. Exactement. Nous, on est sur Bein. En faisant la bise, évidemment, à toute l'équipe de Bein Sport. On va regarder ça très, très près. Si vous êtes sur la NBA League Pass, du stream, du ne sais-je, vous vous démerdez. On va faire des rappels timing pour être bon, pour bien être sûr, calibré. Bien sûr. Vous connaissez les bases. J'ai même pas envie de perdre de temps. Je sais qu'il y en a qui sont pleins dans les canapés, dans vos lits. Il y en a qui passent le permis de main, des épreuves, le bac ou ne sais-je. Pronostic time. J'ai même pas envie de perdre de temps. Alex, Simon, on va partir tout de suite là-dessus. Qu'est-ce qui se passe dans 3 heures? Alex, sacre des Warriors ou on fonce sur un Game 7? C'est une bonne question, ça. Ah bah, il faut répondre. Game 7. Ah ouais. Tu veux ton Game 7? Oui, déjà je trouve ça cool les Game 7. Et aussi je pense que les Celtics, on vient déjà de perdre 2 fois de suite. Pas 3. Ils sont à la maison, ils vont se faire pousser par leur public. Ils ont beaucoup de leçons à retirer de leurs 2 dernières défaites où ils ont eu beaucoup de mal en attaque. Ils sont sous les 100 points, hein, 2 fois de suite. Ah oui, oui, oui. Donc ils vont se faire pousser à fond par leur public. Ils vont être concentrés. S'ils arrivent à mettre la bonne intensité d'entrée, je les vois bien prendre ce match. On en parlait juste avant. J'espère qu'on va pas se taper un blowout. Bon, ah sinon, non. On fera un petit France Télé en deuxième mi-temps. C'est pas grave. Ah mais non, quand même, tu vois. On veut pas de blowout. Mon cher Simon, qui est prêt et que d'ailleurs vous pouvez retrouver, j'en profite pour le dire, si je dis pas de bêtises, jeudi prochain pour une draft fort sympathique. Ah oui. Avec, ah oui, il avait oublié. Ah oui. Non. Il a oublié qu'il était top 5 de sa draft. Oh là là. On verra ça jeudi prochain. Simon, ton prono ce soir, sur quoi on part? Alex, il est plutôt Game 7. Toi, tu dis quoi? Ça finit? Ouais, on va aller Game 7 aussi. Game 7, il veut son Game 7. Ouais, quand même. C'est le dernier match de l'année à Boston et ils méritent de le gagner. Et tu penses que ça va faire le taf, ouais? Ils méritent de gagner leur dernier match à domicile. J'ai un peu peur quand même, franchement. Parce que sur les 2 derniers matchs, moi, comme pas mal de monde, je trouve les Warriors collectivement un peu au-dessus. Ouais. Nettement au-dessus ou quand non, même une petite un marge peu, quand un même peu au-dessus, c'est pas non plus marge, ouais. Un peu au-dessus, mais voilà, sur un match 6 là, moi j'attends un gros Tatum aussi. Un gros JT, ouais, qui doit, on en parlait tout à l'heure en off, tu t'attends qu'il, je pense qu'il soit un peu plus que juste acceptable. Quoi. Scoring, des points. Du buckets de la part de JT. On a beaucoup débattu sur le fait que c'était quoi, Jaylen Brown ou Jason Tatum, le meilleur Celtic des finales. C'est pas censé être un débat, Jason Tatum doit être quand même à un niveau supérieur. Maintenant, en face, moi, je vous cache pas que j'aimerais aussi un Game 7. Ça peut tout à fait se terminer ce soir. Steve Kerr a annoncé qu'il partait, lui et son groupe, pour finir la série ce soir. Logique, hein. Tu vas pas dire, bon, pas bah, dire, les gars, on laisse couler. Ça, façon, un petit week-end à Boston et on revient. Par contre, on connaît les classiques. Game 6, Klay Thompson. Ça, c'est pas une légende. On a souvent parlé, Alex, du fait qu'un gars comme ça, c'est pas juste une histoire de phénomène. C'est vraiment, sur un match comme ce soir, il est hyper attendu. Il y a 3 ans, pendant les finales de 2019, Klay Thompson était en train de faire un match de grand malade mental, était en train de ramener les Warriors dans les finales, en train d'arracher un Game 7 face aux Raptors, et il s'est fait le genou. C'était il y a 3 ans, dans un Game 6. Il a des comptes à régler, Klay Thompson. Ouais. On ne peut pas dire qu'il fasse des finales offensives étincelantes. Il y a eu des très bons passages défensifs. Bien sûr. Mais offensivement, c'est pas non plus une dinguerie. Non, coup de chaud, c'était quoi? C'était son Game 3, son coup de chaud à Boston, je crois. Ouais. Dans une défaite. C'est exactement. Donc, du coup, là, Klay Thompson, si Klay Thompson fait un grand match 6, là, à l'extérieur,
à Boston pour filer le titre à Golden State. Attention, la légende du Game 6 Clay va enfler encore plus. De toute façon, on va avoir beaucoup de « et si ce soir hein, ?» Parce que « et si ça finit et que Steph blablabla ?» J'ai envie de dire « et si Simon nous annonce en mars que les Celtics peuvent, selon les ordinateurs, gagner le titre et qu'ils forcent un Game 7, tarte ta gueule à la récré. Hein. Tu sais que ça va devenir incroyable. Ça va me hanter, ce truc. Non, mais c'est dingue pour ceux qui n'ont pas le contexte. Addition faite ensemble il y a quelques mois et boum, tu nous dis quand même que, selon les ordis, les Celtics vont gagner le titre. C'est quand même une dinguerie. Ouais, bah ouais, il y avait cette espèce d'alignement de tous les. C'était le début de leur remontée, de leur deuxième partie de saison. C'est ça, ouais. Mais c'était quand même compliqué à croire à ce moment-là. Ah non, c'était tendu quand même. Hein. Même les fans hardcore des Celtics disent bon, bah on va croire aux machines, mais un peu en rigolant quoi. Comme bien quoi sûr. Les algorithmes. Hein. Ouais, on est gouverné par les algorithmes. Comme quoi, hein. Faites gaffe à votre téléphone. Comme quoi la simulation. Hein. Ouais. Exactement, faites gaffe à ce que vous dites dans votre téléphone. Pour ceux qui ne le savent pas, là à l'image, on a donc eu les présentations des joueurs. Il y a Marcus Smart qui fait son gros speech avec ses joueurs. This is right now, hein. C'est maintenant qu'il faut tout donner sur le parquet. Pas d'absent de part et d'autre. La question, tu me l'as posée tout à l'heure, Simon, en intro, pour ceux qui débarquent, même 5 majeurs, Robert Williams, Al Horford, Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus Smart d'un côté, et on conserve Alex Otto Porter, qui a été une des grosses modifications de Steve Kerr en cours de série pour avoir Kevin Looney en sortie de banc. Ouais, et du spacing aussi dans son 5 majeur. Bien sûr. Du coup, forcément, ça fait vraiment small et sans véritable autre intérieur que Draymond, qui n'est pas non plus très grand. Du coup, le taf d'un Wiggins ou d'un Porter pour venir aider au rebond est crucial, parce que sinon ils se font complètement déboîter par les Al Horford, les Robert Williams qui sont plus grands, plus des vrais intérieurs sous le cercle et tout. Complètement. Donc ça, c'est un gros pari de Steve Kerr, mais enfin, dis donc, 2 victoires hein, avec ce 5-là. Hein. Belle modif, et on attend justement, on voit du zoom sur Ime Udoka. Messieurs, je vais terminer avec un dernier prono, pendant que je souhaite évidemment le bonsoir et la bienvenue à ceux qui débarquent maintenant. Factor X de ce soir. Tu as dit Boston, ça repart avec la victoire pour forcer un Game 7. Ton Factor X Factor X, on va dire la réussite offensive de Marcus Smart. Allez. Je pense que c'est le genre de match où Marcus Smart doit nous montrer qu'il est un des mecs qui a du gros mental à Boston. Et bah allez. Donc Marcus Smart qui apporte vraiment en attaque, tu vois. On va lui souhaiter. Simon, toi pareil, tu as annoncé plutôt Game 7 provoqué par les Celtics, ton Factor X. Bah, bizarrement Draymond Green. Ah, que dans le sens, il va faire n'importe quoi. Ben, soit Draymond Green. Alors voilà, mais soit Draymond Green fait vraiment un match de nouveau hyper complet, tout ça, et ça va être très compliqué, je pense, pour Boston. Soit il a quand même un peu du mal. Et je trouve que dans ces finales, il est irrégulier. C'est pas qu'il est. Et puis il a plus de shoot à 3 points. Je trouve qu'en attaque, il joue un peu trop loin du cercle. Et puis la défense de Boston le voit bien venir. Boston fait un sacré bousin. Et s'il est toujours un peu empêtré là-dedans. Ouais. Et bah c'est vrai que ça pourrait être vite un bordel pour Draymond Green, qui va être bien accueilli par le public évidemment. Ouais, puis Factor X parce que le public de Boston, vu que les Warriors avaient quand même dit ouais, ils sont vulgaires, je pense qu'ils vont aller chercher Draymond Green. Ils vont aller chercher très fort, tout à fait. Mesdames et messieurs, on est prêt entre deux, Zach Zarba et le trio arbitral qui va encore faire partie des gros débats. On va donner les timers évidemment tout au long de la soirée, 11:55, 11:54, 11:53. Je vais même basculer en mode score ici, puisqu'on va pouvoir vous mettre le score juste en bas. C'est parti avec Jason Tatum, premier ballon, on sert à leur Ford en bas et faute de qui? Otto Porter, je pense. En bas, ouais, tout de suite. Ouais, comme je pense que c'est Otto Porter au moment de la prise de balle, enfin de la remontée de balle pour shooter d'ailleurs, ce qui donne de lancer direct là. C'est ouais. Ça. Oh, bonne prise de position de Bigal. Et toi, ton Factor X? Moi, mon Factor X, j'avoue, sur un match comme ça, c'est vraiment. Allez, Derek White, qui nous a fait des belles choses quand même sur ses playoffs. Il a été un peu fantomatique sur les dernières rencontres. Si vous êtes plutôt pour un Game 7, c'est ce qui va se passer. Sinon, évidemment, de l'autre côté, Draymond, mais en inversé. C'est-à-dire que si les Warriors font le taf, le genre a fermé la série, a fermé beaucoup de bouches, ce serait Monsieur Vert. Hein. Ouais. On va voir comment Boston gère ça. Là, moi, j'aime bien le fait que dès la première possession, ça sert à Horford en bas, bien sous le cercle, qui va faire une faute. Enfin, et allez, 2-0. C'est bien un truc qui peut faire chez Steve Kerr, c'est d'avoir des fautes rapides sur Otto Porter ou Draymond Green ou les deux. Tu vois, ça va vraiment bien le saouler dans ses rotations. Complètement. 2-0, 11-40, 11-39, 11-38 sur le chrono. Andrew Wiggins, énorme sur les deux derniers matchs, qui récupère le ballon pour Steph. Steph qui l'a dans l'intérieur pour Draymond. Le flotteur, ça rentre, ça. Bien joué, Draymond. Bien, Draymond. Bien placé et tout. Dunker spot. Tout à fait. Et de partout. Allez, on va suivre un petit peu les couvertures défensives. Attends, Draymond Green hein, sur Al Horford au départ de la défense. Alors. Ouais, et t'as Draymond toujours sur Jalen Brown. Hein. On a Jason Tatum qui va donner la balle à Marcus Smart. C'était le Factor X d'Alex. Il va essayer d'enfoncer Curry au poste. Ça vient doubler. Non, c'est un faux double. Allez, Marcus Smart, au secours, ça. Et bien le box-out de Draymond. Et bah bien entendu, là, le petit airball, là, hein, les gars. Le petit fadeaway airball. C'est lui qui a le plus de mental, t'as dit. Hein. C'est le mental de Marcus Smart.
Allez, autoporteur à 3 points, c'est important, c'est shoot. Non. C'est loupé. Et le rebond Jason Tatum. Allez. Jalen Brown. Tout à fait. Gros joueur de premier quart-temps. Il faut qu'il soit agressif, voilà, c'est voilà. Bien ça. Ouais, ça c'est bien. Le petit pull-up à mi-distance. Ça y va, tout à fait. 4-2, Celtics, 10 minutes 45 à jouer. Draymond qui récupère la balle. Draymond, on va essayer de chercher Steph. C'est plutôt le backdoor pour Wiggins. Oh là là, autoporteur qui a les mains pleines de beurre. Jason Tatum sur le drive. Tatum. Il y a un Draymond. Ouais, et il n'y a pas de faute. Très bonne défense sur repli de transition de Draymond Green qui n'a pas laissé trop d'accès au cercle à Tatum. Tatum, il s'est embarqué dans un Eurostep. Plus agressif là, Tatum. Plutôt Euro que Step. Ouais, tout à fait. Hein. C'était pas ouf. Hein. Complètement. Allez, remise en jeu. Jalen Brown qui a le ballon, qui va attaquer sur Steph. C'est bien pour Marcus Smart. Le jab step, il pénètre. Attention, le petit flotteur, c'est mieux. Ouf. C'est mieux. Ah, parce qu'en plus, il était dur celui-là. Parce qu'il y avait Draymond qui avait bien défendu. Ouais, tout à fait. 6-2, 10 minutes 20 à jouer. On va voir la gueule de ce premier quart. Hein. Boston a été capable de bien démarrer sur les dernières rencontres. Allez, autoporteur pour Wiggins. Wiggins qui va pénétrer. Le petit jab step, retour en arrière, step back, c'est loupé. Rebond, Tatum. Ouais. 10-0-5, 10-0-4, 10-0-3. Ouais, tout à fait. 10-0-2, je donne un petit coup de timer. Allez, Marcus Smart qui va enfoncer le patron. Ça ressort pour Jalen Brown à 3 points. Ouf. T'es mort là, non? Tiens, non, pas encore t'en mort. Tiens, on me dit dans le chat qu'on n'entend pas bien Simon. On n'entend pas bien Simon. Tu peux monter un poil Simon. Eh bien, on va entendre Simon dans quelques secondes, tu vois, ça va être très simple. Vas-y, parle un peu. Bah, ils insistent ça, sur Smart au poste, là, ça fait deux fois. Ouais, vas-y, monte encore Simon. Par, Marcus Smart en poste bas. Ouais. Non, on va bien t'entendre. C'est mieux là? Ouais, c'est mieux, je pense. Gros, et alors, Force qui vient de piquer un ballon. Et Marcus Smart encore. Bonne intensité de Boston là pour ce début. Hein. Alors, Force fait un énorme début de match. Allez. Monsieur Marcus Smart qui la rend à Tatum, le beau mouvement de balle. Mais ça y a temps mort. Jalen Tatum, ouais, c'est bon. Allez hop, temps mort. 12-2. Temps mort, Steve Kerr. Allez, bim, ça c'est fait. Boston, ça démarre bien. Bonne ambiance de Boston. Voilà, donc à tout à l'heure pour le France Télé. Ah non, 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 moi je veux pas de blowout. Dans le deuxième quart. Moi je suis pas venu, il y a 3000 personnes prêt, qui sont ici. Joue la Rebird ou pas? Je veux pas. Je veux pas de blowout. Hein. Oh la vache. Difficile de demander mieux comme, comme départ, entame. Alex, pour l'entame de match. Super entame des Celtics. C'est exactement ça qu'il faut faire à domicile quand t'es mené 3-2 dans un game 6. T'y vas, tu mets à la gorge, couteau sous la gorge de l'adversaire. On sait que les Warriors. Quand Boston, tous les matchs où Boston a mis le gros défi physique avec un peu de réussite au tir, on sait que tout de suite tout se complique pour les Warriors qui sont un peu plus petits, un peu plus vieux, un peu moins athlétiques. Enfin, ouais. Voilà, on va voir là maintenant. Il s'agit pas d'enterrer Golden State, mais si Boston se concentre bien en défense, ils sont sur le bon chemin. C'est typiquement le genre de début de match qu'il fallait faire. J'aime beaucoup, le ballon a bien circulé. On a vu plusieurs tirs ouverts. Simon, t'as raison, alors fort tout de suite, crucial dans les provocations, mais t'as déjà Smart qui a planté, Jalen Brown qui a planté, alors fort qui a mis des lancers, Tatum qui vient de mettre un 3 points, c'est parfait ça. Tiens, on voit un certain shooter plutôt connu à Miami, mais aussi pas mal à Boston. Pas mal à Boston aussi, Monsieur Ray Allen qui est à l'écran. Simon, j'allais te poser la question, ça me permettra en plus de faire du test au micro. Là, t'es Steve Kerr, tu dis quoi dans le temps mort? On se réveille les gars? Ouais, c'est le début de match, mais il faut se réveiller. Il y a deux pertes de balles là, il donne des points à Boston tout seul. Ça, on sait que c'est un peu le péché mignon de ces deux équipes, hein, les pertes de balles. Et puis peut-être quand même, là physiquement, faut peut-être arrêter, peut-être faire rentrer Looney ou peut-être plus vite que prévu. Déjà là, un Looney qui vient faire rentrer à la place d'autoporteur parce que honnêtement, c'est un peu ça m'étonnerait pas. Ah ouais, tu peux avoir Looney qui débarque tout de suite parce que c'est vrai qu'autoporteur là. Il sert un peu de leurre, plus qu'autre chose. Et puis il faut qu'il resserre bien la défense, il faut qu'il fasse douter cette équipe de Boston. Ils viennent de les faire douter fort, hein. Deux matchs à moins de 100 points. Ouais. Ils sont capables, hein, les Warriors. Et puis si la technique c'est de doubler, enfin d'attirer sur Curry, là ça fait deux fois que Smart attaque au poste bas. Je pense qu'il fera pareil quand t'as Jordan Poole et tout. Bah peut-être pas doubler, tant pis. Et attends, que t'as accepté que tu prends deux points de Marcus Smart, des flotteurs, des trucs. C'est pas le mec plutôt le plus à droite du monde. Décalage, en plus. Là ça fait deux fois qu'il a, il a des trois points. Tout à fait. Une passe, quoi. Bien sûr, on va voir justement comment ça réagit côté Golden State. Je vois qu'il y a plein de gens qui sont là évidemment, et il y en a qui sont au taf, il y en a qui sont partout. On sait que vous êtes aux mille coins du monde. Hein. On a des gens qui sont en Amérique du Nord, qui sont en Amérique du Sud, en Asie, où que ce soit. Bien évidemment, on vous laisse vous installer peinard. Nous, on est devant Bean 1. Amérique du Nord, ils sont à l'apéro, peinard. Ah bah, pour eux, c'est bien. T'es au calme. Eux, c'est un. Hein? Eux c'est impeccable. Hein. Ouais, je vais remettre un coup de Simon. J'ai l'impression qu'en fait Simon, il faudrait que je le foute. Voilà, faut que je parle un peu plus fort peut-être. Ah là c'est bien, là je pense. Là, je pense qu'on va bien t'entendre. Je pense qu'on va bien t'entendre. C'est bien, c'est bien. Sur les débuts de match, on a vu que parfois Golden State traîne un petit peu des pattes.
C'est juste voir si, si on en parlait un peu de cette possibilité qu'il y a un blowout, c'est-à-dire que Boston vraiment réagit et dit oh putain merde les gars, vraiment il nous en faut en, en 7. Ils nous ont montré parfois, Alex, là sur les playoffs, que lorsqu'ils décrochent, ils décrochent pas à moitié quoi. Ils abandonnent certains matchs, on a vu les Warriors. Ouais. C'est un des objectifs à mon avis de Boston, c'est faire quit Golden State. C'est un objectif que tu peux te fixer. Après, sur un game 6 de finale, ouais, va falloir plus que 12-2. Ouais, et puis c'est pas Memphis quoi. Enfin, ce ouais, ils ont pas envie de rester. Ça, c'est Warriors gratuit pour la fanbase des Grizzlies. Ils peuvent, dans le sens où ils pouvaient se le permettre, et ils l'ont fait. Ils ont lâché un match contre Memphis. Non, mais t'es Golden State, t'as pas envie forcément. Si tu peux finir en 6, t'as pas forcément envie de revenir chez toi avec toute la pression d'un game 6. Ah non, c'est sûr. Boston qui aura rien à perdre et tout. Enfin, attention. attention. C'est sûr. Attention. Alors qu'on voit Deuce juste à côté, le petit fiston évidemment. Quand il y a papa qui est en train de shoot. Let's go. Il est content, exactement. Let's go, on va voir ce que ça donne. Il dit non, je veux que papa il gagne en 6, en 7. Je veux retourner à San Francisco, il fait beau. On rappelle que c'est la fête des pères hein, aux États-Unis ce dimanche, donc voilà, attention au punchline qu'il pourrait y avoir s'il y a un Game 7. 2 points, 2 balles perdues et 10-0 côté Celtics, 2 points de balles perdues pour les Warriors. Allez, justement, en sortie de temps mort, ce qui est important, c'est de bien exécuter. Et ça, on appelle ça une action. Non, c'est une brique. Aïe, le fond d'arceau et pas de Kevin Looney qui est rentré. 9-0-8, 9-0-7, 9-0-6, 9-0-5. Golden State met des tirs, hein, par contre. Ça, hein, c'est une analyse fine, je sais. Analyse extrêmement fine. Ils repartent avec Smart. Faute de Curry, tout à fait. T'as entendu ou pas? Ouais, faut mettre des tirs. Ouais, faut que ça rentre. Ouais. Non mais ils repartent avec Smart dos au panier sur Curry. Ouais. Ça a l'air d'être vraiment une... Et puis alors tout le temps du même côté en plus. Bah ouais, parce que t'essayes de faire travailler quand même, la faute là de siffler par Zach Zarba, t'essayes quand même de faire travailler Steph parce qu'il y a deux côtés hein, du terrain. Et donc forcément bah, il s'est pas mal baladé offensivement sur les premières rencontres. Faut essayer de faire fatiguer le chef hein. Encore une faute. Allez, deuxième faute de Steph. Faute de Clay là. Non, faute ouais, de Clay. Je pense que c'est Marcus Clay. Smart, flop sur flop. Bah là, Marcus Smart est en train de nettoyer le parquet. Ouais, là. C'est clair. C'est formidable. C'est Marcus Flop. Au calme. Et y a le... C'était Looney, non, derrière Kerr. Il y a un mec qui s'est levé du banc. Oh, elle y est peut-être. En même temps, je suis vache avec Marcus Smart. J'ai l'impression qu'il se laisse bien tomber, mais en même temps, Clay le voit pas. Donc Clay lui met vraiment l'épaule dans le torse. Mm-hmm. Et ça, bah, c'est une faute. Mais c'est sa deuxième ou c'était Porter? C'est la première. C'était Porter. Non, c'est la première de tout le monde. Ils en ont trois. Deux fautes de Clay. T'as raison, Simon. C'est encore Smart dos au panier sur Curry. Il va falloir sanctionner. Attention, bonne bien def. La petite passe. Bonne ah, def. Bien, très, bien, Steph. Allez, attention. Ouais. Ah, ça se tient par la main. Ouais. Bisous. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, un peu molle la passe de Jalen Brown. Puis bonne défense de Golden State. Ils sont forts pour ça sur les extérieurs. Ils ont bien réussi à rendre aussi l'attaque de Boston statique. C'est vrai, arrêter la balle. Ouais, ils vont te mettre des semi-prises à deux là sur le porteur un peu. Hein. Au lieu qu'il y ait un high pick and roll, en fait, t'as deux joueurs qui montent. C'est... Comme ils n'ont pas d'intérieur, de toute façon. Mais oui. C'est compliqué. Ouais. Allez, 8-42, 8-41 et 8-40. Steph, qui va peut-être tenter un shoot, quelque chose, là, défendu par Derrick White. Allez, il peut pas la prendre. Ouais, très bon. Il faut le dire. Allez, Steph, 5 secondes sur HD24. Allez, Steph, le flotteur. Steph s'est loupé. Bien le rebond de Kevin Looney. Le monstre du rebond offensif. Ouah, bien joué. Allez, Draymond, il faut les rentrer ses choses. Il le prend pas. Mais ça, par contre, ça rentre. Ça, c'est Clay Thompson. Non, là. Tu sais que s'ils mettent pas le ballon dans le panier, ça va être compliqué pour Golden State. On est d'accord, c'est un problème au basket. Allez, Jayson Tatum en isolation sur Looney. Oh là là, le petit pullback là. Oh, c'est propre, attention là. S'il commence à retrouver ses petits shoots là habituels à mi-distance et tout, ça va devenir ça très tendu. Ouais. Allez, Steph, justement pour Looney. Looney qui va chercher peut-être Wiggins. Ça y est, c'est parti. Allez, Andrew qui a été énorme sur les deux derniers matchs. Et il est encore le franchise. C'est le MVP. Franchise. Le MVP des finales, ouais, comme diraient certains. Eh, n'empêche, rigolez pas. Arrête. Ils sont capables, les votants. Moi, je te le dis. Moi. Alors, Franck, essaye de prendre la position. Attends, pardon, excuse-moi. Jalen Brown, c'est loupé. Casse le rebond, bien Looney. Ah, il voulait la faute peut-être. Looney, il apporte tout de suite au rebond. Simon, tu allais dire pendant que je dirais 7-25 sur fondamentalement, Wiggins le mériterait moins qu'Iguodala si les Warriors gagnent. Ah, honnêtement. Ça, c'est une question philosophique. Honnêtement, que l'année où. Clay, c'est très très dur. C'est... Oh, ça rentre. Ok, ça y est. Il s'est rapproché pour être sûr.
On va se rapprocher j'en du panier. Ouais, j'en mets un quand même là. C'est bien, belle variété. 14-7, 7 minutes 10 à jouer, 7-0-9, 7-0-8. On va bientôt arriver à la moitié de ce premier quart, 100% vert. Hein. Allez, Jason Tatum, bien le spin. Tatum qui va essayer de jouer sur Kevin Ounes, c'est bien joué. Pullback, attention. Jalen Brown, la ligne de fond, bien joué. Draymond. Waouh, Draymond. Là, il a mis le verrou. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient été dans le vent là, sur ce move de Jalen Brown. Ou qui aurait pris faute. Une faute à la con. Allez, Klay Thompson. Game 6. Non. Attention, Derrick White qui s'est peut-être fait mal. Sur une sortie d'écran, sa boîte. Ça va. Il était un peu coincé. Quand entre tu le... prends un Kevin Looney dans un virage, c'est compliqué. Allez, alors Ford, le petit hook main droite, il fait ça depuis 2007. Il a bien provoqué la faute. Elle y est. Et ils vont être dans la pénalité avec au moins 25 minutes à jouer dans le premier quart. Pour le moment, c'est 100% vert. Il n'y a pas de problème. Et je suis très impressionné par le début d'Orford. C'est la pénalité déjà. Orford, Ils vont être pas loin. Il y en a une pour Curry, une pour Otto, deux pour Clay. Ça ne va pas être celle-ci, c'est la prochaine peut-être. Ouais, elle y est, y a rien à dire, il le tient avec le bras et tout. Je vois pas pourquoi il conteste. Allez, Tatum. Oh là là, Tatum. Il a l'air bien en jambes, hein, Jason. Hein. Il a l'air bien en jambes, le Jason. Attention. Oh là 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 là. Non, c'est loupé. Si ça rentrait celle-là, ça aurait fait très mal. Allez, Clay, avec le ballon, qui essaie de bien démarrer la rencontre. Clay sur le drive, qui la ressort bien. Hein, Draymond, il faut les rentrer ses shoots. Oh, c'est bizarre. Voilà. Bien au moins, il l'a pris. Ouais, et ça, c'est un volleyball spike. Vite, Wiggins. Non, c'est bon, il a le temps. Enfin, le temps, je veux dire, c'est. Ouais, 10 secondes là. Tout va bien. Oh, il va jouer pour lui. Là. Wiggins. Ou bien Marcus Smart. Oh la bonne. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouais. Oh là là là. C'est très chaud. Bonne et là, passe. La bonne passe. Ouais. Joli. Hop. Ils sont bien dedans, hein, Boston. Hein. 16 à 7. Ils sont bien dedans. Très dedans là. 16 à 7. 3 balles perdues du côté Golden State. Alors que Jaco Moncler là est en train de s'égosiller au micro. Dans une ambiance de fou au TD Garden. Toujours pas trop de tirs de Steph. Hein. Pour le moment, il a laissé le jeu venir à lui. 5 minutes 40, Clay. Non, c'est Clay qui arrose. Oh là là, Clay Thompson. Oh là là. Oh là là, Clay Thompson. Oh là là, le game 6. Oh là là. Oh là 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 là. C'est vraiment. Regarde-le. I know. Ouais, c'est ça. Je sais. Je sache. 5 points, le mec, en plus. Tu vois, genre, j'ai mis 2 shoots. Je sache. Je suis pas sûr qu'elle soit. Moi non plus. Elle est sur le pied de Wiggins pour moi. J'ai l'impression aussi. Oh, il a raison, Tatum, de gueuler. Mais bon, il gueule dans le vide, là, à mon avis. On lui fera pas de replay. Tu fais voir. Là, il y a le pied, non? Ouais, c'est le pied de. Ah, mais la touche après, c'est la retouche. C'est dur à dire. Voilà. Bref. C'est vrai que c'est le début du match, comme ça on passe pas 10 minutes là-dessus. Un shoot qu'on a ça pendant faire toutes du les écoles. Hein. Pour les fans des Celtics, c'est bien. Allez, Steph, 16 à 10. Ah, il y a Gary Payton qui est rentré, non? Ouais, tout à fait. C'est allez, Payton Steph, de c'est bien défendu de la part de Robert Williams. Allez, c'est parti. Je crois que je vois déjà Pritchard. Tout à fait, là-haut, défendu par Wiggins. Allez, Jalen Brown avec le ballon. Il va la rendre à Marcus Smart. Il va essayer de jouer sur Stephen Curry pour provoquer une nouvelle faute. Allez, Marcus Smart sur le drive. Ça rend dans le corner. Derrick White, il ne faut pas hésiter. Le bon pump fake, ça remet en l'air. Elle était un peu haute. Ouais, il est poussé. Poussé par qui? Il y a Kevin Looney qui a dû mettre une mimine. Ah ouais. Donc là, il y a des lancers pour Robert. Je pense, ouais. Et alors, ça fait 2 pour Clay, 2 pour Looney, 1 pour papa. Maman fait du chocolat là-haut. Attends, fais voir. Là, un peu, il est un peu. Ah, bah, Chabit, ouais, si, ça suffit, pour siffler de faute. Ok. Non, Chabit si, je pense que ça se siffle, mais. Putain, ils ont fait rentrer Pritchard hyper tôt, non? Ou c'est moi? Enfin bon, par rapport à. C'est un coup de poker. Ouais, bah, il l'a déjà fait. 5 minutes dans le premier quart, il l'a déjà fait. Okay. Et des fois, il fait des rotations très, très tôt, comme ça, Udoka. Et là, il joue avec White, Smart et Pritchard sur le terrain. C'est ça, exactement. Un seul ailier et Robert Williams. Okay. En même temps, il y a Gary Payton en face avec Clay et Curry, donc on est sur un small line-up sur les extérieurs. Là, c'est Draymond qui va s'asseoir un petit peu. Ouais. Ah, et Otto qui est revenu. Donc là, on est sur du Otto Looney. C'est ça. Si je dis pas de bêtises dans la raquette. Et Jordan Poole qui est rentré aussi. On va voir le gros match de Jordan Poole. Clay. Ouais. On va voir ce que donne Jordan Poole. On sait qu'il a été chaud comme d'hab au buzzer du troisième quart. 18 à 10. 4 minutes 50 à jouer. 2 fautes pour Looney, 2 fautes pour Thompson. Allez, Steph, qu'on attend peut-être plus agressif. Ça a été le gros sujet des deux derniers jours. C'est parti, Looney pour Steph, défendu par Pritchard. Attention, ça normalement c'est un apéry cube. Il la donne à Gary Payton pour Jordan Poole. Bonne bien défense, défendu. Ça défend bien. Gary Payton qui la rend. Il a le switch, Steph. Il dit casse-toi, merci, au revoir. Bien sûr, il a ça sur le drive et merci, au revoir. Non, c'est très bien, Steph. C'est très bien joué. Ça, c'est tellement une partie sous-estimée de son jeu, ça. Ah bah ça, bien sûr. On dit, il fait que de shooter. Là, regardez-moi cette action, c'est magnifiquement bien choisi. Smart. Hop, 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 Smart. Et Steph. Chacun son tour. Ouais. C'est culot parce qu'il en a déjà une. Hein. Flop Curry, Marcus Flop, il y a du monde. Là, il est un peu bête, Smart, sur le coup là. Oui,
C'est vrai. Et Steph la joue bien. Hein. Oui, ça, mais... c'est vraiment un bon drive de la part de Curry. Tout à fait. C'est du drive à la Harden, ça. Au lieu de settle, tout à fait. Au lieu de settle pour le petit shoot, au lieu de s'arrêter à 10 mètres du panier. Une fois qu'il a passé l'épaule sur Robert Williams, il n'y a plus de protection faute, de cercle. Hein. Faute ouais. de quoi, Robert Williams, là ? Faute de Robert. Ouais, faute de Robert. C'est pas la plus intelligente non plus, cette faute-là. Hein. Non, sur Looney à 9 mètres, t'as peut-être pas besoin. Ouais, je suis d'accord. Ah, c'est une menace. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord. C'est que Looney à 9 mètres de moi, c'est une menace. Faut surtout pas qu'il reçoive la balle. Hein. Game 6 Looney. Surtout pas qu'il reçoive la balle. Game 6 Looney. Le nouveau hashtag. J'avoue. Allez, 4 minutes 13 à jouer. Steph, attention, oh, c'est bien joué. C'est bien défendu de la part de Derrick White. Attention, Steph, il la rend à l'opposé. C'est que la grosse course, celle-là, elle est dure. Qu'est-ce que tu fais, Poul? Il cherche la faute. Bien joué. Techniquement, c'est très très dur ce qu'il vient de faire. C'est clair. On est passé sous la barre des 4 minutes. Jordan Poole avec le bucket. Bah, ils sont là, Golden State. Ils ont laissé passer le mini orage d'entrée là. Puis en fait, ils sont là derrière. Ils ont bien serré la def. On est sur un 12 à 6, puisqu'il y avait 12-2. Ouais. Allez, c'est parti. Elle a fait du bien l'entrée de Looney. Complètement. C'est vrai. Peyton Pritchard avec le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? Défendu par Steph. Il va essayer de provoquer. Peyton Pritchard. Et bah, allons-y. Avec le rebond. Bah, reprends ton shoot, hein. Je suis sûr que c'est un shoot vraiment aimé par la fanbase de Boston, là, ce qui vient de prendre Peyton Pritchard, Jalen Brown, ça rentre ça. Ouais, ouais, c'est bien joué. Ouais, c'est bien joué. Une bonne gueule. Ils ont profité du fait que Curry était parti en contre-attaque, ils ont attaqué à 5 contre 4, juste le temps qu'il fallait pour avoir un shoot ouvert. 7 points pour Jalen Brown qui avait loupé son game 5, et là ça va bien mieux en début de game 6. Oh, Steph, la balle sur le genou. Ouais, pas de faute. Non, non, bah non, il a déjà eu des problèmes de Pritchard faute. Pritchard dans le coin. Non, non, il bien le def de Looney. Ouais, Looney. Très fort ce qu'il vient de faire. Allez, Gary Payton 2, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut partir sur le drive, c'est bien joué. La finition, ouais, et il y a faute. Faute. Et c'est de la Marcus deuxième Smart. De Marcus Smart, ouais. Deux fautes pour Marcus Smart. Tout à fait. Bien joué de la part de Gary Payton 2 aussi, hein, d'être justement bien agressif. Sur le drive, on peut revoir là Kevin Looney qui fait le bon contest, alors que Kevin Looney il avait deux fautes. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il donc avait deux fautes. C'est bien de sa part au niveau verticalité. Et là, fais voir. Ouais, c'est un petit peu bordélique là, ce que nous a fait Marcus Smart. Il n'y a pas grand chose. Ouais. 20 à 15. On va avoir quoi comme changement? On a du Wiggins qui va revenir. Là, c'est vraiment, vous le voyez, hein, pour ceux qui voient le match un petit peu et qui nous rejoignent. Kerr, Udoka, là on a déjà utilisé 9 à 10 joueurs en 6 minutes. Bah, là, et puis surtout, à chaque possibilité pause, de faire un changement, il y a un changement. C'est hein. du handball. Ah, là, c'est... Attention, c'est juste le premier temps où on s'est dit il n'y a pas eu de changement. Ouais. Et depuis, à chaque fois qu'ils peuvent, ils ajustent. Exactement. 3 minutes 06, 3-0-5, 3-0-4, 3-0-3, 2-1. Mais... Et plus que 3 minutes à jouer dans ils le premier temps. Ils vont jouer sur Jalen Brown là par contre. Il y a... Non. Non, puisqu'il y a Gary Payton dessus. Payton. Allez, on va voir Tatum. Eh ouais. Faut pas lui laisser l'espace. Bien, Tatum. Et ça il fait son premier quart, hein, Tatum. Hein. Oui, les Jay Brothers sont en rendez-vous. Mm-hmm. 22 à 16, 2 minutes 45 à jouer. Allez, Jordan Poole qui dit c'est parti, on va essayer de poser un petit écran. Wiggins qui pose son écran un peu fuyant. Ça rend Wiggins, il a la priorité sur Pritchard. Donc il demande à Gary Payton de dégager, sortir. Pour jouer le 1 contre 1. Tatum vient en aide. Oui, mais du coup, corner, faut les rentrer ses shoots. C'est court, mais il rentre bien son rebond. Bon, c'est bien. Bien, Gary Payton. Mon fiston. Pritchard, il est léger là-dessus. Pritchard, il est un peu léger là-dessus. Là, la scène est beaucoup trop grosse pour Peyton Pritchard, si je peux me permettre, en ce début de match. Après, oui, ça peut changer. Oui, puis il peut te mettre juste le 3 qu'il faut à un moment. Oui, non, pour il voilà, un match. Mais oui, effectivement, là, sur le début, là, c'est un pari un peu foiré du Doka, on va dire, sur ce premier quart. Ouais. Non, mais là, c'est même pas de sa faute, c'est au terme de gabarit. En rebond, pour empêcher le rebond offensif, il l'a pas vu. Quoi. Et petit temps mort, 22-18. Sur ce retour en zone là des Celtics. Ouais. Depuis le temps mort, on peut le dire quand même. Ça respire beaucoup mieux dans la baie, là, je pense. Hein. Il y avait 12-2. Donc, du coup, dans mes calculs, ça fait un petit 16 à 10. Quelque chose comme ça. Hein. Si je dis pas de bêtises pour Golden State, il y a 22-18. Ouais, c'est ça. Donc, ça va quand même beaucoup mieux pour Golden State. T'avais parlé, Simon, de. On se demandait ce que Steve Kerr allait dire dans le temps mort. Bon, on s'est sorti les doigts, on a fait rentrer les bonnes personnes, quoi. Steve Kerr montre qu'il a encore les mains dans l'effectif. Ils sont revenus en gros. Curry a mis un lay-up. Ouais. Justement où il attaque sur la gauche là, Robert Williams quand il y a le mismatch. Je suis pas sûr qu'il ait mis autre chose Curry, j'ai pas l'impression. Non. Donc c'est quand même globalement il y a eu un peu de tout le monde quoi. Il y a un peu de Clay. Ouais, il y a eu le gros shoot de Clay là en déséquilibre. Il y a 3 points de Wiggins. Il y a Gary Payton qui se bat direct en rentrant en jeu. Non, il y a eu Draymond en dunker spot d'entrée. Enfin non, bien sûr il y a eu une belle variété offensive de la part des Warriors. En même temps côté Celtics, non franchement. On voit toutes les qualités des deux équipes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de vachement s'adapter en défense et tout. On a vu beaucoup de bonnes phases défensives là. Ouais. Tu vois,
où l'équipe qui a la balle essaie de bien faire circuler, mais en face, les rotations sont impeccables, les joueurs switch. C'est des équipes hyper bien préparées sur le plan tactique, mine de rien. Tout à fait. Et on est bien content que ça ne parte pas en blowout pour le moment. C'est-à-dire qu'on a quand même une équipe de Golden State qui a bien réagi. Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, hein, elle a été un peu virale. On l'avait balancée notamment sur les réseaux. C'était Steve Kerr qui disait « Moi, très clairement, vous avez entendu Steph hier, hein, vous prenez soin de vous, les garçons, on y va. » C'est un petit peu un classique, Alex. On avait vu ça dans les années 80, notamment avec Magic Johnson qui disait « On vient qu'avec un seul co-star. Ouais. » C'est cette légende un peu qu'on peut raconter aux gens. C'était quoi ? Tu mènes 3-2, t'es les Lakers, tu vas au Boston Garden, ouais, justement. Ouais, ouais, et ouais. Qu'est-ce qu'il avait dit à l'équipe ? Il avait dit les mots exacts, tu veux dire ? Parce que j'étais pas là. Hein. Bon, arrête. Non, mais il avait dit « Ouais, on prend qu'un seul on prend qu'un seul co-star dans le sens genre… » On vient que pour un déplacement. Voilà, il n'y aura qu'un match, quoi. Parce qu'à l'époque, sachez-le, ça finissait avec deux matchs. Oui, c'était du 2-3-2. Dans le fameux Boston Garden. En gros, c'est, je crois, on prend les fringues que pour un jour et comme ça, on gagne et on repart, quoi. C'est ça. Par contre, Alex, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer en direct, là. Dis-moi. Il y a 4300 personnes, ouais. Il y a 740 pouces. Ah oui. Ah oh bah… Ça va les feignasses là. Ah putain. Alors on sort la main de la couette là. On sort la main de la couette. Oula. Et on clique. Et on clique sur le pouce. Oula. On clique sur le pouce. Ah oui, j'avais même pas fait gaffe. Attention, attention que à la couette. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Allez, faites-moi monter ça en tendance France. Ça veut dire que là, il y a 3500 personnes qui sont pas foutues de cliquer sur le pouce, quoi. Allez. Bah, ça fait beaucoup quand même. Après, c'est compliqué quand même. Ouais. En plus, c'est un clic. Allez. Ah c'est, en plus c'est… ça coûte, enfin c'est… Ah moi ouais, ça me coûte c'est… beaucoup, quoi. Incroyable cette affaire. Allez, faites-nous péter le ratio. Vous savez que c'est le running gag de… Faites plaisir à Alex. Faites plaisir à Alex. Non mais c'est quoi, c'est des questions d'éducation, hein. Exactement. Les 4000 et quelques qui sont là, à qui on envoie des bisous, évidemment en direct du canapé de Trash Talk. Rendez-vous jeudi prochain. La draft aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Vous allez avoir plein de choses. Il y a déjà des profils de draft qui sont sur le site de Trash Talk. On va avoir des profils qui vont tomber sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Il va y avoir aussi des petites mocks si les gens sont sages. Voilà, hashtag si les gens sont sages. Exactement, c'est si les gens sont sages. Elle me rend dingue cette draft. Et on va avoir Simon pick 4. Fan des Kings en pick 4 jeudi prochain. Où c'est je pense qu'on va bien se marrer quand même. Mais on est monté, en fait on est emmerdé. Enfin bref, on va parler de ça maintenant. Alors qui gagnerait en 4 ou Shaedon Sharpe? Je sais pas, on va trade brand pour Lugendorst et finir notre slip avec. Là ça va être n'importe quoi. Lugendorst c'est bien ça. Je sais pas. Tout à fait. On vous aime de Bruxelles, et ben nous on vous aime aussi de Paris, formidable. Bah oui. Allez, on voit Tito Horford, on a Del Curry, Tito Horford, on a le papa Wiggins, Mitchell Wiggins aussi qui a joué NBA. Ouais. Donc pas mal d'anciens darons qui ont vu leur fiston. Ouais. Il y a le père de Clay Thompson aussi. Il y a Gary Payton aussi. Gary, je sais pas si vous connaissez. Il est dans les tribunes ou pas, Gary? Je sais pas. Il faut mettre ce petit jeu. Grant Williams qui est rentré. Tout à fait, et donc on est passé sous la barre des 2 minutes, 22-18. C'est vrai que t'as raison, Simon, Grant Williams, il est rentré avant Peyton Pritchard est rentré avant Grant Williams, c'est ça que je disais. Ouais. C'était… Faut dire que Williams, c'est pas sa série trop pour le moment. C'est vrai que c'est pas la série plus simple pour lui. Pritchard. Allez, Tatum, bien, 5 secondes sur HD24. Oui. Oh là là, c'était dur, bien le rebond de Jordan Poole. Ouais. Et il reste 1 minute 30, allez, 90 secondes dans ce premier quart. Draymond Green face à Monsieur Grant Williams, c'est bien, ouais, et la bonne faute provoquée. Ça sort bien, Steph. Ouais. Est-ce qu'ils sont dans le bonus? Là, il était coincé. Et hein. Du coup, c'est quoi? C'est un shoot? Non, je pense pas. Quand même pas. Parce que s'il a trois lancés là-dessus, c'est side out. L'arbitre a fait le signe sur le côté. Hop. Et Grant Williams, là, ouais, c'est un peu trop jeté. Ouais. Série compliquée pour Grant Williams. Ouais, bah, c'est pas sa série, ça, pour lui. C'est dur. Ils en ont rien à faire de son profil, les Warriors. Ça les dérange pas du tout, en fait. Là où le Heat et les Bucks ont eu du mal à le gérer. Bien sûr. Allez, faut la mettre en l'air. Ah, c'est bien joué. Allez, Draymond, faut les mettre, ça. Oh là là, Draymond qui met ses 3 points. J'ai eu l'impression que c'était court. Moi aussi. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Et le gros 3 points de Draymond, hein, il en a pas mis des masses. Hein. Ça change pas mal de choses, je trouve. Allez, Jason Tatum en iso sur Gary Payton. Ah bah alors là, si tu penses que c'est une mismatch, mon frère. Allez, Derrick White à 3 points, c'est loupé. C'est long, faut le rebond. Le gros rebond de Steph. Attention, les Warriors peuvent prendre le lead. Ouais. Attention, Steph sur le drive. Qui la rend à Gary Payton. Pas très bien qui la rend à Steph. Non, c'est rare. Steph. Oh là 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 là. Steph à 3 points. Parce que c'était pas bien géré, hein, la contre-attaque. Vraiment. 8-0 sur les deux dernières minutes des Warriors. Et tu passes devant juste avant la fin du quart. Oh, run la de fin de premier quart. Il y avait 12-2. On est sur un 22-10 côté Golden State. On va voir ce que Boston a dans le ventre. Bah là, offensivement, on en a parlé, Alex. On va en reparler à la fin du quart temps. C'est pas top. Hein. Non, allez, Derrick White. Qui drive sur Wiggins. Oh, bien Wiggins qui met le contre. Protection. Oh, Robert Williams. Oui, et un joueur. La mimine de Gary. Oh, les salauds. Ah non, Jordan Poole qui débarque. Attention, avec Draymond sur l'écran. Oh là, peut-être. Ça peut faire mal, Jordan ça. Poole. Non. Ouh, oh là là là, avec le bank shot.
Oh le run des Warriors, ça c'est un peu vulgaire. Ça c'est un peu vulgaire, ouais, je trouve. J'avoue. Celui-là il est vulgaire. celui-là il est un peu vulgaire. Attention, on va suivre la dernière possession après. On va faire un point stat. Je te laisserai l'ouvrir parce que ça va être quelque chose. Allez, Jason Tatum, qui la donne pour Derrick White, c'est pas mal. Preyton Pritchard, bonne Dev de Wiggins. Non, et attention, on sait que Jordan Poole en l'air il peut envoyer quelque chose. Il va le tenter. Oup, hop, hop. C'était pas loin. Ouais. 27-22, oh, fin du premier quart. Grosse climatisation au TD Garden. Alex, point stat. Il y avait 22-16 pour les Celtics. Hein, dans le moment, tu sais, on a fait les comptes et tout. Il y a 27-22 pour les Warriors. C'est un run de, donc, de 11-0 pour finir le quart. Sur fond de tout le monde un peu. Hein. C'est-à-dire que Kerr a déjà utilisé 8 joueurs. Du banc sont sortis Looney, Payton et Poole. Poole a déjà 5 points. Payton a 4 points, il a déjà pris 4 tirs, il n'a pas eu une grosse réussite, mais il a provoqué de lancer, il a pris 3 rebonds, il a fait une passe d'aise, il a fait un petit ballon chippé dans les mains et tout, enfin il a eu de l'activité comme on connaît. Poole, il est à 2/2 au tir, donc ça c'est vachement bien pour les Warriors. On a Klay Thompson à 5 points, Steph Curry à 5 points, Draymond à 5 points, les passes sont réparties. Non, c'est un très très bon premier quart de la part des Warriors. Côté Celtics, tu as Tatum et Brown, qui sont chacun 3 sur 6, 3 sur 5 avec 7 points. Donc ça, c'est plutôt bien pour les Celtics. Par contre, Al-Horford, pas pris de tir. Et surtout, là, le souci des Celtics, c'est ce qui sort du banc. Ah, encore. Ça pèse pas des masses. Peyton Pritchard ou Derrick White ou Grant Williams. C'est ça. Ça, voilà, il y a 2 points de Derrick White sur un petit layup, là, on s'en rappelle. Mais sinon, ça pèse pas beaucoup. Donc là, qu'est-ce qu'ils doivent faire là dès le deuxième quart? Ils doivent déjà resserrer à mort la défense, bah, éviter que Golden State prenne ce genre de rythme là où ils prennent feu là, parce que ça va être très compliqué. Hein. Ouais, puis je crois, comment dire, tu vois, tu fais rentrer le banc des Celtics en même temps le banc des Warriors apporte. Ouais. Et le banc des Celtics coûte un peu à Boston, donc je crois que malheureusement là, quand tu joues ta tête. Et bah, si tu dois jouer 40 minutes de Smart, Horford, Tatum et compagnie, je crois que c'est le moment. Bah, hein. Ouais. Horford, pour moi, ça doit, sauf si Fall Trouble et tout, Horford, faut pas qu'il sorte du terrain. Quoi. Ou quasiment pas. Parce que là, les minutes sans Horford, moi, pour moi, c'est surtout ça. Hein. Bien sûr, et il faut que Horford, tu l'as dit, avait fait un très bon début de match. Il faut que sur tout un match, il nous rappelle qu'il fasse pas une Chris Paul, c'est-à-dire j'ai fêté mes 37 ans et maintenant j'ai vraiment l'air d'en avoir 37. Parce qu'il nous fait des playoffs jusqu'ici qui sont extraordinaires. Bah, c'est lui contre Milwaukee, par exemple, notamment la fin de série. Bien sûr, c'est même contre Miami. Hein. Ouais. Mais là. Là, je crois qu'Idoka, il doit se dire bon, ben Payton, Grant Williams, tout ça et tout, je vous aime bien, mais là, malheureusement. Compliqué, énorme réaction des Warriors, énorme réaction de taille patron, hein, vraiment, hein, c'est, ouais. Tu vois toute l'expérience, c'est que c'est des garçons, t'es mené 12-2, t'es dans une salle en feu, il n'y a pas de problème, on va bien exécuter, c'est typiquement le genre de scénar que les fans des Warriors auraient, pour lesquels ils auraient signé à la fin du premier quart à Game 6 en déplacement. Attention, un run pareil, en plus ça va les mettre archi en confiance. Complètement. Et Jordan Poole commence à mettre des gros 3 points avec la Draymond qui met ses 3. Draymond qui met ça, un corner. Ça c'est quand même assez énorme. Steph, là il y a eu 3 gros 3 points de suite de la part des Warriors, ça fait très très mal. On sait que c'est deux équipes qui savent très bien défendre tactiquement, sauf qu'il y a un moment dans ce sport qu'est le basketball, quand les Warriors commencent à foutre un peu tout ce qu'ils veulent à 3 points, tout se complique. Ouais, tout à tout fait. Tout se complique. Tu l'as dit, hein, Draymond d'un côté, Poole avec la planche, Clay en déséquilibre, Steph n'importe comment. Non, c'est vrai, ils ont vraiment commencé à dégainer. Ça, puis là, quand il y a le run, le run de 11-0, là, j'ai trouvé Boston un peu trop. Il faut qu'il soit plus méchant, quoi. Spectateur, je suis d'accord. C'est... Alors, peut-être pas tout de suite, mais. En fait, surtout en attaque, si leurs 3 points ne rentrent pas, un peu comme là dans le premier quart, faut m'attaquer le cercle. Ouais. Ça va, il y a Looney, mais sinon. Tu peux aller au cercle, tout à fait, et c'est l'edge. Et d'ailleurs, c'est no disrespect envers Warriors. Je suis d'accord avec toi, Alex. On a vu Marcus Smart tenter excellent contest de Wiggins qui contre là, le layup notamment. Oui. Mais quand même. Mais c'est vrai que derrière Tatum, qui est plutôt sur extérieur, et d'autres garçons, ça ne pénètre pas trop. Alors qu'à côté, Steph essaie de pénétrer. Non, il faut de l'agressivité. Horford qui revient tout de suite. Hein, c'est reparti. Ça repart, 27-22, 11-52, 11-51 et 11-50. Udoka, il a une oreillette avec Simon. Hein. Allez, Draymond pour Jordan Poole. Attention, Draymond qui a le ballon. Mais Horford est revenu. Draymond, ouais. Oh là là. Ils vont aller vous revoir à la table. Ouais, non. Il en rajoute un peu, Tatum, je pense. Oh, mais il y a un bras qui se lève un peu. Il en rajoute deux, ouf, Tatum. Ouais, mais ça se tente, hein. Faire comme Steph. Il y a un petit bras qui se lève un peu vers l'arrière, Draymond Green. Bon. Je vais faire comme Steph, je vais mettre la serviette sur la tête. Là, ça monte un peu, là. Là. Ah oui. Ouais, il y a des doigts qui sont dans le visage.
C'est vrai que c'est un geste totalement naturel. Waouh, Draymond. Vous croyez que dans la vie quotidienne aussi, il y a des bugs comme ça, Draymond Green, hein. Tu vois. Vous payez en carte ou en espèces. Ouais, je sais pas. Allez, Wiggins, c'est le bon drive. Bien, le drive. Et Draymond Green qui fait revivre la balle. Oh là là. Oh. C'est un malade, oh, ça c'est fait un malade. Mal, ça. Lui, il est vulgaire ce soir. Lui, 30 à 22. Lui, il est mal poli là, je mais trouve. Mais Jordan Poole. Attention, parce que si c'est Michael Jordan Poole ce soir, ouais, ça complique tout. Ça peut être dur. Allez, ça complique tout. Alors, fort avec du mouvement, du mouvement sans ballon. Il va leur falloir c'est un panier. Joué, ça, il va leur falloir un panier aux Celtics. Aïe 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 aïe. Attention, attention, si ça tombe, attention. Ou à la bonne passe. Et ça rentre. Bien joué. Oh là là. Wiggins, j'ai dit vraiment. Tant mort Boston. Tant mort Udoka tout de suite. Oh là, ça commence à chest bump. Côté Warriors, il y a une ambiance. C'est jamais là. Bon ça. Il y a une ambiance là. C'est très très californien comme sauce. Hein. Oh là 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 là. Le TD Garden. Ça va, il reste du temps, c'est, mais c'est très très calme. Il va falloir éteindre ça un peu. Ouais. Ah bah là, le TD Garden très très calme. Ouah, Jordan Poole, on revoit là. Il le prend sans hésiter. Il est 2 mètres derrière la ligne à 3. Et on voit la très bonne passe de Klay Thompson pour notre ami Andrew Wiggins, le Gérard d'or. Qui va se protéger de l'autre côté du cercle, hein, la classique qu'on t'apprend quand t'es petit au basket. Tu te sers du cercle pour te protéger et mettre ton petit layup reverse. Exactement. Il y a 32 à 22. C'est un plus 10 là en ce deuxième quart pour les Warriors. Ah là, les Celtics vient. N'ont pas marqué un panier depuis. Je vais aller regarder parce que ça commence à faire un petit moment là. Bah du coup ils sont sur un 30 à 10 au calme. Mais c'est ça. Et ah surtout, ouais. C'est ah oui, il est de quand le dernier panier de nos amis. Tiens, je vais Boston. Tout de suite. Je crois que c'était au game 5. Attends, je vais au playback. Merde. Le dernier panier de Boston. Oh la vache. Ah, là, là. C'est le 3 points de Tatum là sur. Non, il y a eu un truc depuis. Quand même. Voilà. Le dernier panier bah non, de regarde, nos là, amis. Là, il faut qu'on... Tatum a jumper sur Derrick White. Jalen Brown. Ah, il y a le Jalen Brown ligne de fond. C'est ouais. Le Tatum. Quand il coupe et après il se retrouve ligne de fond. Non, c'est le Tatum. Et il y a un 3 points de Tatum. Tatum sur passe de Derrick White, c'était à 2,53. C'est une bonne exécution sur Looney. Ouais. C'était ouais. À 2,53 de la fin du premier quart, les gars. C'est grave. C'était il y a bientôt 4 c'était minutes. C'était il y a un mois. C'était il y a bientôt 4 minutes. C'est très violent. Ça, c'est pas bon du tout. Et pendant ce temps-là, les Warriors, ils scorent. Ah non, c'est très très violent. Et puis tous les Warriors scorent, quoi. Tu peux même pas dire la sécurité ou Thompson, il y a tout quoi. Tu t'es pris un 3 points de Jordan Poole, il y a Wiggins qui met des. Je vois des pour contre-attaque. Je vois des expressions formidables dans le chat. C'est vraiment, il y a des légendes totales dans le chat. Oui, totalement. On s'ambiance bien sur le canapé. Là, pareil, on a souvent fait le jeu de faut dire quoi. Là, t'es Udoka, faut mettre des tartes là. I want some nasty là. Ah bah là. I want some nasty là. I want some nasty. Et là, il faut, je répète, hein, agressivité vers le cercle. Ils ne vont pas s'en sortir à coup de 3 points. Et je pense qu'en plus, s'ils arrivent à amener un peu d'agressivité, derrière, il y aura un peu plus d'espace pour les 3 points. Et là, potentiellement, ils peuvent rentrer. Mais là, il ne faut pas que les Celtics oublient les fondamentaux. Il faut absolument qu'ils aillent au cercle. En plus, là, ils ont pris un petit coup sur la tête. Ils sont à moins 10. Bah, ça va mais bien. Imagine, tu fais 2 stops avec 2 drives, boum, tout de suite t'es à moins 6. Le TD se remet à chauffer et hop, c'est reparti en fait. Mais oui, bien sûr. Il est encore largement temps de se remettre dans le match. Si, bien sûr, Michael Jordan Poole qu'on voit là à l'écran arrête d'être à 100% au tir. Ah bah 8 points, 3 sur 3 au tir, 2 sur 2 à 3 points. C'est ce qui était attendu d'un Steph ou d'un Clay. T'as ça en sortie de banc, c'est génial. Je rappelle bien évidemment que les Warriors devront discuter contrat avec Jordan Poole cet été. Hein. Ouais. Voilà. Ça ce sera notre vrai les frais de je rappelle que ça sera pas le minimum. Tout à fait et que Kevin Looney ce sera pareil hein, ouais. Comme on dit. La luxury tax hein, pour Joe Lacob, on le sait. Si ça se trouve dans une heure, lui il dit je m'en tape, allez-y mais pense pas je vais sabrer le mouette. Ouais, c'est ça hein. Ouais. Si ça se trouve c'est le pari hein, de toute façon. Mais attention, il y aura des grosses décisions à prendre parce qu'il y a du joueur de talent et qu'il y a des contrats qui sont assez énormes. En tout cas là, ils sont quand même venus avec le fabricant de climatisation là. Exactement. La vache. Putain, l'autre, ça c'est des actions. Wow, layup loupé contre la planche avec le banc, là, t'as vu le banc est comme ça là. Se retourne en même 40. Allez, on y va. Bam. La réaction des Celtics va-t-elle être énorme? Nick Stauskas, dédicace à Simon, est sur le banc, il est dubitatif. Va-t-on avoir droit à des changements? On va surveiller. Il y a le retour de Marcus Smart. Ouais. 16-0 depuis les 2-27 du premier quart, comme on disait à l'instant. Aïe. Allez, Tatum pour Jalen Brown. Jalen Brown au shoot. Ça rentre, ça. Faut arrêter les tatoues. Ça points, suffit, les, gars. Les shoots à 3, comme ça, au trans. Attention. Là, tu vois, il n'y a pas d'agressivité. Ça joue en fer à cheval. C'est pas. Oula, attention. Non, flop. Bien joué. Allez, Clay. Ouf, bonne défense. Ouais. Tout à fait. Allez, Clay pour Jordan Poole. Bah, shoot d'ici, cousin. Hein. Franchement, vu ton début de match. Allez, Jordan Poole. Tu rigoles, tu vas voir qu'il va y aller. Mais non. Hop.
Bon rebond de Draymond. Draymond, le rebond off. Il y retourne le bloc. 35-22. Hein. On est sur un 33-10. Non, mais là, c'est même plus une clim. Hein. Il faut un layup là. Il faut un layup. Il faut une attaque vers le cercle. Il faut que ça passe. Voilà, vas-y. Gary Payton, la bonne défense. Oh là là, attention. Pull up, pull up. Mets-la en l'air. Oh là là. Et ils viennent de prendre deux temps morts en... L'autre a eu deux gars, il prend temps mort toutes les deux minutes. Là. Les gars, ouvrez les fenêtres. Ouais. On en peut plus. T'as pas besoin du game 6 de clé. Hein. Ouais, oh là 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 là. Oh la gueule. 21-0 en cours. Oh la violence. C'est un peu dur là. Et donc, un énormissime 35-10. Surtout, je vois pas trop. T'as pas la Boston, t'as pas un mec miracle sur le banc à faire sortir. Ah bah là non voilà. Là 15 en plus c'est attention à ce genre de mood parce que là les mecs ils peuvent te sortir les verrous. Autant on a dit il faut faire gaffe à ne pas trop dépendre des shoots à 3 points et là-dessus on a vu quelques garçons driver. Mais si Derrick White il fait gamelle, si Jaylen Brown il peut pas poser un dribble sans que Gary Payton vienne intercepter. Là... Les gars là va falloir même les algorithmes ils peuvent pas t'aider non. Moi tu sais vers quoi j'irai là? Première action du match, alors Ford qui avait pris la position au poste en là. Bas là. Ouais, tu recommences. Arrêter de driver peut-être forcément, peut-être trouver des positions un peu plus basses, tu vois. Quand ça, il y avait Marcus Smart qui était au poste notamment. Se démerder pour isoler Jordan Poole et lui mettre un mec dos, tu vois, jouer sur Jordan Poole. Je pense que c'est le défenseur le plus friable là-dedans, je pense. Ah bien sûr. Il y a 15 points d'écart. Effectivement. Wow, la violence, 15 points d'écart. Effectivement, utiliser alors Ford poste bas, attaquer Jordan Poole dès que tu peux. Arrêter de perdre des balles et peut-être et salir le match, hein, pardon, mais quitte à. Ah bah là. Sinon c'est fini quoi. Faut tout tenter là. Est-ce que tu fais rentrer un Daniel Tiles en lui disant tu mets un brin, on s'en fout et t'en allumes un? Je sais pas. Peut-être. C'est peut-être un peu tôt en deuxième mi-temps, c'est peut-être un peu trop sale. Mais là mais, tu vois aussi. À un moment. Tu vois aussi toute l'expérience des Warriors là sur. Donc c'est. Combien 15-16 premières minutes. On n'en a pas trop parlé. Ils défendent bien là. Ah non mais ils les obligent à shooter. Non mais ils jouent super bien. C'est ce qu'on disait. C'est que là en fait le fait de, comme tu le disais, de vouloir driver est très bien. Mais Jaylen Brown pose un dribble, il y a Gary Payton qui me la mimine, Derrick White qui va à l'arceau. Il y a un contest des mecs. Le premier rideau est super là. Ah bah là c'est ce premier rideau super. Ça fait d'ailleurs partie des choses où on a parlé beaucoup de Clay offensivement. On a dit ah c'est Mythic, Mirizin, etc. Depuis le game 2, game 3 de la série, défensivement ce que fait Clay Draymond aussi. Oui, Wiggins et tout, mais ouais, Clay vraiment est passé à un cap 2016-2017 là, au niveau physique et intensité. Ils défendent trop bien les Warriors. On l'oublie tout le temps. Hein. Tout on à se fait. Focus sur leur qualité offensive, bah les non, mais ils ont et tout, mais oh là là. Entre Draymond Green, Clay Thompson, Wiggins, ils ont des défenseurs élites. Et j'ai l'impression que là, Payton. On est en train d'avoir la confirmation aussi de si je bêtise les deux derniers matchs. Boston n'a pas réussi à mettre 100 points dans un match depuis le combienième match de cette série? Bah depuis le game 3. Ouais. Putain. Et c'est pas sûr qu'ils les franchissent ce soir. Bah, on va voir. 35-8 en 9 minutes 35, c'est 35 pas beau. 35-8. Et il y a même pas Bielicha sur le terrain quoi. Alors là, tu vois, ils ont même pas besoin de faire rentrer Bielicha, ils mettent un 35-8. Alors bon. Ouais, ils ont mis 116 au game 3 et depuis ils ont pas passé les 100 points. Non, mais on rigole, mais ce serait quand même bien que Boston recolle un peu avant la mi-temps. Ah bah c'est pas que c'est quand même bien, c'est que c'est obligatoire. Ouais, mais là, le problème c'est que je vois pas. Enfin, il reste 10 minutes hein, les gars avant la mi-temps. C'est en fait les Warriors là vont tellement vite qu'on se rend pas compte, mais il reste 10 minutes avant la mi-temps. Oui, non, il reste du temps. Donc là la mission elle est simple pour Boston, il faut brûler des cierges pour espérer que Jordan Poole va rater un tir et foutre du muscle là. Comme tu disais Bastien, vas-y, salis le match, agresse, joue dessous, va chercher des ouais. petits points. C'est, regardez ça, 21-0 depuis donc 2027 dans le premier quart-temps, c'est le plus long run en faveur d'une équipe dans l'histoire de NBA finale. Bah, tu m'étonnes. Merde, à domicile t'as pris Arrêtez ça. Non mais c'est leur jeu après aussi. Mais oui, mais c'est leur jeu. Mais oui, je suis d'accord. Mais là c'est un 3 points correct, bon. Mais servir Ford en bas un peu, je sais pas en fait. Allez, Jordan Poole avec le ballon, il va la rendre à Clay, attention, bien drivé, bien feinté, voilà, Clay, filer, le petit flotteur c'est court, bonne def de Robert Williams. Ouais. Allez, et là, tu ne settles pas pour des shoots extérieurs, il faut aller vers la raquette. Allez, Jaylen Brown, qui la donne à Marcus Smart, Jaylen Brown, t'es défendu par Jordan Poole, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, vas-y. Allez, faut le jouer, Marcus Smart sur le drive, encore Gary Payton. Ouh, s'en sort bien Marcus Smart. Mais qu'est-ce que je l'aime. Mais qu'est-ce que je l'aime ce garçon. Quel poids la famille hein. Quel est-ce qu'il a été bien formé. Le Glove Junior. Tu crois que lui aussi va avoir un contrat? Le Glove Junior. Ah oh bah lui il va avoir un contrat. Eh, Glove Junior, j'adore.
Allez. Le gantelet. Glovy. Bonne passe. Oh non, c'est la passe de trop, ça. Bon, ok. Bah, voilà. Robert Williams. Bien, Tatum. Bel effort. Bien, allez. Bien, bel effort. Ça, allez. C'est ça qu'on veut, les Celtics. Putain, mais Robert Williams, le mec, il fait 2m16, il fonce vers le panier, il fait Boris Dio. Oh là là. Parce qu'il a bien envoyé l'épaule d'Andraymond. Ouais, limite challenge, mais c'est un peu tôt. Poids. Non, c'est rien. En plus, tu mènes de 12. Je sais pas s'il est pas derrière la petite ligne à la con, là. Non. C'est non, bah non, carrément pas. Il tombe avant qu'il y ait le move. Tu sais que. Écoute, balle Celtics. Oui, voilà. J'ai l'impression peut-être qu'il tombe avant que. Non, oh là là, c'était léger. Il tombe en même temps. Oh là là, tu sais que. Allez, Jalen Brown, le pull-up. Allez, ça rentre, ça fait du bien. Un peu d'air. On moins respire. 10. Ouais, allez. C'est un petit 5-0 là. 5 points de suite pour les Celtics, ça fait du bien. Il faut un stop là tout de suite. Tout à fait, 12 attention points. À Jordan Poole, il est chaud comme une braise. Allez. Oh là là, ouais. Ouf, Marcus Smart. C'est la troisième. Mais oui, mon grand. Oh là là, Marcus Smart, mon facteur X. Ouais, reste dans le match, reste dans le match. Il fait pas du tout son match. Ouais. Tu vois, je l'ai dit. Ça cracote. Ouais. Ça cracote côté Marcus Mars. Ouais, mais c'est peut-être le chemin quand même de remettre de l'intensité, quitte à faire des fautes. Ah, regarde son coude là, c'est débile. Ouais, puis il va un peu chercher, je crois, peut-être pas. Ah. Ok. Elle est bête cette faute de Marcus Smart. Là, il a trois fautes. Qu'est-ce qu'il va faire, Udoka? Il va le laisser sur le terrain? Non, il a Derrick White. Ah, il le sort, c'est normal. Il peut pas se permettre. Wiggins. Avec l'écran Looney, non, il le prend pas. Wiggins qui la rend Looney. Looney qui la rend Wiggins. La connexion, Wiggins. Loupé, rebond Looney, parce que c'est incroyable. Et lui, il va vers le panier. Et lui, Wiggins. Va le panier. Oh, il faut finir. Bien, Horford. Oh là là, Gary Payton, là, c'est déjà ouf. Ouais. Allez, attention, il y a peut-être un run des Celtics à caser. Là, Derrick White, c'est parti. Derrick White, qu'est-ce qu'il fait? Il la rend à Horford pour Derrick White. Qui est défendu et par Clay Thompson. Alors Ford défendu par Jordan Poole en bas là, donnez-lui la c'est balle. C'est quoi cette passe? Mais que... bon, ça va. Et la faute de Kyrie Payton. Ça sort bien parce qu'elle n'était pas terrible la passe. Hein. Tout à fait. 37-27, 8 minutes 24, on sent qu'il y a un petit peu de hype là dans le public. Là, on essaie de retrouver un peu d'air. Après le run de 21-0 où tout le monde était constipé. 8 minutes 24 et le retour du chef Curry qui remplace Gary Payton 2 qui a fait une belle entrée sur le parquet super entre passage. La fin du premier quart et le début du second. Il a mis des petits points sur du jeu rapide, il a bien défendu, super passage de Gary Payton. Tout à fait, il est applaudi par le futur coach des Kings et le futur coach des Hornets. Formidable. Ouais. Allez, Tatum bien défendu par Wiggins. Ouais, Derrick White, le shoot. Oh là là, le matos. Absolument aller au cercle côté Celtics. Steph, oh là là, le contre de Jalen Brown. Et j'ai l'impression que Robert Williams est par terre. Ouais. Attention, Tatum, le petit layup, ça c'est bien. Attention, Robert Williams, par contre, j'ai l'impression qu'il s'est pas relevé. Parce que là, il s'est pris un. Non, ça va. Après, l'autre, il vient de Jupiton. Ouais, de toute façon. C'est bien. Ils ont mis du physique. Depuis le mois de mars, il a plus de genoux. Robert Williams. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est nimp. C'est un. Franchement, pour très très peu de choses, le staff médical de Boston pourrait se prendre un procès là. L'abus qui se passe. Mais t'as vu le. C'était Isaiah Thomas là qui leur a mis une vraie balle réelle. Ah ouais. Sur Twitter, je crois. Ah ouais. Je crois que c'est Isaiah Thomas. Ils mettent genre. Que le staff de médical a dit à Robert Williams non, il peut jouer sur le genou, ça s'aggravera pas. Et Isaiah Thomas il dit ouais, on la connaît l'histoire en gros. Il a mis ça. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Je sais plus ce qu'il met en anglais carrière, exactement, mais ça veut dire ça quoi en gros. Ça me rappelle quelque chose. Ouais, c'est exactement, c'était l'idée c'est de son. Ça a coûté une carrière au mec. Ah merde, terrible. Ouais, j'étais MVP, puis maintenant je suis au bout de banc. C'est dur. Ouais, et de Team USA. Bon, mais c'est bien, ils ont remis du physique. Merci Boston. Ils ont attaqué le cercle aussi. Ouais. Allez, on veut du fight. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Ils ont mis l'arbitre a mis quelques petits calls là d'après le et chat. D'après le chat, il y a des petits calls qui vont pas. Alors, Draymond Green, c'est vrai que c'est litigieux. Bah, après, il y a la faute de Smart aussi qui est litigieuse, tu vois. Bon. J'ai pas le replay. Je vous laisse me dire le chat. C'est Jalen Brown ou c'est Jalen Brown ou c'est. Moi, j'ai l'impression que c'est Robert Williams. Moi, j'ai l'impression que c'est Robert Williams, mais les deux sautent en même temps. Moi, je dis que c'est un chase down de Robert Williams, ouais. Mais il y a Jalen Brown dans le coin. On n'a pas vu de ralenti, donc c'est dur à savoir là. Ouais. Je fais un peu de nettoyage dans le chat. Hein. S'il y a des bots qui ont envie de vendre du Viagra, c'est pas ici qu'il faut le faire. Hein. D'accord. On est là pour le Game 6 des finales NBA, donc je sais pas s'il faut parler anglais. Ils jouent à deux intérieurs aussi, Boston, depuis tout à l'heure. Stop spamming the chat, motherfuckers. Voilà. Allez, 14-2, 35-8 et 7-0. La vie est un run. Hein. Vous avez vu, ils jouaient Horford et Robert Williams depuis tout à l'heure.
Ouais, jouer plus intérieur. C'est peut-être aussi ça la bonne méthode. Hein. Ils ont raison. Allez, Steph. Ça leur donne un niveau au rebond qui est vachement intéressant. Clay, ficelle, le petit fade away au niveau de la ligne de lancer. Après un bon curl, c'est un bon système. Mmh. Il y a le petit écran, le curl, Curry qui sert dans le timing. Enfin, c'était vraiment propre. Très peu de choses aussi satisfaisantes qu'un bon système exécuté en sortie de temps mort. Allez, Jaylen Brown avec Jaylen Tatum. 7 Allez, minutes 30. Rentrer la balle dans la raquette. Là. 7 minutes 30 dans le deuxième quart. La balle, elle est pour Robert Williams. Attention, Robert, on la rend à Jaylen Brown. 6 secondes sur HD24. 5-4. Il y a Looney qui sort. Il la met en l'air pour Robert Williams. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Oh, la main pleine de beurre. Et ça ressort. Ah, puis la passe, elle est trop lente. Elle, elle flotte. C'est timide de la part de Brown. Soit il faut la faire avant même que Robert Williams se déplace. Si t'attends qu'Robert Williams soit là, c'est trop tard. Bon, allez, high screen. On la donne pour Looney qui la rend à Wiggins. Ça. Feinte, Wiggins, feinte sur Horford, c'est bien joué. Ouais. Oh, c'est pas mal. Le rebond, c'est pour Horford. Ouais. 39-29, 7 minutes 08 bon à jouer. Un test de Williams, un rebond d'Horford. Allez, Horford qui met du rythme. Allez, alors Horford qui va essayer de jouer sur Jaylen Brown tout à fait au poste sur Clay. Pourquoi pas? Jaylen Brown qui prend le pic d'Al Horford. C'est Horford parti. Défendu par Il fait le drive, main gauche, c'est bien défendu par Clay. Ouais, et très très bon taf. Rebond Jaylen Brown, la mimine et la faute. Faute de Clay. Ça doit être la troisième de, je dirais, de Looney ou de Steph. Peut-être de Steph, peut-être la faute, pardon. Donc c'est soit la deuxième de Steph, soit la troisième de Looney. Je sais pas, on va voir, fais voir l'action. Bonne défense de Clay Thompson. On revoit le rebond. Qu'est-ce qui se passe? Il y a faute là. C'est bon, mais bon, ils s'entremêlent les pas. Mais tu vois, ça me gêne. Moi, t'as Horford sur Wiggins et ils le servent pas quoi. C'était une faute de Looney hein, du coup, hein, qui a été sifflé par les arbitres. Donc c'est la troisième de Looney. Allez, Derrick White, transparent pour l'instant. Ah, c'est pas Robert Williams. Voilà. Bien joué. Et là, bien la passe, elle est bien, elle est directe. Ouais. Elle arrive au pas moment où Williams arrive. Voilà. Un bel errement défensif de la part des Warriors, hein, mais c'est bien. Tout à fait. 39-31, 6 minutes 35 à jouer. On retrouve un petit peu d'air au TD Garden. Ouais. Steph, avec le ballon, qui est bien défendu par Jaylen Tatum. Ça rentre dans le corner Wiggins. Ça rentre pas ce 3 points. Si, ça rentre. Si. Ça rentre à la Kawhi. Il est gros ce 3 points. 42-31, tout à fait. Entre Canadiens, on se connaît, j'ai envie de dire, même s'il n'est pas du tout Canadien, mais vous l'avez vu à Toronto. Allez, Derrick White avec le ballon. 10 points de Wiggins. La spy, Horford est défendu par Thompson. Oh là là, c'est les molles. Robert, c'était Robert plus que Williams. Tout à fait. Allez, la bonne passe. Ça, c'est Robert. Ça, c'est Robert. Contre en Chase. Ça, c'est Williams. Oui, c'est Williams. C'était Time Lord. Tout à fait. Ah oui, parce qu'il y a trois versions. Il y a Robert, il y a Williams, il y a Time Lord. Ouais. Et on le voit là. La bonne passe et le bon couvercle. Super timing de contre. Et regarde ça. Et boum. Bah, voilà. Il a quand même un timing au contre. Ah, lui. Il y a une détente aussi. Oui, ça aide. Mais... Le rebond. Oh là là, Looney. Ouais, Looney qui aurait pu demander la faute. Un truc fort. Allez, 42-31. 5 minutes 55. On est passé sous la moitié de ce second quart-temps. L'écran de Jaylen Brown. Derrick White qui va chercher à Horford. Qui la rend à Tatum. C'est Tatum. Mou. Ce serait peut-être pas mal que Tatum se réveille au scoring aussi. Tatum qui la rend. Bonne défense de Draymond. Ouais, là, Tatum, on n'y est pas. C'est téléphoné ça. Ouf, qu'est-ce qu'il fait Draymond? Il y a un petit coup de sifflet. Faut être sur Draymond, je crois, au moment de la passe. On me dit muscle ton jeu, Robert. Magnifique, muscle ton jeu, Robert. Oui, la ref est là. Magnifique, muscle ton jeu, Robert. La ref est là. La personne qui a mis Game 6 Clay, qui a mis muscle ton jeu, Robert, j'ai envie de dire, je ne fais pas de copyright, donc comme un génie le dit dans le chat YouTube. Voilà, c'est ça exactement. On fait ça bien. Ouais. Je vous laisse commenter juste deux secondes. Ouais, bah, Curry qui met un flotteur. Voilà. Voilà. Et les Warriors, tu vois, les Celtics viennent mettre beaucoup d'intensité. Ils essayent de faire beaucoup de choses pour revenir. N'empêche qu'ils sont toujours à moins 13. Ben ouais. C'est aussi ça la force des Warriors. Pas de panique. On continue à bien ils jouer. Ils jouent trop là. Bon, c'est ah, ah, encore bah, une perte de balle de Derrick White. Derrick White, c'est pas du tout son délire. Clay, Zambo, non. Ouais, et puis la passe de Draymond, elle est un peu c'est trop. C'est dommage là que Draymond il gâche ça parce que Clay il était parti, il avait fait tout l'effort. Allez, on va revoir le flotteur de Curry, je pense. Main à main avec Looney, puis Derrick, voilà. Ouais, mauvaise jambe, mauvais bras. Hein. Ouais, il en a rien à faire. Rien à faire. 9 balles perdues de Boston. Il a pas de mauvais bras, lui. Ça n'existe pas, ça, pour lui. Est-ce que les Celtics vont réussir à atteindre la raquette? Je sais pas, mais alors ça, c'est le titre d'un roman. Bien défendu. Ouais. Horford, il a une Horford qui flash au poste. Allez. C'était propre. Il joue pas assez sur Horford, je trouve, moi. Mais bon. Ouais. Ah, et puis là, c'est très simple. Il y a une raison. Mais... C'est un petit curl à l'opposé. Tu sors d'un écran, t'es sur la ligne de lancer, t'es tout seul. Tu reçois le ballon, Wiggins. Non, c'est une brique. Un peu long, mais encore un bon offensif. Green, il a vu Wiggins dans le dos. Robert Williams l'avait vu aussi. Allez, Steph avec le ballon. Ouais.
Steph avec le ballon. Pourtant, c'est pas si mal défendu. Derrick White, il reste dans le truc. Mais non, il sautille sur la fin. Il n'y a pas de mauvais bras. Ouais, bah oui, voilà. Ouais, c'est ça. Allez, le drive de Tatum. Faute de Wiggins. Ah non, faute offensive. Quoi ? C'est quoi ? C'est l'écran ? Stop and go. C'est Tatum ? Stop and go avec le bras. Ouais. Elle est un peu dure, celle-là. Voyons voir ce que ça a donné. Attention. Est-ce qu'il le repousse vraiment ? Et là, en fait, il lui hook le bras. Il regarde l'arbitre. Bien joué, Wiggins. Bien joué, Wiggins. He's holding me. Et puis, il revient dans le play en plus derrière. Bien sûr. Ouais. Et là, feinte. Allez, merci. Derrick Bye. Derrick Bye. Hein. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent faire ça. Non. Tu sais, quand tu te remets dans l'équilibre sans reposer de dribble et tout. Ouais. Et Tatum qui Tatum va s'asseoir un peu sur le banc. Le banc avant bah Alex, on va parler de Tatum à la mi-temps, j'ai l'impression. Hein. Trois fautes. Aïe, 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 Tatum. Wiggins dans le corner pour Draymond. Ah, il le prend. Il prend un 3. C'est une brique. Oh, faut aller rebondir. Wiggins. Wiggins, il fait un sacré. Oh là là. Sais. Ouais, bah, il fait des sacrés finales. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et là, il a mangé Jalen Brown en agressivité sur ce duel au rebond. Tatum, ouais, on va en parler, mais il n'est pas aidé hein, quand même. Hein. Il n'est pas aidé par, par ses coéquipiers. Oui, 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 c'est mais sûr, bon. C'est sûr. Mais bon, tu sais ce qu'on dit des leaders. Hein, oui, non, c'est à lui de tirer le truc vers le haut. Hein. Allez, Marcus Smart sur le drive, c'est il pas mal. Le cercle, oh, il perd la balle encore, mais elle est touchée. L'accès au cercle est quand même. Ils n'y arrivent pas. Non, non, mais il est à chaque fois. Dès qu'il y a un, tout dès, à fait. Comment dire, dès qu'un mec passe l'épaule, t'as trois mecs des Warriors, tac. Oui. Alors, je pense qu'ils quand ils attaquent le cercle, en fait, Boston, ils devraient plus lire d'où viennent les aides et tout. Tout à fait. Je me permets juste pour ceux peut-être qui découvrent les lives Trash Talk. Non, nous ne sommes pas fans des Warriors. On essaie juste de commenter le match. On n'est pas fans des Celtics non plus. Et fans des Celtics non plus, voilà. Donc, en fait, c'est juste le momentum qui conduit. Allez, Jalen Brown de loin, c'est raté, rebond Draymond. Et ça part en transition. Oula. Non, c'est bon. Il a arrêté son dribble. Ouais. Allez, Klay Thompson, 3 minutes 38 à jouer. Eu 3 sur 13 à 3 points pour le Celtics. Débarquer là, tac, tac, tac. Allez, clé sur le drive, c'est bien joué, c'est bien joué, mais c'est mal Marcus fini. Marcus qui vient arracher ce gros rebond, c'est bien. Allez, faut les mettre, c'est chaud. C'est raté. Aïe, aïe, aïe. 3 sur 14 à 3 points. Ah, c'est pas bon pour le moral. Une première mi-temps extrêmement compliquée offensivement pour les Celtics. Ouais, ouais, ouais. Petit coup de timer, 3 minutes 15, 3 14, 3 13. Il a envie de shooter. Allez, Steph, ouais, Steph, quand il est comme ça. Oh là là, Steph, oh là 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 là, oh là 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 là. Chimi chimi show, chimi yo, chimi yé. Pritchard, c'est pas possible, je suis désolé. 16, et on a remis 16. 16. Ouais. On a remis l'écart de tout à l'heure alors que les Celtics avaient fait un bel effort pour eux, un peu recoller. Pritchard qui drive. Oh, mais regardez l'arceau, bordel. Mais pourquoi il regarde pas l'arceau ? Ça aïe, aïe, aïe. Là, ça ressort. Ouais, bah là, regarde. Attention à Steph. Ouais, bien Grant Williams. Il y a un assassin avec un bandeau. Ah, tu m'étonnes. Non, ça va. Et bien joué de la part de Steph qui recule un peu. Ouais, il reset avec Draymond Green. Ils vont retrouver Curry. Ah non. Oh là là, c'est bien joué. Oh là 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 là. 18 temps mort. 18 temps mort France TV. Ok, temps mort Cookie. Temps mort Cookie ? Ouais. Alors, on enlève le casque, hein. Sinon, ah bah mi-temps ASMR, alors. Ouais, mi-temps, mi-temps. Comme tu veux. Non, c'est mi-temps. Non mais mange si tu veux. C'est juste on se met pas le micro avec l'écran de bœuf. Parce que sinon après c'est n'importe quoi. Nom de Dieu. Oh, on est repassé à 18 Alex hein. Wow. C'est n'importe quoi. Et il y en a un qu'on a beaucoup critiqué et qui fait son match. C'est Draymond Vert. Oui. Oui. Alors là il fait son vert. Bah en défense il est hallucinant quand même. Non non mais ouais, Draymond Green bien en défense. Bonne passe en attaque. Il a mis un 3 points dans le corner. On a Steph Curry aussi là. Steph Curry il fait des dégâts aussi là. En continu. Ouais. Tu sais en smooth. Tiens je vais regarder Steph Curry vu qu'on est dans un temps mort. Wiggins aussi fait un sacré match. Steph Curry 12 points, 5 sur 8 au tir, 5 passes décisives déjà pour l'ami. C'est que pour Wiggins ça va pas être facile d'être MVP des finales hein. Waouh. Ouais non Steph Curry bien. Clay a pris 11 tirs, c'est Clay qui a le plus shooté côté. Début de match, il en prend plein. Ouais. Et puis là, ils ont ressorti Jordan Poole qui est quand même le gars qui a fait une énorme différence dans le run quand il est rentré en jeu en premier quart à cheval sur le deuxième. Ouais. Non, là les Warriors sont extrêmement bien. Il y a plus 18. 51-33. là les Celtics, ils sont dans un corner comme on dit dans le jargon. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont dans le fond de l'impasse, il fait noir. On voit pas, enfin tu vois, on voit pas la sortie là. Ouais, ils sont dans les camps. Ça allait finir la métaphore. Moi aussi. Je disais, c'est une ruelle comment ça. On voit pas la sortie. Une ruelle sombre. Allez, ça repart.
ça repart et on va donc voir qui finit bien cette première mi-temps. Il reste quoi, 2 minutes, 2 minutes 30 11 Allez, Robert, c'est quoi Smart sur Curry, tiens, commence avec ça. Et bah, un peu de physique. Allez. Et bah voilà, oh là là, en reprise de dribble. Bon bah les mecs, après. Reprise de dribble. Bah, apparemment. Bah c'est l'arrivée de Draymond Green a dû le faire flipper en fait. Et du coup il... J'sais pas bien, honnêtement, je l'ai pas vu la reprise de dribble, mais je pense que c'est quand. J'ai pas vu non plus. Bah, là, voit... dur. Nous, avec l'angle de caméra, c'était dur de la voir. Ouais. Enfin, on voit Monsieur Damon Stoudemire. Mais c'est encore grâce à Draymond Green, je pense. Hein. C'est lui qui vient. Ouais. Damon Stoudemire en assistant. Il y a Jordan Poole qui va sortir. Avec Steve Kerr qui regarde Udoka. Udoka qui regarde Steve Kerr. 8 ballons perdus par Boston sur ce second quart. C'est beaucoup trop. Tatum a dit on est une très bonne équipe quand on perd pas beaucoup de ballons. Bon, bah, ce soir. Il a pas tort. Il y a moins 18. Allez, Draymond, avec le ballon. Non, c'est Wiggins, pardon. Wiggins qui la donne à Payton. Payton, oui, pardon. Oh, c'est bien. Oh là, attention à ça. Oh, c'est. Oh là 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 là. Oh là là là, plus 21. C'est une ficelle, ça va pas toucher que ça. On est bien en France TV. On est bien en France TV quand même. À un moment donné. Les bleus battent les blancs très très fort. Ouais, ouais. Allez. Même si Channing Tatum, il te met quand même un petit panier. Tout à fait. Rapidement. Tout à fait. Allez, Michel Safran. Ouais. Allez, c'est bien. Stéphane Safran. Tout à fait, Stéphane Safran. Ah. Hey, il a retouché le ballon. Hein. Ouais. Je crois que c'est Mutombo qui m'a enchaîné. Allez. C'est Robert Parrish. Allez, Fabien Malin. Avec Jérémy Marron sur le drive. C'est pas possible. Ouf, quel flotteur. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un alley-oop? Je sais pas. J'ai rien compris. Non, on a dit, Oh la bonne défense. C'est encore Marron. C'est Jalen Brun. C'est bien joué. Il y aura deux pénalties. Je pense que là il y a deux pénalties. Hein. Ouais. Ah, il n'y a pas coup franc? Non. C'est deux pénaux? Parce qu'il est rentré dans le. Okay. C'est les pénaux, t'es dans la surface de réparation. En fait, quand il rentre dans le rectangle vert, tu peux avoir deux tirs. Et si t'es sur la partie marron du terrain, t'as que un pénau. Soit trois. Voilà. Ouais. Je crois. Je comprends pas toutes les subtilités. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est là, ça. Là, c'est sans gardien. Ouais, tout à fait. C'est... Et voilà, ça rentre. C'est sans gardien. Bah, oui, ça rentre pour généralement. 18. Vont-ils rester? On voit Paul Pierce en gros plan. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il est fort. Très très fort. Jérémy Marron. Il y avait Marcus Malin là, qui se. C'est bon, on est plus en français. Ouais. On est plus en français. Ah oui, c'est vrai. Il y avait Fabien Malin qui était en surface. Allez, Curry qui remonte ça. Allez, Draymond avec le ballon. Oh là là, ça fait. Bah, allez, et Wiggins. Il faut les rentrer. Okay. Wiggins qui marque pas ce panier, ouais. Boston qui s'offre un petit sursis tout seul. Il faut marquer Boston. Hein. Allez, Tatum, mon pote, tu joues Curry Tatum, là. Tatum, tu dois pouvoir. Tu crois qu'il va pouvoir aller à l'intérieur? C'est cool, l'allergie à la raquette, quoi. Ouais, c'était court. Une minute à jouer. Tout petit bras. Ouais, une minute à jouer dans ce deuxième quart. La balle à Draymond qui va chercher qui? Bah, Steph. Il attendait pas la balle. Il y en a un peu. Qu'est-ce que tu fais, Tatum? Un Eurostep. Il cherche la faute avant de marquer. Tout petit bras. Il cherche trop la faute avant de marquer. Il cherche la faute là. Bah oui. Non, mais là, Tatum, il se complique trop la vie. Il cherche la faute, sauf que personne saute. Donc, du coup, il est à l'envers sur son Eurostep. Non, mais c'est pas assez agressif. Il doit monter, il a de la détente, Tatum. Vas-y, mon grand. Et encore Draymond. Draymond, trop bien placé. Il fait une mi-temps, Draymond. Il est trop bien placé. Il a cassé un nombre de transitions des Celtics, c'est impressionnant. Ouais. Juste par sa présence et son bon placement. Et en attaque, il existe plus que d'habitude, je trouve, ce soir. Parce qu'il prend ses shoots. Ouais, Steph Curry a bien couru. Allez, repos, il va profiter de la mi-temps. C'est la mi-temps pour Steph Curry. Allez. Pas de mauvaise possession, tu vas être Golden State à plus 17 à la mi-temps. 5 sur 12 pour Jalen Brown, 5 sur 9 pour Tatum. Ben ouais. Bon. Allez, Jordan Poole, qui la donne à. Oh, il y a Pierre. Il y a Papote. Al Horford. Tout à fait. Là, c'est simple, il faut chercher ce qu'on appelle le 2 for 1 hein, pour les novices qui débarquent peut-être et qui regardent ce match. Hein, 36 secondes, il reste 19 sur l'horloge des 24. Tu prends un petit shoot là maintenant, comme ça, tu auras une possession de fin de mi-temps. Pierre, il s'est payé un grand luxe là, il est en train de finir avec un 5 sans Klay Thompson, sans Green et sans Curry. Ah, il a mis autoporteur. Ah, si, il y a Curry, c'est Draymond là-haut. Ouf, attention parce que si. Ouais, si, y a Draymond. Mais ils ont le 2 for 1. Ouais. Allez. Possession Celtics, scoré, ça semble être évidemment. Bien joué. Voilà. Tu vas dessous avec qui peut aller chercher ces gars à l'intérieur. Avec un peu d'agressivité et des passes sèches, des passes bien faites, tu peux faire des choses. Jordan Poole qui va essayer de mettre le petit panier qui fait mal avant la mi-temps. Allez, pour Draymond, on va rendre 10 secondes sur HD24. Wiggins.
défendu par Jalen Brown. Wiggins qui demande l'isolation. Attention, secondes, 5 attention. Secondes. Wiggins sur le drive, c'est bien joué. Wiggins bon qui va essayer. C'est bien défendu. Ouais, Wiggins sur c'est Michael Jordan. Excellente défense. Bien Draymond. Oh, Draymond qui va demander. Bah, mais je crois que c'est en phase montante. On va voir. Je suis pas sûr, hein. Aussi près du cercle là. Est-ce qu'on peut avoir le replay, ouais, messieurs dames? Là, l'arbitre lui fait non. Et ouais, après, l'arbitre il a fait non, ouais, t'es gentil, chose. Mais ouais. Moi je vais boire ma binouze là. C'est ça. Moi j'ai un quart d'heure, mec, ouais. Ça fait déjà une minute que tu me prends la tête. Hein. Ouais, j'ai Micheline qui m'attend à la buvette. Moi, sur 14 minutes, j'ai mon ticket resto. J'ai mon ticket resto, il est périmé ce soir. Donc après le 14-2 de Boston, ils se sont pris un 52-25. Exactement. Alex, point stat, et après on va pouvoir discuter. Point stat, le point stat 54-39 donc. Tout à fait. Pour les Warriors qui ont fait un immense run à cheval. Enfin, sur la fin de premier quart et le début du deuxième, mine de rien, le deuxième, les Warriors le gagnent 27-17, ils le gagnent plus que le premier encore. Gros souci de l'adresse extérieure côté Celtics, on est à 3 sur 14, ça fait 21%. C'est pas assez. On a parlé de l'agressivité au cercle et tout ça, c'est un vrai problème. Ils ont également 13 ballons perdus sur cette première mi-temps, les Celtics, c'est trop. Jason Tatum, tout petit bras, il a que 5 sur 9 au tir. Le pourcentage n'est pas mauvais, mais il est trompeur dans le sens où il y a plein de tirs qu'il aurait dû prendre, où il aurait dû être agressif et il n'y est pas allé, quoi. T'inquiète, vas-y, bouffe tranquille. Ensuite, j'ai Jaylen Brown qui est lui le meilleur marqueur des Celtics avec 14 points. Le gros problème, on le connaît, hein. Il n'y a que 2 points du banc de la part des Celtics sont de Derrick White, alors que le banc a passé quand même 28 minutes. Arrêtez avec le micro, les gars, parce que ça tape les oreilles. Ça tape fort. Ouais. Faut le poser. Pose-le, ouais, Simon. C'est bon, c'est ah, bon. Tu le remets. Okay. Ouais, je mange. Non, mais vas-y, mange ton petit bout. C'est bon. Et côté Warriors, bah tout va bien. Hein. T'as 4 joueurs à plus de 10 points. Wiggins, Steph Curry, Klay Thompson. Klay et Steph sont à 12 points chacun. Jordan Poole, il a pris 6 tirs. Il est déjà à 11 points. Steph a 5 passes. Draymond Green, 5 passes, 7 rebonds, 5 points, une interception, un nombre de contre-attaques arrêtées impressionnant. Tout va bien. Les Warriors, on va pas se mentir là, ils sont en train de rouler vers le titre. Là, tu mènes de 15 hein, avec les Splash Brothers à 24 points à la pause. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? C'était trop bien là. Trop, ils sont trop, en super trop, situation. Trop bien. Évidemment, on va devoir faire dans l'ordre les choses. Premièrement, vous êtes dans le vestiaire de Boston. Ime Udoka, c'est parti. Acteur studio, Simon, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je pense que je fais constater à mes joueurs un truc, c'est que la défense des Warriors, là, c'est ok, elle est exceptionnelle, tout ce que tu veux et tout, mais il faut se faire mal, il faut la mettre plus en danger que ça, il faut l'agresser. Ouais. Il faut la fissurer. S'il faut à un moment taper, être plus physique et tout, bah tant pis, parce que sinon c'est fini. Hein. La saison est finie là, dans 20. Une heure. Ouais, enfin dans 2 quarts temps quoi. Ouais. Je t'ai perdu avec. Dans 24 minutes. Non, ça va, merci. Et alors il y a un pépite de chocolat et un macadamia chacun. Ils ont l'air sympas, mais je serai peut-être après le match. Ouais, c'est ma grande théorie sur le Subway. Les sandwichs, faut pas y toucher. Par contre, ils ont des cookies incroyables. Allez, c'est placé. Les sandwichs, faut pas y toucher. Mais c'est peut-être ce que Ime Udoka dirait à la mi-temps, tiens. Ouais. Ouais, ou alors non, mais c'est soit ça, soit tu fais rentrer Deuce quoi et t'abandonnes quoi. Nous avec Bastien, on se marre, on fait rentrer Deuce puis on abandonne, on arrête là, tu vois. Sinon, faut se battre. Franchement, alors, faut se battre. Nous avec Bastien, on connaît le Subway de Lyon-Pardieu, de la gare. Ah oh, putain, ça parle Subway alors. Et alors je recommande. Ah ouais. Alors j'en ai rien à foutre de cette mi-temps. De toute façon, c'est un blowout. Ah d'accord. Mais vas-y, raconte. Glauquissime. Le truc glauquissime. Rien que la lumière, le ton de la lumière. Une fois, on est allé faire une séance de dédicace. Vous avez déjà joué à Fallout ou pas? C'est trop ça. C'est trop ça. Une fois, on a fait une séance de dédicace à Lyon. On mange bien en plus, les gars. Ça mange très bien. Bah oui. Mais à 21h, il a commencé à faire nuit. On avait un train dans 1h15. On s'est retrouvé à Pardieu avec Alex. Et nom de Dieu, j'ai remis tout en question. Waouh. Mais en plus, Pardieu en ce moment avec les travaux. Moi, j'y vais. Ma famille, mon PEL. J'y vais demain. En plus, on voulait manger un petit truc. Pardieu en ce moment avec les travaux et tout, c'est dur. On est ressorti avec la faim, hein. Tranquille. Mais sans. Mais les cookies, non, c'est Alex, eux ou c'est nous? Sois pas traumatisé. Les cookies sont bons du non, Subway. Non, mais franchement, j'en doute pas, les cookies, mais alors, ils sont chaud. Un peu chimiques. Franchement, ils sont bons. Ah ouais, non, c'est chaud. Chaud quand même. S'il y a des Lyonnais dans le chat, désolé. Prenez pas à Pardieu, il est 3h du matin. C'est dangereux. Complètement. Dans tous les cas, on n'est pas de Lyon. Non, les gens demandent si on est de Lyon. Tout à fait. Non, je pense que c'est clairement pas ça. On disait que là, Ime Udoka, évidemment, il doit faire quelques modifications parce que tu peux. Est-ce que tu peux vraiment aller? Comment est-ce que tu engueules potentiellement Tatum et Brown? Est-ce que tu le fais? Tu dis quoi? Montrer, donner le ton et soyez plus nasty vers la raquette? Oui. Clairement,
Tatum doit passer l'épaule en dribble. Ok, ça va, Gary Payton, Wiggins font du super travail, je suis d'accord. Il est capable de passer l'épaule. Jaylen Brown aussi. Tu dois me servir Horford dès que c'est possible. On a vu plusieurs fois des, ce que j'appelle des mismatchs, même si c'est pas non plus si simple pour Horford. Mais je suis désolé, Horford peut jouer Klay Thompson. Horford peut jouer des, même Draymond, il peut le jouer en fait, dans l'absolu. Vas-y, mets-moi la balle dessous. Fais faire des fautes. Ils avaient bien démarré dans le premier quart. Ils avaient fait faire des fautes aux joueurs des Warriors. En fait, depuis, tiens, je vais les regarder les fautes. Mais c'est pour ça que t'es Udoka, t'engueules un peu tout le monde. Il n'y a pas tu... de foul trouble à part Kevin Looney qui a trois fautes. Sinon, ils sont ultra sereins, les Warriors. Ça, c'est pas bon. Il faut aller m'attaquer ce cercle beaucoup plus que ça. Tu veux quelque chose, Bastien? Est-ce que tu peux m'en servir si tu montes un peu plus haut? Ouais. Et que tu vas dans Team Stats, s'il te plaît. Ouais, Team Stats. Pour voir les points dans la les raquette. Les points in the raquette, les points in voilà. the raquette. Golden State a mis plus de points dans la raquette que Boston. Merci. Oui, voilà, ça, soirée. C'est pas normal. Tu mets ça en gros sur le, sur le board. C'est moi, je prends un marqueur et je mets il y a 18 à 16 pour Golden State dans la raquette. C'est stop. Ça sert à rien qu'on aille chercher Mbappé. Et c'est 14. Dû à deux phénomènes. Ça passe pas assez l'épaule en dribble et passe son molle. Ça joue petit bras. À partir du moment où Golden State a remis un peu la main, tu sais, après le début de match de Boston, Golden State a mis un peu la main, a fait un run et tout. Ça s'est mis à jouer petit bras. Ça envoyait des fadeaways un peu courts, là, tu sais, qui tape le, vraiment le. Ah bah on a, celui de Tatum, le début là, il est dur. Cercle, voilà. Où il doit attaquer le cercle, et, il le fait pas, il recule. Et ça, on sait que tu peux pas battre les Warriors comme ça, donc ils vont devoir se mettre dedans. De toute façon, ils ont pas le choix. Là, le discours du Doka, c'est aussi genre, bah, les gars, vous voulez partir en vacances, c'est ça? Donc bah non, allons-y. Après, 39 points, hein, c'est faible. Après, je suis, c'est ce dont j'avais peur moi avant le match. Ça sent quand même une équipe qui a beaucoup beaucoup donné dans les playoffs, qui arrive pas à retrouver de l'énergie. Ça sent une équipe fatiguée aussi. Je pense que ça joue. Quand t'attaques pas le cercle, quand tu tombes, notamment Tatum et Brown, quand tu tombes un peu dans le confort des petits touch shoots, des petits mi-distance. Ouais. Tu vois, alors que parce que tu veux pas te faire mal en fait, mais c'est inconscient bien sûr, mais tu fais pas le dribble en plus qui fait que tu dois aller finir au cercle et tout. Ça c'est souvent de la fatigue. Tout à fait. Petite stat envoyée par l'excellent Kirk Goldsberry qui envoie beaucoup de bonnes stats sur Twitter. Jason Tatum sur ses finales NBA, 15 sur 32 au layup. Bah 15 sur 32 au layup. On va me dire de la fatigue et tout, probablement, mais ce ils sont ont des... fait un long run de playoff, c'est enfin, sûr. Enfin, ce sont des athlètes extraordinaires. Mm-hmm. J'ai pas envie de mettre ça sur la fatigue. Je pense que c'est aussi beaucoup dans la tête et que si ça se met à rigoler dans le troisième quart, vous allez voir, on va pas les trouver fatigués. Ouais, non, c'est bien beaucoup sûr. Une question d'intention et d'intensité qui peuvent changer beaucoup de choses. C'est non, la fatigue athlètes. Relativise, mais elle n'explique pas. Et moi, je trouve quand même un truc, Udoka doit les engueuler, mais il doit aussi. Il y a trop de moments. Vous m'avez entendu en fond le dire pendant le match, mais il y a des moments où quand tu isoles le truc, alors Ford est défendu par Klay Thompson plusieurs fois. Et ils restent dans leur plan et ça finit par un 3 points. Moi, ça me gaffe ça. Ah arrêtez ça... tout, écartez, donnez à leur Ford en bas. Je suis d'accord. Ouais. D'accord. Ça, j'ai pas compris quoi. Notamment sur les jeux à deux là où en fait c'est l'extérieur qui garde la balle. Je trouve aussi que les Celtics payent le fait qu'ils aient pas un vrai meneur pur. C'est un avantage et une force. Ça a été un avantage quasiment tous les playoffs. Cette espèce de. Il n'y a pas un portal board de balle fixe et tout. Mais là, il n'y a pas un mec. Un vrai pour dire, attendez, on calme le jeu, les ailiers vous driblez trop, Smart arrête, t'es pas un vrai meneur. Ou en tout cas une espèce de sang-froid, il manque de sang-froid je trouve. Et aussi. Puis on a beaucoup parlé de la défense intelligente de Boston qui a beaucoup de drop sur Curry, quitte à le laisser shooter et à te mettre le feu pour annihiler un peu les autres. Là, ce que font très bien les Warriors sur ce match, on le voit, sur Tatum et sur Jaylen Brown, cette espèce de fausse prise à deux un peu haute. Tu vois, où t'as le joueur qui est dessus plus, peut-être le mec qui vient avec l'écran d'Orford, mais qui décroche pas vraiment, ce qui fait que ça empêche Tatum et Brown de voir des lignes de drive un peu évidentes. Et du coup, t'annihiles toute une partie de l'attaque de Boston comme ça. Et comme les 3 points tombent pas dedans, bah en fait, Boston, t'as 39 points à la mi-temps, c'est faible là. Hein. C'est exactement ça, je suis super d'accord avec toi. Je trouve que là où Boston est mauvais, vraiment, dans cette première mi-temps, c'est la lecture de jeu sur ce que fait la défense des Warriors. Ils anticipent rien, ils subissent. Faut aller à l'opposé. Alors plus souvent, que avec des s'ils sont 3 sous le cercle et 2 autour du mec qui a la balle, bah y a assez bête, mais il y a forcément un mec de quelque chose à faire. Quoi. Ouais, voilà. Je suis d'accord. Et soit la balle circule pas assez, soit une fois qu'ils attaquent rarement le cercle, mais quand ils le font, bah en fait, ils le font tête baissée. Ouais. Ouais. Donc ils voient pas les shooters dans les coins et tout. Et parfois dans les coins, j'ai regardé aussi, c'est Pritchard et Horford. Donc bon, c'est pas les mecs qui attirent le plus non plus la balle dans les coins. Je trouve qu'ils ont. Et puis je trouve que leurs deux ailiers, Brown et Tatum, dribblent trop sans être agressifs. Exactement, voilà, qui dribble et qui y aille quoi. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, on dirait Utah contre Dallas. C'est un peu sévère, mais oui, c'est je vois l'idée. C'est sévère quand même. Je vois l'idée. Un peu sévère. Ouais, je trouve ça sévère. Mais il y a de l'idée.
Ah ouais, non, je crois pas. Il y a quelqu'un qui est en chat qui vend un maillot de Tatum. Il y a des gens qui ont déjà rage quit. Ils ont déjà fait LTF4. Bah, Tatum, faudra faire le point sur tous ces playoffs l'ensemble. Parce qu'autant il a été incroyable au début. Il fait une finale. Bien sûr, il a 24 ans. Il y a des premières. On a regardé la première de Westbrook et de Harden en finale NBA. On a regardé la première de KD. Il y a des garçons, c'est en formation. Les premiers playoffs de Kobe, hein, pardon. Mais... Oui, tout à fait. Après, là, ils ont un peu d'XP. Après, c'est finale NBA. Ouais, voilà. T'as déjà. Moi j'y pensais ce midi, honnêtement t'es Boston, on va voir comment ça se passe là sur la deuxième mi-temps, mais l'année prochaine, en saison régulière plus playoff, les mecs qui viennent de sweeper les Nets, de remporter un Game 6 à Milwaukee et un Game 7 derrière, de battre Miami en 7, ils vont se retrouver dans quelle situation qui vont leur faire peur les types? Ouais, non, ils ont... C'est super pour eux, là, ce run de playoff. Il peut se terminer en désillusion ou en tristesse parce que t'es pas champion, potentiellement. On va voir ce qui se passe en deuxième mi-temps. Mais, quand même, là, pour eux, en termes de formation, ce run de playoff, c'est quand même un truc. Bah, évidemment. Je me suis projeté dans les 30 premiers 30 jours, je me suis dit, mais on va leur mettre combien de wins de saison régulière? S'ils gardent ce même groupe, on va faire comment, Alex? Ah non, c'est sûr. Et puis, là, ils ont une grande occasion devant eux. C'est-à-dire que là, ils ont un troisième quart à la maison. Ils sont menés de 15, c'est quoi l'objectif? C'est de rentrer sous les 10, rentrer sous les 8. Ah là, c'est possession par possession. C'est possession par possession, des stops et rentrer sous les 8. Ah quoi. Ouais. Faire douter Golden State, avoir un peu d'agressivité, peut-être provoquer quelques bonnes fautes, obtenir des lancers. Il y a eu très peu de lancers dans ce match. Les lancers, là, Boston, il va falloir aller en chercher quoi, et les mettre, hein, bien sûr. Hein, mais vous savez à quoi ça me fait penser, moi? À la mi-temps, t'appelles Tony Parker, tu tiens le même discours là que contre l'Espagne. Ça se voit dans leur visage. Genre un peu de ça, tu vois. Genre, c'est pas juste qu'ils nous mènent là, c'est ils se foutent de notre gueule en fait. Il y a un peu de ça, je trouve. Je suis d'accord. Et tu ils demandes à ton Boris Duo de service, donc en gros, c'est qui? C'est à Horford, ton Boris Duo? Ouais. Il y a un moment là. Non, mais dans le rôle. S'il pouvait être. Bien sûr. Et t'en allumes un quoi. Dès le début du troisième quart-temps, le premier qui va au cercle, en fait, bah mec, désolé, c'est tombé sur toi. Bah ouais. Mais pardon pour ta clavicule. Ouais, c'est ça. Et puis voilà quoi. Et... On se revoit en février. Ouais, je suis désolé. Non, mais il faut qu'il soit méchant là, Boston. Un petit peu. Et peut-être que le match peut tourner parce que t'es à domicile, parce que t'as quand même des mecs. Là, on voit Tatum et Brand, ils sont un peu dans la nasse et tout, mais il y a quand même Grant Williams peut te mettre un petit 3 points, Pritchard peut peut-être aider un peu, il y a quand même des petites solutions. Là, ce qui me gêne, c'est de, si ça continue comme ça, de le perdre comme ça, avec ces espèces de trucs qu'on a vu passer là, plus gros scoring dans la gueule dans l'histoire des playoffs en 50 ans, là, le 52-25 à cheval sur je sais pas quoi. Là. Il va falloir que le banc va falloir que soit Derrick White, soit Grant Williams sortent quelque chose, ou alors, comme tu dis, Simon, que Udoka y tranche. Et que genre Tatum Brown joue 23 minutes sur 24 en deuxième mi-temps. Bah là honnêtement je pense Smart Tatum Brown Horford ça sort plus. Et Williams c'est compliqué parce que tu sais qu'il peut peut-être pas tenir 24 minutes d'affilée avec son genou. Ouais. Mais tu le fais tant pis quoi, tu le fais jouer à fond le plus possible. C'est vrai. J'ai l'impression hein, je sais pas, mais j'ai l'impression que sur la deuxième mi-temps c'est quand il même pèse. Il fait du bien. Ouais, c'est ce qui va se passer, je pense. Après, qu'il va réduire les rotations. Faut le servir avec des passes un peu plus sèches, mais ouais, il fait du bien quand même, hein, c'est clair. Je vois un petit peu ce qui se dit dans le chat, Draymond Green est fort. Oui, c'est sûr, il a fait une énorme première mi-temps. Bien sûr. Il faut que Smart justifie son nom. Oui, il faut aller provoquer des fautes notamment. Je vois mal les Warriors choke avec le trauma 2016, c'est sûr, mais un match c'est long. On a dit possession par possession. Ça peut bouger physiquement éteint, ça jouait dur à l'est. Oui, c'est sûr. Simon qui veut du sang tout le temps. Voilà, c'est bien. Il faut cibler Clay, pourquoi pas. Dans tous cibler les cas, Clay en défense. Le faire travailler un petit peu, mais pourquoi pas. Je rappelle évidemment les infos en dehors de ce match. Jeudi prochain, dans la nuit de jeudi à vendredi, du 23 au 24 juin, moment absolument légendaire qui vous attend avec la draft 2022 commentée par votre trio préféré. Il y aura Léon Salaprod, ce sera incroyable. Il y aura plein de choses sur lesquelles on pourra revenir. Je sais que vous êtes nombreux à nous demander, là je le vois dans le chat, un petit peu notre avis sur le transfert de monsieur Christian Wood qu'on a vu du côté de Dallas. C'est tombé cette nuit. Les Rockets qui ont fait un move pour essayer justement de libérer de la place, avoir peut-être un nouvel intérieur du côté de Dallas. Avis à chaud, messieurs. Un petit intérieur bondissant qui n'était plus dans l'environnement Houston et qui pourrait se régaler avec Luka Doncic sans qu'on touche aux piliers de Dallas, c'est-à-dire les titulaires. C'est pas mal. Intéressant pour Christian Wood, déjà pour lui. Parce que c'était compliqué à Houston et tout. Et là, il va avoir en Doncic un créateur de jeu qui va le servir et tout.
Et Wood, il a montré déjà, sans avoir de vrais gros créateurs de jeu autour de lui, qu'il pouvait scorer. Ouais. Donc là, je pense qu'avec Doncic, il y a vraiment moyen. Après, il faut voir comment il va être utilisé. Parce que Christian Wood, c'est un gros rebondeur, mais défensivement, c'est pas toujours ouf. Ah, ça. Donc il y a un vrai travail de réflexion. Mais c'est vrai que pour Dallas, ça ajoute une belle arme. Ah bah ça, de Doncic. Et ouais, en plus, je trouve qu'ils n'ont pas lâché de mecs essentiels. C'est ça. C'est... Donc c'est vraiment bien. Même analyse Simon. Bah ouais, je sais pas, on en parlait en plus. Il y a quoi, il y a deux jours là, on en a parlé tous les deux. Être allé chercher un vrai bon intérieur sans. Sans toucher la structure. Ouais, sans quasiment perdre quoi que ce soit. Enfin, on en parlait déjà avant le resto. Tout à fait. C'était pas gagné pour eux parce que tu vois, il y avait plein de rumeurs que Dallas veut l'intérieur et tout. Bah ils l'ont trouvé en donnant en gros un pick 26. C'était ça. Quoi déjà un pick 26, Marjanovic, Boban, Sterling Brown, Trey Burke, ouais. Marquise Chris. Allez-y, prenez notre et banc. Je pense qu'il y a un paquet de GM qui disent aussi, c'était ça en fait la valeur de Christian Wood là. C'était un pick 26 et t'es 10, enfin, 11 et 12e homme. Ouais, ouais, non mais... Bien sûr. Ils ont fait... C'était interrogation, ouais. Et puis sinon, on remarque toute bête, mais premier move, en général, ça en appelle d'autres. Ah oui, bien sûr. C'est plutôt bien. Cool, on est dans semaine de draft et tout, ouais. Voilà, c'est ça qui cool aussi quoi. Ouais. Tout à fait, on va avoir droit à quelques beaux moves sur les jours à venir. On va repartir, messieurs, dames, sur le parquet du TD Garden. J'ai envie de dire, on est à 24 minutes de quoi ? On est à 24 minutes de sortir les goggles et d'un nouveau titre des Warriors, ou est-ce qu'on est à 24 minutes d'un incroyable comeback des Celtics avec un Game 7 forcé ? En tout cas, ça joue maintenant. Ça joue dans le troisième quart. C'est maintenant que ça se passe. Ça, et attention, le troisième quart, vous savez qu'il y a un hashtag avec. Hein. Bah, c'est ouais, ça. Ouais, c'est-à-dire ouais, que le troisième quart, c'est plutôt le moment des Warriors d'habitude. Donc, et là... sur les deux derniers matchs, ça a été un moment très ouais, Boston. J'avoue. Et c'est sur le quatrième quart que. Ça peut empêcher les Warriors de gagner. Encore une stat, pas belle. Là. Sur... Team leading à plus 15 à mi-temps. 15 à mi-temps, tu perds 53 fois. 53 fois sur 54. Et la seule défaite, c'est Lakers contre Celtics. Mais alors, j'ai pas compris qui allez, a perdu. Allez, c'est parti. Face aux Lakers. C'est les Lakers face aux Celtics. Baloir. Ouh non, ok. Allez, je la grosse défense. Les Celtics l'avaient récupéré tout de suite, mais non. Allez, ça fait 12 secondes qu'on joue et ça se plaint. C'est bien, on met la pression sur les arbitres. La balle dans le bidon d'autoporteur. C'est pour Draymond Green. 11-48, on va refaire le timer. 11-47, 11-46 et 11-45. Andrew Wiggins avec le ballon. Pour Klay Thompson, ça y est, c'est donné. Klay Thompson qui feinte, qui la ressort pour Otto, pour Wiggins. Wiggins sur le drive, c'est bien joué. Dans le corner, il y a Draymond. Et alors Draymond, ce soir, c'est la fête totale. Et tu vois, truc tout bête, 4 passes sans dribble, en fin d'action, 4 passes sans dribble des Warriors. Je sais pas s'il y a eu une fois une circulation comme bonne ça. Des circulation. Quand Draymond joue comme ça. Bah, bien sûr. Et même là, les différences faites par Klay et tout, enfin, c'est du très bon basket offensif. On est à 18. Ça attaque le cercle. C'est bien. Bien. Main c'est gauche, exactement ça gauche. Que les Celtics doivent faire. Oh, Draymond il pousse. Draymond il pousse. Bien joué. Bah, oh là là, Wiggins. Ça, non, ça rentre pas. Rebond Horford. C'est qu'heureusement que ça rentre pas pour les Celtics, ça. Ouais. Parce que ça aurait fait du mal au mental. Qu'est-ce que tu fais de... Oh là, attention. Oh là. Non, c'est ça rentre pas. Pas le meilleur choix de shoot. C'est non. Pas terrible. Pas le meilleur choix de shoot. Un peu trop précipité. 10-53, 10-52, 10-51 et 10-50 sur le timer. Steph avec l'isolation. Oh là là, pour autoporteur qui la donne à Wiggins. Allez, Andrew, sur le drive, c'est bien joué. Il est passé. Et oula, c'est bien conteste de la part de Roro Williams. Bonne protection de cercle. Tout ouais, à fait, Time Lord. Il était à la protection. Jalen Brown sur le drive. Ça ressort pour Horford. Pour Tatum. Allez, on s'applique les garçons. C'est mou les passes des Celtics, putain, c'est impressionnant. Putain. Allez, Tatum avec le ballon, défendu par Draymond Green. Alors Ford pour Marcus Smart. 7 secondes sur l'âge des 24. Bien défendu par Otto Porter, ça sent la faute de merde. Attention, Marcus Smart s'est loupé. Ah, il est maladroit. Le gros rebond de Wiggins qui se bat bien. Bon écran retard ouais, sur tout Williams, à fait. Tout, hein. Les petits détails. Ouais, mais bon. Marcus Smart, ça a manqué de toucher là. Ouais, ça allez, a manqué de toucher sur ce petit layup. Klay Thompson pour Draymond, pour Steph. Steph qui fait feinte d'aller vers le panier, mais il va peut-être essayer de pénétrer. Attention, la passe à l'extérieur. Oh là là, il aurait bien aimé qu'il prenne le shoot, je pense. Wiggins qui la rend à Klay. Patate chaude, il reste 4 secondes sur l'âge des 24. Klay, fadeaway. Klay, c'est dur. Klay, c'est loupé. Airball. Bien défendu par Jaylen Brown. Airball. 9 minutes 55 à jouer. Et je pense que Klay a dû engueuler Wiggins parce qu'il était dans le corner avec une skip pass de Curry. Il doit shooter, il doit shooter. Ça arrange bien la défense de Boston. Il venait d'en rater un tout seul, rappelez-vous. Genre ouais, juste ouais, ça, bah, ouais, shooter non, shoot. C'est juste pour shoot. Ça, je pense que c'est juste pour ça. Shooter shoot, il est pas habitué. C'est que Klay, deux fois dans le corner, il le prend. Oui, oui. Avec le TD Garden qui met un peu de voix là, let's go Celtics, c'est clair que là il va falloir. Hein. Ah, faut pousser, allez, Marcus Smart pour Jaylen Brown qui prend l'écran de Time Lord, défendu par Otto Porter, c'est pas mal. Bonne rotation de Curry, qui c'est qui va dans le corner okay. C'est Horford, ça, ça rentre. Ouais. Ça fait du bien aux Celtics. Ouais, attention. 57-44. Ça gratouille à 14, à 13, pardon, 13 points de retard. Tito Horford qui applaudit. Allez. Allez,
une ambiance verte. Steph qui dit allez les gars, on se bouge, on exécute bien. Draymond qui la ressort pour Clay. Il y a Steph qui est en ligne de fond. Qu'est-ce qu'il fait? Clay Thompson, c'est pas mal. C'est lourd. Oh, c'est court. C'est court. Non, mais bon, bon offensif encore. Allez, ben oui, mais l'autre. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh l'allumage. Oh l'allumage. Oh le salopard. Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous avez vu la feinte de Steph? Le meilleur shooter à 3 points vient de faire la feinte et de ouvrir le shoot. Il ne rate pas ce genre de situation. Ça remet à 16. C'est tout, tout le problème. Oh. Alors, Ford, ça revient à l'intérieur. Vas-y, oh, qu'est-ce qui se passe? Ouais, prise à 2. Bien joué, Draymond. Ça sort le corner Tatum, il faut absolument le mettre celui-ci. Ouais. Oh là, là c'est court. Et Horford qui se bat dessous. Et il y a faute. Il y a faute, je pense. Qu'est-ce qui se complique la vie, putain? Ah, Tatum, c'était très très court son 3 points. Qu'est-ce qui se complique la vie? Ils ont de la chance parce qu'elle retombe vraiment sur Horford. Très court. Ouais, là, il y a faute d'autoporteur quand même. Ouais, il y a faute, il y a faute. Draymond, il c'est entre deux. Ouais, il l'a obtenu entre deux, Draymond. Oh, allez. Et la balle, elle est. Oh là là. Voilà, elle est pour les Warriors. Oh là, elle est L'arbitre, il a donné Celtics, mais. C'est Robert Williams, là, non? C'est Robert Williams. Ou alors Steph a une détente de zinzin. C'est pas grave. Allez, Tatum. Il reste 10 secondes sur HD24. 8,45 à jouer. Ouais, à une balle Warriors. Allez, Tatum. 5 secondes sur HD24. Bah, tu sais quoi? Pourquoi pénétrer quand tu peux rester à 13 mètres du panier? Allez, pour Marcus Smart. Ah non, non, fin d'horloge. C'est un fin d'horloge. Ils sont en train de se shooter là. Ils se compliquent la vie. Petit bras. Ils se compliquent la vie. Petit bras, les Celtics. Ils veulent trop bien faire alors qu'il faut faire des choses simples. Il nous remonte. Qu'est-ce qu'il nous remonte? Ah oui, il nous remonte Horford. Il nous montre rien en fait. Allez, 8-30 à jouer. 60-44. Pour les Warriors. Avec Wiggins qui va chercher Steph, ligne de fond. Oh là là, il y a Marcus Smart qui essaie de courir derrière. C'est une horreur à défendre. Ouais, c'est clair. La passe pour Clay. Il y a encore des écrans off-ball. Allez, autoporteur qui pose son écran. C'est bien défendu. C'est bien défendu. La passe, elle est ratée et Clay il baisse la tête. Non, c'est une bonne défense des Celtics. Attention, les turnovers. Passage pas terrible à Clay Thompson quand même. Depuis 2-3 actions, mais il va se reprendre. Mais En fait, défensivement, les Celtics, bon, à part Steph qui a mis tout Boston dans le vent sur une feinte, mais sinon, c'est une entame assez agressive défensivement de la part des Celtics. C'est juste qu'en fait, faut mettre des paniers là. Bah, allez. Leur attaque. L'attaque de Boston est complètement terrible. Ouais, en vrac. Bah là, l'idée, c'est de dépasser les 85 points. Tatum qui s'approche, mais arrêtez avec ça. Allez. Heureusement qu'il y a Horford qui met quelques tirs. Heureusement que Horford se réveille. Simon, il avait annoncé faut jouer avec Bigal ce soir. Ouais, apparemment à 3 points dans les coins. Bon, pourquoi pas, mais il est utile là. Allez, Steph. Qui la donne à Wiggins. Il y a qui dans le corner. Il faut les prendre ces shoots. C'est dedans. Qu'est-ce que c'est bien exécuté. 63-47, 7-40 à jouer. Ouais, magnifique décalage créé par Steph au départ. C'est le problème des Warriors, ils font rien de si sorcier, mais ils le font tellement bien, tellement rapidement, sans tergiverser, que tu peux pas faire grand chose. Smart qui essaie d'attaquer Steph Curry. Draymond qui a mis du rythme. Et Draymond, regarde la locomotive. Il va, c'est plutôt bien joué. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche Clay. Il ressort pour Draymond. Oh là là, il y a Steph Curry. Oh là là, ça fait mal. Qu'est-ce qu'ils jouent bien ensemble? Mais qu'est-ce qu'ils jouent bien ensemble? Depuis lui et Weber, on n'avait pas vu ça. Depuis Bibi et Weber, on n'avait pas vu ça. Énorme. Si on peut revoir le off-ball, voilà. Et même Damien Lee, il est choqué. Énorme le jeu off-ball là, d'autres Draymond avec Steph. C'est vraiment du Hall of Fame matériel. Allez, Jason Tatum pour Horford. Le shoot à 3 points. Heureusement qu'il est là, Bigal. Qu'est-ce qu'il répond présent? Il veut pas de France TV. Ils sont toujours à 16. Ouais. Non, Horford, il veut pas perdre. Ils ont besoin de plusieurs stops. C'est très compliqué là. Il y a Steph Curry qui est en train de chauffer. Regarde-le, Steph Curry là. Oh là là. Fait pas beaucoup d'erreurs en plus Steph Curry hein. Il a porteur tout seul. Voilà, autoporteur encore. Mais comment il peut être tout seul aussi vite? C'est clair. Ils ont trop peur de la pénétration. C'est mal défendu là par contre pour le coup. 19, Marcus Smart, c'est en rapide, première ça. Intention, c'est un très mauvais choix. Après et nous avoir sommes... loupé deux layups en plus, c'est bien, c'est malin. Nous sommes en France Télé, messieurs dames. On est en France Télé. Bah ouais, on regarde Steph Curry. D'accord. Attention. Ouais, c'est pas attention beau, le chef. Oh là là. Attention le chef. Oh my god. Oh, il met la tête. Il met les mains sur la tête. Il chambre un peu. Oh là là. C'est le Steph trop sale. Ouais. C'est le Steph trop sale. Il veut son MVP des finales. Il le veut. C'est là, on revoit le jeu à deux. Et puis Draymond qui remet un écran. Je tweet. Bien sûr, je t'en prie. Ok.
Bah, c'est une belle réaction. Plus 22 là, ils se font quand même bien rooster. Hein. Oh la violence du shoot. Ah non mais là c'est là ça sent 3 lettres. Là ça sent 3 lettres. Ah, là. Là il veut son 3 lettres. Il veut être sur le parquet du TD, qu'on sorte les goggles. C'est quand même peut-être le meilleur match des Warriors depuis le début de la finale. Là. Là, je suis d'accord. Particulièrement impressionnant. Ils ont pas trop d'air là. J'ai bien aimé leur game 2, ouais. J'ai bien aimé aussi. Ouais, mais là je les trouve plus réguliers dans tout le temps. Ils ont zéro trou d'air là. Et défensivement, ils sont ce soir là. Ils le font à Boston, ouais. Ça c'est chaud. Ouais, c'est ça. C'est qu'ils le font à l'extérieur. Ouais, après avoir pris un 12-2, je suis d'accord. Et défensivement là, je les trouve. Ils sont vraiment impressionnants. Ils sont oppressants et en attaque, c'est vrai que Bastien, tu disais là il y a quelques minutes, ils exécutent des choses simples, mais ils les exécutent très proprement, avec beaucoup de confiance. Et puis là, attention, hein, Steph Curry. Mais il t'a là, curé le en début plus. De troisième quart de Steph Curry, là. Il a mis quoi? Il a mis 10 points Là 3, peut-être pas 8 points, il a dû mettre 2-3 points et un layup, un truc comme bon, ça. Je vais te dire ça. Hein. Dans le troisième. Je vais te dire ça. Bah, il y a le 3 points de loin. Il est à 9 points. Ouais, tu vois. 3-3 points. 9 points dans le troisième quart. C'est 3-3 points. Ouais. Ouais. Il est trop fort. Il y a Otto Porter hein, qui leur met 6 points dans ce troisième quart. Il a pris 2-3 points et les a mis. Un dans le corner, un à 45. Bien ouvert. Heureusement qu'ils ont eu les 3 ficelles d'Orford là sur les côtés. Il montre la bague. Il montre la bague. Il veut la bague. Hein. Il veut la bagouze. Hein, on verra tout à l'heure si on. Mais là, si ça continue comme ça, là, j'avoue que je suis assez circonspect. Je vois pas trop comment Boston va revenir. Mais compliqué là. T'as la gueule du flex, pardon, excusez-moi. Ouais. Mec, il y a plus 20 à Boston, il a genre. On la met sur quel doigt la bagouze? Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que j'ai de moins en moins de place hein. On va devoir rentrer dans d'autres discussions. On aura le temps évidemment de prendre tout ça. Pour le moment, en tout cas, Steph et les Warriors sont en train de mettre. Pardon. Vous avez updaté le top 10 meneur il y a pas si longtemps. Hein. Ouais. On va pas le réupdater tout de suite. Non, mais pas tout de suite. Pas de problème, c'est clair. L'update, ouais. Il faut aller chercher le mec souriant de Los Angeles, c'est quand même tendu. Hein. C'est clair. Oui, il est déjà deuxième, hein, c'est ça. Non, mais... Oui, ok. Ouais. Ah, il a passé le comptable contre, et il a passé le dealer. Hein, on anticipe un peu, mais il y aura peut-être une discussion sur un. Bah, un top 10 all time. Ouais. Bah, il toque, hein, il toque fort là. Hein. Ah bah là on va rentrer. Là en tout cas pour Steph, on va voir comment finit la soirée. Hein. Mais l'idée, on a parlé, on avait discuté récemment avec Alex. L'idée c'est de savoir si tu vas commencer à dire genre quoi, Hakeem Olajuwon c'est dans le rétro. Je sais pas, c'est beau. Vous avez vraiment commencé cette discussion? Non, pas là. On a dit qu'on va prendre le temps. Là, les gars. Mais tu sais qu'il y en a qui commencent. Et moi je trouve que là on va un peu loin, mais il y en a qui commencent à dire Steph ou Kobe. Hein. Ouais, je comprends. Voilà, c'est dit, je comprends. Voilà, c'est dit, je comprends. Je veux bien entamer la discussion. Hashtag je comprends. Putain, les gars, quoi. Mais je veux bien entamer la discussion. Regarde, paf. Mais il y a ça, puis surtout collectivement, les Warriors, en termes de dynastie, là, et de compact, de combien t'en prends sur 6-7 ans, là. Ouais. Surtout que le tripit, s'il n'y a pas la blessure de Klay Thompson c'est et Durant, c'est dynastique. Ouais. Complètement. Allez. Bref, continuons. C'est pas fini. Marcus Smart, il y va. Robert Williams qui fait du bien. Ramène avant. C'est ça le problème des Celtics aussi, c'est que depuis le gros run, fin de premier quart, deuxième quart, ils sont pas rentrés tellement souvent sous les 15. Là, ils y arrivent pas. Allez, Draymond, et avec en face, le ballon. C'est en confiance. Oui, parce que pour ceux qui nous rejoignent, qui se réveilleraient là maintenant et tout, Boston menait 12-2. Hein. Ouais, bien sûr. Bien, Draymond. Bien parce qu'il sait. Oh là là. Il peut s'en vouloir. Ouais, Lounel a raté un truc facile là, au rebond offensif. On est en France TV. Hein. Ouais, c'est vrai que là, il y a Paul Pierce. Oh là là. Paul Pierce qui a essayé de poster, comment tu l'appelles, Stéphane Safran? Exactement. Ouais. Stéphane Safran, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, Stéphane Safran. Allez, Chris Brown, la remise en jeu. Ouais. C'est parti. On va devoir rendre la balle. Allez, le bon shoot peut-être. Channing Tatum. Ah, c'est raté, Robert Pires au rebond. Ouais, tout à fait. Allez, oh là là. Ses petits bras, ouais. Et il arrête pas de dire, sorti. Hein. Et ouais. Je crois que c'est un 6 mètres. Il a pas eu la faute là. C'est 6 mètres. C'est 6 mètres, je crois. Ah la vache. C'est un 6 mètres pour les Celtics, je pense. Ouais, il lui a touché le short, hein, il a sorti. C'est terrible, hein. Qu'est-ce qu'il a dans la bouche? C'est du plastique. Là, Jaylen Brown s'est raté. Oh rebond. Là. Tout à fait. Rebond pour Michael Thompson. Tout à fait. Allez.
Faut surveiller Marcus Smart, il commence à chauffer là. Il commence à avoir des gestes un peu superflus de frustration. Tu sais comment ça part, ce genre de truc. C'est rage quit. Allez, Chris Brown pour Fabien, vois, Malin. Smarty, Fabien Malin. Fabien Malin, okay. C'est bien qu'il le mette. C'est bien René qu'il la le mette. Taupe et on sort du France TV. Ouais. Et Tambour Steve Kerr. Steve Kerr, il fait hop, 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 on est plus qu'à 17, les gars. Attends, il y a un run là. En même temps, il a raison. Et l'autre, il a 13 Tambour. Il a tellement raison. Il a réanimé, il fait. Smart, il est bouillon là. Parce que là, il va leur dire, les gars, on fait pas les cons. On le veut, ce titre. Ah bah là, franchement. Là, maintenant, c'est de la concentration côté Warriors. Quand t'as une avance pareille, si tu restes bien concentré, discipliné, t'appliques les systèmes, très compliqué pour Boston de revenir. Mm-hmm. Donc, ça dépend beaucoup de la discipline des Warriors. Ah, il faut complètement, exactement, tenir la tête des Celtics sous l'eau si tu es Golden State. C'est ça. Tu ne peux pas leur donner une once, un centimètre d'espoir. Il faut que tu remettes des runs, faut que tu recolles, faut que tu défendes comme un zinzin. Et d'ailleurs, pour ceux qui peut-être regardent leur première finale, ce sont ces moments-là, Simon, qui sont les plus durs. C'est quand tu es à quelques minutes d'aller verrouiller le titre et c'est là qu'il faut que tu joues ton meilleur basket. Là. Il faut que, malgré la fatigue de la saison, malgré le kilométrage, là, il faut que tu sois concentré. Parce que si tu redonnes espoir, là, les mecs en face, ils vont se mourir. Ah oui, bien sûr. On sait, ça va vite, hein, c'est très mental. Ça va vite. Tu fais 2-3 heures, 6-0 Boston, ils reprennent confiance, ils sont chez eux, machin, puis il y a de nouveaux matchs. En fait, il reste beaucoup trop de temps là. Donc, il reste du temps. C'est ça aussi qui justifie le temps mort de Steve Kerr. Ouais. Parce que là. Mais voilà, l'idée c'est de jamais donner de momentum à Boston en fait. De toujours couper soit par des temps morts, soit par des fautes, soit par des. Jamais. Ils donc savent là faire après, voilà, mais c'est ça l'idée quoi. Donc là, t'as 5 points de suite de la part de Boston, temps mort. Ouais. Et la fois d'après, c'est ça, ce sera une faute. Il veut un petit système, il veut un petit système en sortie de temps mort pour marquer un panier, leur remettre un petit peu la tête sous l'eau. Ouais. C'est ça, hein. Et Kerr, c'est un malin. Je me demande dans quelle mesure là, il est pas capable aussi, s'ils sont un tout petit peu, parce que comme tu l'as dit, le temps est long et gagner du temps, tu vois, sans forcément marquer, mais faire perdre du temps en fait à Boston, pardon, je me suis mal exprimé. Je me demande si Kerr il va pas faire un truc chelou, genre faire rentrer un mec qu'il a pas fait rentrer de la première mi-temps juste pour un ajustement ou faire tergiverser Boston. Ou alors sa zone de merde là, parce qu'elle est nulle, mais la sortir juste 2 secondes pour faire perdre du temps à Boston, dire faites autre chose là, parce que ça marche en fait. Ouais. Je pense que Kerr à un moment ou un autre va sortir un truc juste pour faire perdre du temps. Peut-être qu'il va. La zone, je pense, c'est pas une bonne idée parce qu'en général Boston la punit facilement. Puis je sais pas, ils défendent tellement bien les Warriors quand ils défendent en indif que. Mais est-ce que. Ça m'étonnerait pas. Il y a des trucs à tenter pour casser le rythme. Voilà. Côté Kerr, hein, ça c'est sûr et certain. Et puis pour sortir, parce que là Boston va un peu mieux, bah pour refaire réfléchir Boston, pour les obliger à s'adapter de nouveau, pour obliger Udoka à dire attendez, comment ça t'as remis 2 grands toi aussi, et donc du coup j'ai plus mon avantage avec Horford. Enfin voilà, je pense que Kerr va peut-être un petit peu de sorcellerie, tu vois, un petit truc. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Je réfléchis. Je pense pas à la zone, je pense que c'est trop. Toute la question aussi, c'est qu'est-ce que peut faire Boston là pour se réveiller et se remettre vraiment dans le match, que le TD Garden se mette à gronder et tout, tu vois. Genre, on a parlé d'agressivité, là on a vu un peu plus de mouvement de balle, mais en fait c'est un gros shoot de Smart là qu'il aimait bien. Donc, Golden State joue tellement bien que t'es là, tu te dis qu'est-ce qu'il doit faire Boston, par quel bout il doit faire. Je vais peut-être vous choquer, mais moi je me demande si je tente pas 2-3 minutes sans Tatum. Pour voir ce qui se passe, parce que là je trouve qu'il joue mal. Qui tu joues comment? Tu fais Derrick White? Ouais, je m'en fous, je mets un autre 5 juste 2-3 minutes pour voir, en me disant est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est mieux, juste pour savoir en fait, parce que là je trouve Tatum quand même particulièrement, il est mauvais, il cherche trop les fautes, il dribble trop, il est pas assez agressif, tu le vois, même lui il le voit, il le sent qu'il est pas, bon dans ce match. Ça reprend, 4-50 à jouer. Il peut prendre chaud. Hein. Oui, 72-55, messieurs, retournons sur le live. Monsieur Stephen Curry avec Kevin Looney. On va chercher Draymond en bas. Oh là là, le bras il est tendu. Ouais, il y a faute de Kevin Looney. Ouais. Bien joué, Grant Williams. Alors, du bon gros flou. Ouais, c'est. Ok. J'avais pas vu. C'est Flopounet, un petit Flopounet. Voir un peu là. Oui, non, si, c'est le pas, touche. En termes de timing, en fait, c'est tardif. Ouais. Franchement, il va être. C'est pour ça que je pensais qu'il y avait rien. Il va être nominé, je pense. Mais c'est bien. En fait, c'est tardif. Ouais, mais il y a contact quand même au visage. Ouais, y a contact. Je me demande la tête que l'arbitre va faire quand ils vont revoir l'action en replay. Ils vont faire. Bah, ils vont voir qu'il y a du lag sur l'écran, quoi. On dit, tiens, t'as vu ça lag, il y a 2 secondes de retard entre le contact et la chute, quoi. Ah, c'est le jeu. Mais Boston, oui, très bien. Je veux dire, Boston, là, faut pas hésiter à faire des trucs comme ça. Hein. Ah, non, bah non.
Ça... On va en donc là, on verra mieux là. Là, il y a le coude. J'ai l'impression que le coude le touche, mais par contre, le flop est tardif. Hein. Ah, mais je. C'est un peu bizarre. Hein. Ouais. Alors, oui, Clark a un avis carrément. En gros, le visage est trop près du coude pour c'est lui. C'est ta faute. Ouais. Ouais. Il dit, Jack a dit j'ai tendance à dire mec si tu mets ta tête en dehors de la fenêtre c'est normal si tu t'es pris un coup dans la gueule. Il a pas si tort hein, parce qu'il est quand même il est très très proche. Looney mouline mais pas non plus vers lui donc il est bon. Très très proche mais bon. Après ce genre d'arrêt de jeu. Ah on l'avait pas vu encore lui. Non Steve Javi. Qu'est-ce que tu bois Steve? Ah il regarde s'il y a un contact pour une flagrante. Ouais, ah ouais non, sérieux là, s'il finit une flagrante à Looney, là par contre, c'est abusé. Hein. Non, faut arrêter là. Non. Par contre, ce genre de temps d'arrêt et tout, est-ce que ça peut pas aider un peu Boston, tu vois? Ça coupe un peu le rythme de Golden State, ça leur permet de discuter. Il n'y a rien là, s'il vous plaît. Il y a R. Enfin, il n'y a rien, il n'y a pas de flag. Non, mais ils vont avoir juste la balle. Voilà, balle Boston. Allez, voilà. Allez, ça reprend. Là, tu vois, s'ils marquent. Faut marquer en fait. Enfin, quatrième faute de Looney quand même. Ouais. Bon, allez, ça pèsera peut-être un peu. Allez, Tatum avec le ballon pour Horford. Tatum pour Horford. Horford pour. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Et ça sort. Et bonne défense qu'est-ce de Gary Payton 2. C'était quoi l'idée chercher Grant Williams sur le switch non, parce qu'il était en bas sur Gary Payton 2. Molesse. Okay. Allez, 14 balles perdues pour Boston. 4 minutes 23, 22, 21 à jouer dans ce troisième quart. Steph avec le ballon. Qui fait danser? Jason Tatum. Qu'est-ce qu'il fait, Steph? Il ressort. Attention, oula, cette fois il est défendu par Smart. Ouais. Wiggins sur le drive. Wiggins, c'est bien joué. Pull back. Tire. Loupé. Rebond. Jalen Brown. Plutôt bonne défense de Boston, on va dire. Mm-hmm. Là, faut être moins mou. Va, agresse-moi ça. Voilà. Ben, voilà. Plus fort, plus musclé. Plus fort, plus musclé. Ouais, puis moins de dribble. Il s'est arrêté derrière les 3 points, il a fixé, dribble croisé. T'es en 1-1, tu y vas. Clay Thompson, il est sur les talons, il recule, tu y vas. Tu y vas. Allez, 7-0 avec le Tilly Garden qui gronde. Defense. Attention, et Curry qui va calmer tout ça. Oh là là, rebond offensif de Wiggins. 3-36, 3-35, 3-34 et 3 minutes 33 à jouer dans ce. Troisième quart. Faute de Payton, Gary Payton Jr. Ouais. Tout à fait. Quel travail au rebond de Andrew Wiggins. Il avait pris plus de 10 rebonds sur les deux derniers matchs. Il y en a 16 et 13, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais. Ouais, exactement. Ah non, il fait 17-16 et ensuite 26-13. Il envoie Game 4, Game 5, énorme. L'ami Wiggins. Hein. Allez, Tatum. Est-ce que Tatum peut faire quelque chose? Ça drive, ça passe pas. Wiggins, il l'a terrorisé là depuis quelques matchs. Est-ce que Wiggins, c'est le meilleur? Oh non, faute offensive de Gary Payton 2. Oui, faute offensive. C'est peut-être bien provoqué par Jalen Brown, on va voir. J'ai l'impression qu'elle y est, moi. Mais en tout cas, ça change pas vraiment. Fais voir. Elle le pousse avec les bras. Après, il se laisse bien tomber, hein, mais tu vois, il le pousse comme ça avec les bras. Il doit pas faire ça. C'est devant l'arbitre, faut pas le faire. Non, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est bête. 74-57, 3 minutes 20 à jouer. Jalen Brown sur le. Bien joué. Alors, Gary Payton, tu passes pas comme ça. Continue à se battre. Tu ne passes pas comme ça avec Gary Payton qui est dans le trafic. Ça, c'est papa qui a appris. Steph avec la balle. Ça... Oh. 3 minutes 10 à jouer. C'était voulu ça? Retour de Jordan Poole sur le parquet. Je suis pas sûr que c'était voulu. Jordan Poole, ouais. Ouais, c'était chaud. Du coup, on a Steph, Jordan Poole et Gary Payton. 3 interceptions. Oh Steph. Non. Gourmand, ah non, parce ça, que s'il met ça par bah, contre, s'il met ça, c'est compliqué, on repasse en France ça s'appelle un couvercle. Ouais. Allez, Marcus Smart sur le drive. Qu'est-ce que tu fais mon. Et Payton encore et hey, mon Factor X, il a pas trop fait son match. Ouais, mais alors Fabien Malin là. J'ai eu peur, j'avais peur que Grant Williams soit tombé sur bizarrement sur c'est compliqué. Tatum, tu vois quand même dans son regard, il est un peu perdu quoi. C'est très compliqué pour lui. Il y a la défense de Wiggins, il y a pas mal de facteurs. Mais c'est vrai que là, je m'attendais à un gros match de sa part. Faute. Oh là là, la Gary faute. Gary Payton Jr., il en a combien de fautes là? Gary Payton 2, ouais. Alors, il y a quand même une consigne du doka. Je pense qu'il y a eu, dès que vous sentez quelque chose, un moustique, de l'épiderme, on tombe. Un coup de vent et tout, ça tombe. Et on va jouer comme ça, mais c'est le jeu. S'il y a des gens pour qui on est en avance, vous avez la possibilité sur YouTube d'appuyer sur pause. Et du coup, comme ça, c'est plus dommage, parce que je vois dans le chat que et c'est de pour nous certains. Attendre. Tout à exactement, fait. Vous pouvez nous attendre. C'est la magie de YouTube. Allez, retour de Clay Thompson, tiens, pour ressortir monsieur
Gary Payton 2, alors qu'on voit André Iguodala qui donne tous ses conseils, trois fois champion NBA, finale MVP, MVP 2015, tout à fait, et il va donner ses leçons après Andrew Wiggins, c'est à Gary Payton 2. Laisse venir les choses. Exactement. Tu prends le coude. Quand tu fais faute. Voilà. Assure-toi que l'arbitre ne regarde pas. Allez, Tatum, qu'est-ce qui bricole? Marcus Smart qui drive. C'est bien défendu. C'est bien défendu. Ça défend hyper bien. Jalen Brown est ouvert à 3. Ouais, ça fait du bien. 74-60. Il est bon là, Jalen Brown. Ouais, ouais, tout à fait. C'est le petit moment de Jalen Brown. Il est toujours comme ça. Il a toujours un petit moment. Encore une fois, sur ses finales, parmi les Jay Brothers, on sait lequel est le meilleur des deux. 2-24, Clay Thompson, ça ne rentre pas. Ouais, attention, il y a un run là. Allez. Jalen Brown, là faut s'appliquer côté Celtics. Jalen Brown, attention, tu peux revenir à 12 et faire. Exactement. Jalen Brown. Ouais, Jalen Brown. 2 minutes 09, 2 minutes 08, 2 minutes 07. Qui met les Celtics sur son dos. 12-2, le run est Tambor Golden State. Ouais, 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 celui-là il est bien, il est nécessaire celui-ci. Bien sûr. Celui-ci il est nécessaire. Donc là il y a retour de Draymond sur le terrain. Ouais, je pense. Ah, ouais, ouais. Et côté Celtics, faut continuer, faut jouer sur Jalen Brown, faut le suivre, faut continuer. Tu vois, il agresse, c'est très très bien. C'est exactement ça. Là, il y a tout le toucher de la terre qui lui permet de rentrer. C'est bien. Ce petit flotteur, runner flotteur un peu là. Et je me demande même si Kerr va pas dire à Wiggins, va calmer un peu Jalen Brown là deux secondes. Ouais. Peut-être changer de décidement défensif deux secondes. Sur Jalen Brown. Ouais, ou alors ouais, c'est vrai que si Draymond revient tout simplement. Mais là, il faut arrêter Jalen Brown pour les Warriors. Tout à fait. Bon, mais c'est bien pour l'intérêt du match quand même qu'ils soient revenus à moins de. Ouais. C'est quoi, c'est 12 points là maintenant? C'est à 12. Eux. Allez. Ah là, tu as 1-3 points que le match tourne. Franchement là, si. 1-3 points que le match tourne. On le disait à la mi-temps, on avait dit, tu prends possession par possession. C'est remonté jusqu'à plus 22. Ouais. Là, t'es à 12. Ouais. 12 avec 2 minutes 06. L'objectif, il est simple. Passe sous les 10. Et garde le momentum pour le quatrième quart-temps. Continue à pousser là, c'est si ça. Tu es Boston. Les deux dernières minutes, Robert Parrish qu'on voit, magnifique. Ouais. Si tu es là à Boston, tu peux pas te permettre. Là, si tu reprends un éclat, mentalement, t'es terminé. Ah oui, c'est compliqué. Là, s'il repasse à 15, 16, 17, là, c'est terminé. Parce que tu pourras pas aller caser un 40 à 2 dans le quatrième quart-temps, je pense pas, tu vois. Mais il faut passer sur la barre des 10. Là, clairement. Clairement. Ouais, mais c'est faisable. Hein. Et donc, Kerr dit pareil. Steve dit, les gars, ne le laissez pas reprendre conf comme ça. Pull up. Allez, 2 minutes fondamentales ça dans la saison des Celtics. Ça va jouer pas mal sur les stops défensifs éventuellement. Allez. Jordan Poole face à Tatum. Il fait son petit numéro. C'est bien défendu par Tatum, mine de rien. Wiggins, ouais, marché départ. Tout à fait. Attention. Tout à fait. Ball Celtics. Allez. Horford. Ils tape sont dans tous les mains. Debout. On y croit, côté Celtics. Tout à fait. Ça se voit. Body language bien meilleur là, tout de suite. Allez. Quelques minutes. Marcus Smart avec le ballon pour Jason Tatum. Let's go Celtics. Bonne défense. Dans le corner. Alorford sur le drive. La bonne interception de Steph. Et la faute d'Alorford. Bonne défense de Steph Curry. Attends. Bonne défense de Steph Curry. Ah, bien sûr. C'est bien sûr. Fort. C'est fort. Voir. Regarde ça. Ah, il est. La bonne faute bien propre. Quelle discrète. Défense bien charnue, bien charale. Non, mais Orford, il présente trop sa balle aussi. Ouais, il doit faire fait. Sa passe avant. Il présente trop sa balle, mais Curry, il chope bien le poignet. Oui, bah, tiens, bah, oui. Bonne défense, bonne attaque. Ouais. Bonne défense. Ah, si, bien, bonne défense. Jordan, oh, c'est bien. C'est le bien petit step back comme il aime. C'est une bricasse. Allez, Jalen Brown, qui a fait un énorme run, là, quasi personnel, qui va la donner à Marcus Smart. Il la redonne à Tatum. Putain. Oh là là, Tatum! Ouais, mais Draymond il vient d'oublier tout de suite. Ouais, mais attends, Tatum, ouais, non, vas-y. Mais ouais. Je n'en peux plus. Vas-y, s'il te plaît, Tatum. Oh! Je n'en peux plus. Et là, s'il met un éclat, là, franchement. Ah là, il mérite de se prendre un 3 dans la bouche, Tatum. Ah bah là. Allez, Curry. 8 secondes sur HD24, il fait couler. Curry sur le drive, c'est bien joué. Il voulait la faute, non. Curry. Ouais. La faute. Ouais, ouais, mais il sait qu'il a mis la mimine en défense, donc c'est... les arbitres laissent la mimine de l'autre côté. Plutôt bien défendu. J'ai l'impression, fais voir. Tu vois, ça va. Ouais, ça c'est va. Pas mal. Ça va. C'est agressif, mais ça va. Ouais, ouais, ouais. C'est, y a pour plus, moi, il y a pas faute. Il y a plus de cuir que Curry tout à l'heure non, sur c'est bien, ça c'est bien, tout à c'est fait. Bon, il n'y a pas faute. Allez. Oh là oh, là. Clé. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Clé. Ouf. C'est compliqué la vie là. Il était ouais. Pas... mais bon. Allez, mais attention. Il fait pas le merveilleux. Il fait pas le game 6. On est dans le turning point. Ouais. Ça fait 3 fois que les Celtics peuvent rentrer dans les 10. Dedans. Voilà. Voilà. Faute. Et avec N1. Et là, ils sont dans les 10. Et N1, ils sont dans les 10. Et ça flex. Ouais.
Et Horford peut les mettre sous les 10. Et Draymond se marre. Ben ouais. Voulait voir si justement il y allait avoir éclat. T'as dodge les balles, comme on dit. Hein. Vraiment, il y a eu quelques shoots qui sont pas rentrés. Et là. T'en veux une bonne ? Il y a faute là ? Elle est où la faute là ? T'en veux une bonne ? Bon, ça, ouais, vas-y. Hein. Deux points dans la raquette. Ouais. C'est bien, hein ? Ils rendent fou. Hein. Ouais. Ils rendent complètement fou. Et 9. Et ça passe sous la barre des 10. 9 points. Attention, et là, s'ils font une grosse défense et qu'il y a un shoot derrière, je peux vous dire que le toit du TD Garden va exploser. Run de 15-2 des Celtics, mine de rien. Énorme. Hein, sur les 5 dernières minutes 30. Énormissime. Allez, Jordan Poole. Jordan Poole avec la balle. Jordan Poole sur le drive. Et alors Ford, il est déter. Ouf. Oh là 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 là. Oh Bigal. Non, c'est bien, c'est bien. Oh Bigal. Oh, allez, le gros, un peu, gros un peu naïf quand même, Jordan Poole. Un peu fleuriste. C'est clair. mais c'est bien de l'envoyer là-bas, dans les tribunes. S'il y a un shoot qui tombe là. 8 secondes sur l'horloge de shoot pour nos amis les Warriors. Alors que nos amis les Celtics auront donc une vingtaine de secondes derrière. Tatum sort. Robert Williams rentre pour la dernière possession défensive. Et peut-être offensive à venir de ce troisième quart. Draymond et Grant Williams sont en discussion. Hein. Ça switch. Ouais, tu m'étonnes. Robert, il fait vas-y. Le cercle des poètes disparu. Regardez, Curry est smart. Ouais, c'est clair. Jordan Poole pour Draymond. C'est extraordinaire. Draymond avec la balle. Draymond. Oh, Draymond. Oh, oh là là là. Draymond. Mais Carmelo. Carmelo Green. Incroyable. Mais quel match de Draymond Green. 76-65. Il reste 18 secondes. Il va être en triple. Il va faire un triple double si tu vois. Il va provoquer un passage en force là et on va faire genre putain, Draymond. Ouais, c'est clair. Jaylen Brown. Jane Brown, défendu par Curry, il voulait le switch. Ouais, justement, il l'a. 8, 7, 6, 5. Il y a un gros shoot qui va tomber. Gauche. Attention, c'est bien joué. Faute. Avec le faute N1. De Curry. Ouais. Il voulait le N1. Elle y est. C'est bien pour Boston d'aller chercher quelques lancers. Oui. Ça casse le chrono. Non, mais on se demandait comment ils allaient revenir. Bah, du physique. Ah, du physique. Là, ils ont mis du. Ils ont été chercher des fautes. Aussi. Quelques fautes. Jaylen Brown qui met quelques tirs importants. Ouais. Oh là ouais, là, Jaylen Brown. Jaylen Brown. Là, faut mettre lancé par contre. Ah là 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 là. Allez. Jaylen Brown qui rate son premier lancé. Alors qu'on voit Tom Izzo, le coach de Draymond Green, notamment à Michigan State, si Michigan je dis pas State, bêtise. C'est ça, les tout Spartans. Tout à fait avec Jaren Jackson Jr. notamment ouais, et les Miles Bridges et compagnie. La famille Michigan State. Ouais. Ça continue à parler. Qui est une belle école. Oui, ouais, tout ouais, à fait. Ouais, c'est une belle école de basket. Ouais. Ouais. Bah, y a peut-être un petit. On parlait de bataille de meneurs. Je crois que le meilleur meneur de tous les temps. Je crois qu'il est de là-bas. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. Allez. Il est de Lansing dans le Michigan. Exactement. Allez, Jaylen Brown, faut mettre le lancer. Ça rentre. Mais le deuxième. Oula. Attention. Attention à Jordan Poole. Ouais, et à, tout à fait. Jordan Poole. Non, c'est Curry qui s'y colle. Bah non, rien. Non, regarde Jordan. Oh non. Avec le carreau, j'ai cru de 76 à 66. Nous sommes à 10 points de retard. Point stat, Alexis Nator. Ils ont recollé les Celtics. De manière un peu, je peux pas dire que ce soit si convaincant, mais factuellement, hein, ils ont recollé, ils ont fait plus 5 sur le carton, donc c'est toujours bon à prendre. Au niveau point stade global, le meilleur marqueur du match pour l'instant, c'est Jaylen Brown, avec 24 points, devant Steph Curry qui a 21 points. Nous avons toujours un souci, mais ils ont un peu rectifié, mais ils ont quand même 16 pertes de balles en tout, mais ils ont que 3 pertes de balles du coup dans ce quart. Côté Celtic, donc c'est mieux. La défense s'est renforcée. Par contre, j'ai quand même une domination au rebond des Warriors. Et ça, c'est pas normal. Ouais, bah, à la mi-temps, elle s'est peut-être réduite un peu. C'est mais à la mi-temps, elle était monstrueuse. C'est pas normal. Et ils ont 12 rebonds offensifs, les Warriors. Les Celtics en ont que 5. Pardon. Non, mais c'est chaud. Pardon. C'est pas normal. Surtout que les Celtics n'ont pas très bien shooté. Donc il y a du rebond offensif à aller chercher. Ça shoot un poil mieux, le pourcentage à 3 points des Celtics a un peu remonté. Comme tu disais Simon, là ils sont allés chercher quelques lancers qui font du bien. Mm-hmm. Ils sont à moins 10. Bon. Bah, ils ont fait la moitié du chemin on va dire. Mais surtout il y a de nouveaux matchs. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ambiance maintenant et tout, c'est pas du tout pareil en fait. On pourrait se dire moins 10, moins 20, machin, mais non parce que ils se sont remis. Jaylen Brown a pris confiance. Udoka a réduit les rotations. Je pense qu'on voit plus Pritchard du match. Ouais. En fait, il utilise Grant Williams en lui demandant de jouer physique, clairement. Hein. Grant Williams, il est venu et puis on voit dès que il taquine tout le monde, là, il joue physique et tout. Grant Williams. En début de quatrième quart, là, va y avoir les premières possessions vont être évidemment très importantes.
Parce que comme t'es à 10, on sait très bien que psychologiquement, c'est pas du tout la même pour Boston si tu démarres avec un 3 et que t'es à 7 tout de suite. Ouais. Ou si c'est l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Entre 7 et 13, là, le turning point de 6 points, il est crucial. Et on l'a dit, c'est maintenant aussi, puisqu'on parle beaucoup de Boston et de son run, c'est maintenant que Golden State, en expérience champion, doit mettre le couvercle. Là, c'est dur. Là, c'est là que les champions se reconnaissent aussi. T'as le TD Garden qui commence à chauffer, t'as un run des Celtics. C'est là que tu reviens en août en arrière et tu dis, quand là ça a chauffé, on a fait le travail. Ouais. Il y a un petit piège là pour les Warriors, c'est la tentation de vouloir trop vite. Je pense, tu vois, les 3 points pour rapide. Curry qui se dit, attends, moi je vais tuer ça, je vais éteindre le TD Garden. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs entre les quarts, bien sûr. Je vais prendre les 3 points à 10 mètres là pour les éteindre. Attention, parce que les Warriors, on les connaît, il y a quand même peut-être cette tentation de trop vouloir s'en sortir par le shoot et de scorer et tout. Mais là où ce qui est devenu vraiment intéressant, c'est que la défense des Warriors, on l'a assez dit dans ce match sur son premier temps, qui paraissait un peu insurmontable pour Boston, d'un coup, elle a commencé justement à morceler un peu là. Ouais. Ils ont trouvé des failles. Moi, Jalen Brown, hein. C'est Jalen Brown qui le premier a vraiment énorme. Donné. Ouais, c'est lui qui a donné le. La saison de Boston est on the line et c'est Jalen Brown qui répond présent là. Tatum a eu entre guillemets l'intelligence de se mettre en retrait. De laisser faire entre guillemets, d'arrêter de moins de dribbles, tout ça et tout quoi. Et puis tu peux pas vraiment l'enterrer Tatum, même s'il est pas dedans, il peut te servir dans le quatrième quart avec quelques bonnes défenses, le 3 points qui va bien. Bien sûr. C'est assez intéressant pour Boston de finalement n'être qu'à moins 10 par rapport à ce qu'il propose là dans ce game 6, hein. Tout à fait, il y a plein de gens je vois qui demandent enfin le carton de Klay Thompson. On a beaucoup parlé du Klay Game, le fameux Game 6. Pour le moment, c'est un match loupé par Klay d'un point de vue shooting, clair. Ouais. Par contre, dans le quatrième quart, c'est typiquement le genre de carton où il va dire genre hey, moi, je te mets 4 tirs à 3 points et tout le monde ferme sa gueule. Ça, par contre, c'est il est pas capable. Impossible. Il est capable. Il est tout à fait capable, monsieur Klay Thompson. C'est parti, mesdames et messieurs. Peut-être le dernier carton de la saison ou pas. Est-ce que ce sont les 12 dernières minutes? Ouais. 76-66, 11-54, 11-53, 11-52, 11-51 et 11-50. C'est parti. Première possession, Marcus Smart sur le drive. Avec le bon contest de Draymond Green. Ah, c'est plus qu'un contest là. Il l'a mis dehors. C'est un contre-est, tout à fait. Allez. 10 secondes sur HD24, Tatum qui est sur le banc avec Horford. On va voir combien de temps ils vont regarder ça. Pas trop longtemps, Horford. C'est sûr. Ah, les deux en même temps, ni Horford, ni Tatum. Il joue avec Robert Williams et Grant Williams. Et pourquoi pas. Okay. Allez. Bon, Jalen Brown, il va avoir. Oh là là, Savonnette. Et faute sur Wiggins. Et la faute à la con. Aïe. Tu vois ça, voilà, j'en parlais. Il n'y a pas de point encore de scorer, mais voilà. Turning point, on en est là. Ça, c'est le problème des fois des Celtics, ils vont être trop prévisibles. Là, notamment, là, tu sais que c'est Jalen Brown qui va avoir la balle. Si t'as tout Horford, tu le sais. Tu es coach. Donc, tu démarres le carton comme ça, t'as envie d'éclater une chaise. La première possession offensive de ton carton le plus important, tu fais ça. Moi, j'éclate la gueule de quelqu'un. Vraiment, c'est pas possible. Allez, Draymond. On va voir si on fait mieux Golden State, justement. Draymond avec Jordan Poole, défendu par Grant Williams. Jordan Poole, 10 secondes sur HD24, 9, 8, 7, il a l'isolation. Jordan Poole, qu'est-ce qu'il va faire? Shake and bake, il part. Le flotteur, c'est pas mal. Oh là là, bon contest. Et c'est bien joué. Grant Williams avec le ballon, qui la rend à Jalen Brown. Jalen Brown sur le drive, qui va essayer de provoquer Andrew Wiggins. C'est pas mal. Pas mal. C'est loupé. Rebond. Les petites choses. Vous avez vu là, les petites 50, choses 50 là, qui rentrent pas là. Eh oui, attention. Ça peut coûter cher. C'est les minutes sans Tatum, sans Steph aussi. Il n'y a toujours pas de panier. Allez, Clay, il est seul. Oh, il a le temps de shooter. Il s'est remis en rythme avec un petit dribble. C'est long. Il est très maladroit. On est complètement dans le turning point. Ouais. Et là, Boston est en train d'éviter des balles. C'est Neo dans Matrix. C'est exactement ça. Allez, Marcus Smart. Il leur faut un panier. Marcus Smart qui va jouer au poste sur Jordan Poole. Ouais, on va voir, pas sûr, non. Passe de merde. Le retour sur. Tu passes comme ça en finale. Allez. Bien joué. Payton 2. Bien joué, Wiggins. Je pensais pas qu'il allait dunker comme ça, quoi. Ah, il a de la détente. Hein. Marcus Smart, on est en octobre. Hein. On est en pré-saison. C'est le retour sur Jalen Brown parce qu'ils ont que c'est la seule solution offensive. Là où Doké, il a pas le choix. Tatum Horford, ça revient en jeu tout de suite. Pas les deux en même temps. Oh là là. Dribble sur le pied. Oh là là. 12. Parce que là, tous les ballons vont être pour Jalen Brown. Marcus Smart. C'est ça. Ça fait du bien. Donc, il a fallu 4 possessions à Boston pour marquer un panier.
Oh là, heureusement que Golden State n'a pas été trop efficace non plus de l'autre côté. Ouais, ouais, ouais. Du coup, on stagne. 78-68, 9-58 à jouer. On est passé sous la barre des 10 minutes. Jordan Poole avec le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire, Jordan Poole? Il va la donner à Wiggins. Wiggins qui va attaquer sur Grant Williams. Peut-être non. Jordan Poole, attention, 5 secondes sur rush des 24. C'est ça, Robert. Jordan Poole, Jordan Poole, c'est parti. Oh, le gros contre. C'est deux fois. Ça fait deux fois que. Oh là 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 là. Et oh, ouais, oh, et il faut qu'il. Doucement, ouais, Robert. Attention. Ça, ça se challenge. Tu sais que ça se challenge, ça, Udoka? Bah. Le bas du corps, le bas du corps, le bas du corps, le bas du corps. Non, il n'y a rien. Moi, pour moi, il n'y a pas grand chose. Hein. Moi, je dis, de toute façon, t'es dans le game 6. T'es mené de 10. Oh là là. T'es là mené là. De 10, ça se challenge de ouf, ça. Hein. Oh là 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 là. Fais voir un peu. À la main, la hanche. La main, la main sur l'épaule avant. Mais c'est léger. Ouais, c'est léger. La main sur l'épaule. Ça se challenge, mais le problème, c'est que tu vois la main, quoi. Ah, il le challenge pas. Ok. Il challenge pas. Mais c'est très très léger, j'avoue. Tu sais que là, Golden State t'a de lancer, tu fais. Moi j'aurais challengé là. Et ouais. Ouais. J'aurais challengé parce que en plus t'envoies Jordan Poole qui est genre il est à combien lancer franc. C'est le meilleur shooter de lancer franc de la saison avec Steph. D'accord. Ouais. Donc en gros autant tenter quoi. Parce que sinon c'est deux points quoi. Retour de Horford et Tatum. C'est parti. On y est. Ce sont les 10 minutes où les titulaires de Boston doivent faire leur meilleure carrière. Il y a Kevin Looney qui va revenir. Et Steph, probablement dans une petite minute, il a la serviette sur la tête comme Bibi. Faute de Marcus Smart, faute de Poole. Ouais. Faute de Jordan Poole. Il doit monter en faute lui quand même. Là, il doit être 2 ou 3. Peut-être. De toute façon, peut-être. Il défend pas. Ouais, bon, après, c'est. Ouais. Je pense que là, c'est pas trop le problème. Non, il y a personne. Je pense, qui va être le héros alors qu'on a tout à fait Gary Payton 2 qui laisse sa place à Kevin Looney, si je dis pas de bêtises. Excellent match c'est de ça. Gary Payton 2. Allez, alors Ford pour Jason Tatum. Tatum. Qui prend l'écran de Smart. Wiggins. C'est voilà, doublé. Prise à deux, c'est bien joué. Marcus Smart. Voilà. Ça swing la balle. Bonne contest. Ça ne rentre pas. Et Robert Williams. Les petites choses. Ça fait deux fois que la balle elle tourne autour de l'arceau. Aïe. Terrible pour Boston. Attention, le clou. Et là derrière. Le clou de Jordan Poole. Non, c'est vendu par Tatum. Allez, Wiggins, attention. 10 secondes sur HD 24. On la rend à Jordan Poole. Justement, on va chercher l'écran de Looney. C'est parti, Jordan Poole. Sur le drive, ligne de fond, c'est pas mal. Oh oui. Ah, bien joué, c'est Jordan Poole. C'est fort. Quel handle il a, lui. Deux lancers énormes. 14 points. Les 4 points de Poole, là, c'est une bouteille d'oxygène. De l'autre côté, les petits layups qui rentrent pas l'air bon. Et ça repose Curry pour l'instant. Et oui. Qui roule sur le cercle. Et oui, Steph, il est sur le bonne take. Bien joué. Allez. Très bonne passe. On aurait dit les Warriors, on aurait dit Draymond Green. On aurait dit Draymond Green. Il peut, non, mais il est énorme à la passe quand il veut. Bon, enfin, là, non, mais vraiment énorme à la passe. C'est LeBron, hein. Là, c'est une passe à la LeBron. C'est Draymond Green. On joue pas assez avec lui. Vache. Allez. Jordan Poole avec le ballon. Il vient de mettre 4 points. Donc pour lui, la jauge, elle est maximale. Allez, Klay Thompson qui la rend à Jordan Poole. 10 secondes sur HD 24. Pas top non plus, attaque de Golden State. Contre. Le gros contre. Oh la vache. Ah, il aime bien contrer Jordan Not Poole. In my house. Il va le rencontrer. Ah, c'est bien joué. Faut le rebond là. Ouais, allez, c'est propre. Le rebond pour Jaylen Brown. Et Jaylen Brown. Oh la faute. Qu'est-ce qu'elle est conne, la faute de Jordan Poole, excusez-moi. Pas très maligne. Bah... Du coup, ils vont être assez vite dans la pénalité bon, s'ils commencent comme ça. Il sait qu'il devait sortir. Oui, il y a ça aussi. C'est vrai, mais c'est n'empêche, ça rajoute. Cinquième compte de. Ça rajoute une faute à ton équipe. 7 sur Jordan Poole. Ça vaut triple. Hein. Ouais, et puis les comptes comme ça, c'est tellement impressionnant. Les comptes sur des 3 points comme ça, regarde stand style. Hop. Bah ouais, mais il peut. Ah bah oui. C'est. Elle est belle, hein. C'est tout son potentiel. Jaylen Brown avec la balle. 8 minutes 10, 8 minutes 9 et 8 minutes 8. Sort de l'écran. À jouer. Allez, défendu par Steph. Il y a Wiggins qui est prêt à venir en aide. Ça y est, c'est fait. Attention, Kevin Looney, c'est pas mal. Oh, et le. Oh là là, ça rentre pas encore. Trois fois. Oh là là, les petits rebonds là. Oh là là, Robert Williams, aucune réussite sous le cercle. Et Steph qui va montrer comment on joue une isolation. Il va montrer comment on joue face à Robert Williams. On essaye de créer un décalage et ensuite tu te démerdes avec le premier garçon qui est libre. Klay Thompson a trop pensé loupé. Kevin Looney au-dessus de Marcus Smart. Pas de over the back, attention. Oh là là, c'est le dagger. Non. Eh mais Boston là, ils sont comme ça. Boston, ils jouent avec le feu là. Il y a des balles qui pondent. Faut marquer absolument. Alors Ford qui va au cercle. Bien bonne défense de Draymond Green. Et il était en sortie. Non. Et Draymond là, c'est des 50-50. Des petites choses. Draymond et Wiggins, franchement, faut les regarder en défense. Les deux. Wiggins aussi, je trouve, on en parle pas assez. Les batailles au rebond, les contests et tout, c'est extraordinaire. Fais voir là. Ah oui, il met le pied, il met le pied en touche. Alors Ford, bien arbitré. C'est bien arbitré. 7 minutes 20. Les Celtics évitent des balles là dans tous les sens. Steph, il le sait là. Comme disait Simon, il y a peut-être une envie un peu trop d'assassiner les Celtics. On va voir ce que ça va donner sur le prochain drive. Steph, justement, sur le drive, c'est bien la main gauche. Et ça rentre. Et c'est le patron qui dit
Follow my lead, 84-70, 7 minutes 05 à jouer. Steph, il le veut, son MVP des finales. Allez, 23 points pour le patron. Jaylen Brown, justement, qui attaque sur Steph. Le bon contest, et ça rentre. Jaylen Brown, bien. Qu'est-ce qu'il fait comme match ce soir? T'étais à 10, finalement t'es à 12. Il y a déjà presque. Il reste plus qu'à la moitié du quart. Temps. Bah oui. Donc oui. Là, Golden State est en train de faire de la bonne gestion. Ça a provoqué de la faute. C'est trop agressif ça. Faute de Jaylen Brown, ouais, mais. Attention dans la tête. C'est bien quand même. Tu donnes le ton, je suis d'accord. Ouais, je sais, Mais c'est... Et pourquoi pas. Puis tu peux en choper une. Tu peux en intercepter une, tu vois, et tu vas dunker de l'autre côté. Regarde comment c'est bien joué ça. Allez, hop, premier rideau, c'est passé. Et ensuite, le finish main gauche sur Jaylen Brown. Ah, c'est très très propre. Quel toucher. Steve Kerr, il est content derrière. Et mec, il sert le point. Sa main gauche, elle est meilleure qu'un paquet de main droite, hein, je te le dis, moi. Ah bah ça. Pouah. Petit temps mort. Eh, temps mort. Ouais. Ouais. Petit temps mort, on va voir ce que ça donne. Il y a 6:47 à jouer. Et 12 points. Okay. Et 12 points. Vraiment le sentiment que Boston a évité des grosses grosses balles là quand il y a eu des shoots à 3 points de Clay, de Poole, de Steph, etc. Et qu'en attaque, il y a eu du putback, il y a eu du layup où tout a tourné autour de l'arceau. Là, il y a eu le lutin vert qui a dit non, c'est pas pour ce soir. Il y a eu du petit rebond offensif, de la petite, tu sais, le petit tip-in, mais qui veut pas rentrer. Robert Williams, il a eu deux coups d'arceau. T'as les stats là, Alex? Je veux bien. Deux. Ouais. Clay Thompson, je veux bien voir le pourcentage au tir. Oh là là, oh là là. Oh bah c'est pas beau, hein. 5 sur 19. Ouais, c'est Clay ça. Thompson. Et à 3 points? 3 points, 2 sur 7. Hein. Oups. Ouais, j'aurais dit 1 sur 8, tu mais vois. Golden State est quand même à 40%, à 16 sur 40. Ouais, non, mais Clay. Entre Steph et tu sais que Draymond, il a 2 sur 5. Autoporteur, 2 sur 3. Wiggins 2 sur 6. Draymond, il a 3 passes du triple-double, j'ai vu. Ouais, il est à 10 points, 11 rebonds, 7 passes, 2 interceptions, 2 contre. Et au-delà de la feuille, il est tellement. Il a de très très loin le meilleur plus-minus du match. Ouais. De très très loin. Et quand on voit au-delà des stats, évidemment les contests sur certains tirs, on a vu Jason Tatum notamment se louper sur certains lay-up parce que c'est contesté par Draymond Green. Et que derrière un copain qui prend le rebond, ça ne compte pas dans la feuille-feuille. C'est ça. Mais c'est du Draymond Green basketball. Ouais, puis l'attitude, parce que là, il fait pas le fou. Hein. Ouais, on l'a vu, je crois que c'était en fin de troisième quart-temps ou en début de quatrième qu'il y a eu un shoot de fin d'horloge de Draymond où il a dit calme. C'est fin du troisième quart. Le Carmelo, là. Ouais, le Melo. Ouais, c'est fin du troisième. Fin du troisième quart, ça aussi. Hein. Pour éviter qu'il y ait moins de moins 10. C'est deux points en soi de Draymond, mais le petit shoot en fin d'horloge, pour là, garder, il est énorme. Pour garder la dizaine ouais, bien sûr. Avant le quatrième. Exactement. Exactement. Allez, on va voir. Boston, va-t-il y avoir une réaction? 12 points. Ils essayent. Hein. Ils sont capables, mais bien sûr. Parce que ils ont du mental, ils lâchent pas. Ouais. Ils essayent. Ils passent entre les balles, là, comme on disait en se marrant. Donc il y a aussi là les Warriors qui viennent de rater plusieurs occasions de mettre un peu le couvercle. Ouais. Parce que du coup, voilà. Donc là, il y a du stress. Il y a des mains qui sont moites. Ça se voit. Il y a des petites choses un peu ratées, inhabituelles, des petites pertes de balles, les tip-ins qui roulent sur le cercle et tout. Donc, faut bien capter aussi toute la tension de l'enjeu qu'il doit y avoir là. Le TD Garden, il demande que ça. Il demande, ouais, que, c'est ça. Il demande qu'un gros 3 là, qui rentre sous les 10 et bam, ça s'enflamme. Puis je trouve que c'est vraiment le thème des Celtics de ces playoffs. Et là, on le voit dans ce match-là. Ils s'avouent quand même jamais vaincus. Il y aurait un paquet d'équipes. Non, tu vois, sûr, à 20 chez toi, machin. Tu aurais un peu plus lâché. Les mecs, ça vous jamais vaincu. Ils sont positifs. Ils ont passé Milwaukee comme ça, alors qu'ils étaient menés 3-2. Non, mais ils y croient, ils y croient. Ouais, ils s'avouent pas vaincu. Mais c'est à lui aussi, ce garçon-là. C'est à ce garçon aussi de nous finir le travail, côté Golden State. Parce que Boston, en effet, va faire le travail. Mais là, on voit Steph Curry à l'écran. Il vient d'être discuté, notamment parce qu'on a mis les stats du côté de NBA TV. On y est, là. La plateforme, messieurs, elle est parfaite. Bien sûr. Il le veut, son couvercle. Allons-y, the dance floor is yours. La plateforme, s'il faut mettre du gros 3 qui assassine au TD Garden pour que Stephen Curry soit sur YouTube tout l'été, c'est maintenant. Bah s'il faut toc toc le top 10 des meilleurs joueurs All-Star, All-Time. C'est maintenant. Allez. C'est maintenant. Ah bah là. Il faut finir le business. Allez, Draymond avec le ballon. Écran de Kevin Looney. On va rendre la balle à Steph peut-être. Non, Draymond qui part sur le drive. Ouais, Steph, balle perdue. Horrible. Oula. Début. Y a rien. Ça y va dessous. Ouais, N1 horrible. N1 horrible pour les Warriors. N1 de Grant Williams. Oula. Et tu vas pouvoir repasser sous la barre des 10. Faute de clé, je pense. Faute de clé. Turning point, ça. Attention. Quelle horrible balle. Ils ont raté pas mal d'occases, hein, les Warriors. Ouais. Donc attention. Attention. Voilà, c'est pas une bonne faute de Clay, ça. C'est une faute ultra soft. Tu laisses l'opportunité au mec. Allez, de ça rentre et 9. Ça passe sous la barre des 9. 84-75. Attention, attention. 6-35. Attention, si ça y a un stop défensif. Ça devient bien intéressant. Là, ça devient très intéressant. Là, on va se marrer. Là, on va rentrer dans le fameux Simon sur le canapé time. Allez, Stephen Curry.
défendu par l'Orford. Stephen Curry. Allez, Steph. Bonne défense. Attention, 5 secondes sur le G24. Steph sur le drive, c'est pas mal. Oh, Steph sur le drive, c'est bien joué. Steph, la fin de Steph. Le bon choix. Allez, 96-75. 6-14 à jouer. Énorme layup de Stephen Curry. Non. Ouais, attention, Marcus. Qu'est-ce que tu fais? Putain. Ils me font peur. Ah, là, ils font flipper. Tatum avec la balle. Tatum, ils ont besoin. Défendu par Wiggins. Un peu de mouvement de cuir, peut-être. Talent. Oh, la grosse défense de l'énorme qu'on oublie. Wiggins, il le mange sur cette finale. Mange. C'est chaud. C'est dur. Allez, Steph. Steph avec le ballon. Non. Killer en Wiggins. Il va vouloir rejouer. Non, il va retrouver Curry. Ah non. Ben non. Allez, il va falloir. Ouais, Clay. Oh là là, Clay. Non. Faut le rebond là. Bien, Orford. Rebond Orford. Allez. 11, 5-40 à jouer. Jalen Brown qui s'emmêle les pinceaux tout seul. Et il s'en sort extrêmement bien. Puisque. Oh, il s'est fait mal. Alors, j'espère que c'est juste pas un coup. Cheville. Mais ça va le faire. C'est juste que là, à mon avis, ça a bien roulé. Ouais. Aïe. Ah ouais, j'ai pas vu. En tout cas, il s'en sort bien parce que ça pue la perte de balle. Complètement. J'espère que ça va pas. Oula, attends. Quand c'est derrière, par contre, moi j'ai pas envie que ce soit derrière. Non, ça a pas l'air bon du tout, ça. Non, bon. J'aime pas quand c'est derrière. Non, ça a pas l'air bon du tout. J'aime pas quand on se tient derrière. Il demande à se relever, ça va. Ça va, il met du poids, il teste. C'est quoi? Non, là, c'est ça le dernier va, appui. Ça va. Derrière le talon gauche. Attention. J'arrive pas à voir où il se fait. Là, ah là peut-être là, ouais. Là, ça glisse. Ou sinon, et là, peut-être. Le dernier appui, c'est relou. Et tous ces appuis là, les 6 derniers appuis, ils sont nuls. Hein. Ouais. Mais alors, Jalen Brown, quel Warrior, normalement, il va serrer les dents. 96-75, 5 minutes 37 à jouer. Allez, qu'est-ce qu'il va faire, Jalen Brown? Il va récupérer la balle dans le corner. Il va prendre un 3 de l'entrée. De l'antéchrist. Oh là là, monsieur Jalen Brown. Oh là là. Et on est sous les 8. 5-30 à jouer. 5-30 à jouer. Allez, Draymond Green avec le ballon. Attention aux pertes de balles stupides des Warriors. Ils nous en ont montré plein tout au long des playoffs et de la saison. Stephen Curry avec la balle. Il a pris l'écran. Ça switch. Là, il n'y a pas de drop. Hein. Face à Orford. Imano. Tiens, 3 à 2, c'est pas pour mal. Draymond pour Wiggins. Wiggins, le 3 points. La réponse de Wiggins. Oh, Canada, pardon, excusez-moi, quel j'ai mis dans le mauvais équipe. Match d'Andrew Wiggins encore. Grave. Incroyable. Et encore, incroyable. Encore une passe D pour Draymond. Marcus Allez, Smart, la défense. Ah, vas-y, Marcus Smart, qu'est-ce qu'il est mou dans ce match. Bonne défense de Curry aussi. Oui, mais quand même. Allez, attention. Encore. Oula. Allez, Jalen Brown sur le drive, c'est bien joué. Et Draymond, encore une bonne défense. Au bon moment. La défense des Warriors qui met le verrou. Clay Thompson pour Draymond. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est bien joué. Ouais, ça remet à 13. Il y avait 8, boum, il y a 13. Hein. Et ils sont en train. Wiggins dans le corner, grosse défense contre-attaque. De faire le travail. Allez, Marcus Smart avec le ballon. Ah, la balle, elle est bloquée. 30 pour Grant Williams. Joulounet. Marcus Smart en ISO, oh tous les jours. Oh là là, Marcus Smart. Oh là là. Ils s'en sortent. Williams, par leur fort, le gros contest. Oh là là, ça tient à rien là. Allez. Incroyable, ça rentre. 4 minutes 12, 10 points. 4-11, 4-10. Les Warriors qui tiennent leur avance. Qui va faire la différence? Orford, 4 sur 5 à 3 points. Steph, ouais. Avec le ballon. Steph en isolation. Ça, 8, Orford encore. 7, 6, 5, 4. Steph et sur le drive. Encore, Steph sur le drive. Steph Curry. Steph sur la finition. Et quel bon choix. Parce qu'Orford le sert, hein. Il veut pas qu'il shoote à 3. Et il va te trouver l'angle de drive. 27 points pour le chef. Smart, s'il a pas envie de jouer, faut le dire. Hein. Allez, alors Orford. Bien joué, Orford. Non, la balle est avant, la faute de côté. Oh là là là. 3-42, 93-81 pour les Warriors de monsieur le chef Curry. Tu parlais, Simon, tout à l'heure de vouloir notamment de ne pas vouloir prendre les home runs. Typiquement, Steph pourrait rester à 3 points et tenter des gros daggers qui finissent sur ESPN. Au lieu de ça, il fait des lay-up. On va les pénétrer. Il a bien raison. Ouais. Allez. Remise en jeu Boston. Ouais. 3-42 à jouer. Moins 12. Que vont faire les Celtics? Balle à Jalen Brown. 12, 11, 10 secondes sur l'âge des 24. Allez, Jalen Brown qui la rend à Marcus Smart. Ça fait beaucoup de Marcus Smart dans ce quatrième quart temps, si je peux me permettre offensivement. La balle pour Tatum qui se complique la vie. Wiggins qui met encore la clampe. Extraordinaire. Wiggins. Il est rentré dans sa tête. Le close-out de Wiggins, c'est énorme. C'est trop bien anticipé. Regarde, mais oui, bien sûr. C'est Wiggins qu'il faut féliciter. Incroyable son close-out dans le corner là. Il a pas pu shooter, Tatum. Il n'a pas pu shooter. Wiggins n'a même pas eu à se jeter tellement il était bien positionné dans le timing. Très fort. Très très fort. La principale explication des mauvaises finales de Tatum, c'est Wiggins. Hein. Oui. Faut pas chercher plus loin. Oui. Tout bien à sûr. Fait.
peux me dire qu'il était fatigué, tout ce que tu veux, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous sortir les stats de J'ai rarement Tatum, vu. Là, tu sens la pression quand même sur Steph Curry. Je sais pas si son regard oui, là, il a fermé les yeux. Il est concentré. Bien sûr, bien sûr. Mais attends, tu te rends compte pour lui. Hein, pour lui, ouais. Là, tu sens quand même le poids de l'histoire, le poids de tout le truc de l'enjeu. Pardon, pas l'histoire, 3-30 d'enjeu. Si, tout à fait, t'as raison de l'enjeu et de l'histoire. Du coup, de l'histoire. Bien sûr, 3-30 à jouer. Tatum, 6 sur 17. 13 points à 6 sur 17. 13 points. Ouais, 13 points. Bah ouais, 13 à 6 points. Sur 17. Avec 5 balles perdues. Non, c'est... Non, ça va pas du tout. Non. Jaylen Brown met 29 points. Bah ouais. Mais Jaylen Brown, il est pas défendu par Wiggins. Curry est à 27 points. Tatum, c'est le. Excuse-moi. Bon, c'est le 4 ou le 5ème. 3, 4, 5. C'est le 6ème meilleur marqueur de la soirée. Ah, ça va pas, ça va pas. Attends, Robert Williams, il a mis plus de points que lui. Non, il y a Wiggins, Curry, Poole. Ah, de la soirée, pardon, je croyais des Celtics. J'étais merdé. Non, parce que Horford a mis plus de points que lui et Smart quand même pas. Non, pas Smart. Steph Curry, 27 points, 7 rebonds, 6 passes d'ess. Qui le meilleur, là, pour vous, là, c'est qui le meilleur joueur du match? Là, comme ça, maintenant, tous les deux équipes confondues. Hein. Draymond. Ouais, moi je crois que c'est Draymond aussi. Hein. On verra ce qui se passe à la fin. C'est Curry, là, les gars. Il y a Steph, évidemment, qui est énorme. Okay, donc, Curry met tous les daggers. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a du Steph, il y a du Draymond, il y a du Wiggins. Et Brown. Et Brown et Horford côté Celtics. Et Brown est énorme côté Boston, vraiment. Et Horford. Ouais. Ah oui, bien sûr. Brown est le meilleur Celtic. Ouais. Horford fait un sacré match. C'est vrai que Wiggins, là, ce qu'il fait défensivement, c'est énorme. Tout en y ajoutant 15.5. Hey, 15.4 interceptions et 3 contre encore Wiggins. Hein. Énormissime. Énorme match. Le couteau suisse. Non, il fait un énorme match, hein, Wiggins. Hein. Mais là, les deux derniers drives de Curry, quand l'équipe en a besoin, où il choisit bien, il force pas le 3 points et tout, il utilise sa vitesse, son handle et tout pour aller mettre les paniers faciles. C'est aussi grâce à ça que les Warriors sont toujours. Ils ont combien? Ils ont 12 là? Ouais, je crois. Ouais, 12 d'avance. Ils les gardent sous la dizaine, la douzaine. Ça, hein. Ouais. Il concrétise le travail de Wiggins. Après, Boston a mis un peu un run sorti de nulle part là. Avec quelques. C'est parti sur quelques faux Jaylen Brown et tout. Peut-être que là, il y a encore la place. Hein. Il reste du temps quand même. Hein. Ouais. Il reste du temps. Il reste du temps, mais il faut se dépêcher quand même. Oui, non, bien sûr. Et puis, paradoxalement, le fait que Klay Thompson ne mette rien, effectivement, moi ça me rend inquiet. Parce que je vois bien, c'est tout le paradoxe de ce mec. Il va te mettre le gros 3 points à un moment ou un autre, je pense quand même. Ah bah, il va faire ça. Il va en finir par en foutre un. On y est, hein. C'est maintenant que tout se joue. Et d'ailleurs, quelque part, comme on l'avait dit en début de quatrième quart-temps, Simon et Alex, on est peut-être en train de vivre les dernières secondes de la saison NBA 2021-22. Évidemment, ça veut dire que aussi sur Trash Talk, il y a encore plein de choses qui vont continuer. Mais là, profitons de ces dernières minutes. Vous êtes 6000. Ouais. J'en profite pour faire des bisous à toutes celles et ceux là qui sont venus ce soir. On va voir comment ça se finit ce match, évidemment. Mais voilà, sachez que là, on est en train de mettre potentiellement le couvercle sur cette dingue saison 2021-22. Si on avait dit avant le retour de Clay en septembre que les Warriors seraient champions NBA, non, je sais pas combien l'ont dit, mais même les plus grands fans des Warriors, je pense, ça aurait été chaud. Grande saison, ils font des playoffs très sereins. Ouais. Et là, en finale, ils sont en train de faire un boulot magnifique, hein, faut le dire. Exactement. Gary Payton est de retour. 3 minutes 25 à jouer. Les Warriors le sentent, il faut qu'ils mettent le couvercle. Steph qui essaie de sortir. Smart faute qui essaie de. Bah oui, faute de Smart. C'est un peu trop là. Faute de Smart, il y est plus. Non, mais il essaie absolument de deny d'empêcher Curry d'avoir la balle. Mais c'est un peu trop. Ce qui peut là. Se comprendre, hein, mais bien sûr. Disons que faut pas faire faute, mais. Ils sont pas dans le bonus, donc c'est pas une si mauvaise faute que ça. Attention à Steph Curry. Mais, oh là, Smart. Qu'est-ce qui se passe? Smart s'est fait très mal. Oh là là, Steph. Mais je pensais qu'il avait. Steph a dit bonne nuit. Il avait déjà mal avant. Il avait déjà mal avant, je pense. Smart sur un contact. J'ai failli te le dire. Je me suis dit, il a un petit truc. Oh là là. Adducteur. Ça a craqué. Ça a craqué. Ah non. Non, il demande la balle. Ou alors c'est un coup mal placé. 30 points pour Steph. Quand tu te replies comme ça sur toi-même. Le patron a dit stop. Layup, 3 points, layup, layup, 3 points, layup. Et le trash talking qui va avec. Steph qui a bien défendu aussi. On n'en parle pas beaucoup. Mais on l'a mentionné une ou deux fois. C'est vrai. Allez, Steph, regardez. Une bonne défense sur Tatum encore. Allez. Oh, le cauchemar pour Jaylen Brown. Et encore. Et puis encore Robert Williams. Bon, c'est pas de sa faute, mais qui est un peu juste au rebond offensif. Ouais, mais là, Tatum. Thompson qui calme, c'est malade Raymond. C'est trop timide et ça rentre pas quoi. Ouais, c'est maladroit, c'est maladroit quoi. Smart qui deny encore Curry, Boston, mais du coup ça ouvre Draymond Green. Mauvaise passe de Draymond. Ouais, mais il dit qu'elle est tout. Non, qu'est-ce qu'il dit? Non, rien, il râle. Non, c'est une mauvaise passe. Ouais, non, j'ai cru qu'il râlait auprès de l'arbitre. Il est très expressif le garçon, donc des fois tu crois que.
96-81 plus 15. Ils ont réussi à remettre l'écart de 22. Il faut marquer. C'est terminé. Attention. Jalen Brown, il a dit non, il a entendu Alex, il a dit je ne pense pas. Il a dit non Alex. Il a dit non Alex. C'est pas terminé. It's a nope. Fuck the bastards on the couch. Ça joue un peu bizarrement. On sent que c'est la fin de match. 12 en 2 minutes, c'est quand même tendu face à ces joueurs. Bah les Warriors, ils vont toujours en 24 secondes, ils sont pas fous. Voilà, Draymond Green et là ils prennent pas. Pour Wiggins. Là il reste quoi, 8 secondes. Wiggins, attention, 7, il va prendre le pull-up. Allez, Wiggins à 3 points qui met peut-être le couvercle. Non, mais si le rebond qui fait mal, le rebond. Le rebond long qui fait mal. Steph qui sort. Corner Wiggins. C'est bon, et c'est 3 points et il célèbre. Ouais. Ouais. Ah bah 99-84. Tiens, fais voir les boîtes. Les deux boîtes. Ça sent le titre. Allez. Ça attention. Sent le titre. Alex, tu sais ce qu'il faut faire. Ah oui. Attendez un peu quand même. Ah bah bien sûr, mais bon, on va se permettre. Waouh. Allez, on va voir du joli putback. Vous pensiez qu'on avait fait ça à moitié. 1 minute 32, 1 minute 31, 1 minute 30. Juste, je les sors pas encore, vas-y, je les prépare. Je les prépare pour. Il y a eu quoi là? Il y a eu un coup de sifflet, je pense. C'est quoi, Curry au lancer? Ah, Steph, il le sait. Ah, c'est elle, attends. Ces images, elles sont belles. Ouais. Au-delà des lancers, juste non, Steph qui réalise, à mon avis, que là, il va toucher de près ce sur quoi on l'a critiqué pendant des années, de pas être MVP des finales. On lui a dit. C'est Dodo qui fait là. Ouais, c'est là, Dodo, il fait c'est Dodo. Dodo Boston. Dodo Boston. Le Massachusetts. Ah ouais. Et Pozzelan. Ça fait rire Jordan Poole. Bah, je crois qu'il rigole facilement, plus Jordan Poole. Et Steph au lancer, c'est ça, hein, je vous disais. Et Steph, après avoir été 3 fois champion, MVP de saison régulière, Alex qui prépare les goggles, on est prêt. Je les essaye et je te les passe, Simon. Bien sûr. Vas-y, merci à Pierrot et à Sergio. La NBA qui nous a. Qui nous a concocté quand même. Eh, les Daft Punk, ça va. Les belles lunettes de champion. Pour essayer de foutre le bordel, évidemment, le casque, dans le vestiaire. Ouais, tu peux remettre le casque. Attends, avec Boston, ouais. Robert Williams, 2 points. One more time. Allez, 1-18. Incroyable, je vois une que 17. Dalle. Oh, je finis. Moi, je vois plus rien, surtout que j'ai pas 15. Mes lunettes en plus. Ah, Clay Thompson qui a peut-être marqué. Dalle. Non, passe à Wiggins. Il y a faute. Il y a quoi? Envoyez des screens sur Twitter. Vas-y, raconte, Simon, il se passe quoi? Moi, je vois plus rien. Ils ont perdu la balle, les Warriors, apparemment. Je sais pas trop pourquoi. Il reste une 12. 13 points. Comme les champions, quoi. Jalen Brown qui remonte ça tranquille. Et quelle dynastie, les Warriors. Défendu par Clay Thompson. Là, la dynastie. Il bourrine un peu sur Jordan Poole, il provoque la faute. 6 finales. Ah, Jalen Brown, il s'avoue pas. 6 finales en 8 ans. Incroyable. Et puis, ils ont raté un tripit pour une histoire de tendon d'Achille et de genou de clé. Il y a même un petit. T'as vu, Simon? Il y a même un petit truc pour les nettoyer. Si bah, évidemment. T'as un look extraordinaire quand même, comme ça. C'est. Attention. Ah là 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 là, 6 finales en 8 ans. 6 finales en 8 ans. 4 titres en 6 finales. Ouais. Incroyable. C'est une dynastie. Ah, puis compact. Hein. Une dynastie avec un chef. Exactement. Qui va enfin choper le MVP des finales. Sans à moins qu'il nous fasse un truc là, le Trafalgar. Bah, les avec votants, c'est impossible. Ouais, bah là, ils font un truc. C'est-à-dire que là, vous avez pas vu, mais là, il y a Luke Hornet, Nistoskas et compagnie qui rentrent en jeu là. Ouais. Je vous jure. Ah oui, il y a tout le banc des Celtics. C'est bien, il a raison, faut faire goûter. Faut faire goûter à toi, Steph. Le sourire de Curry. Je vois pas bien, mais je vois la joie de Curry. Un vrai sourire. Ah, c'est beau. Et là, je peux dire que Tatum, il a pas le même sourire. Là, il sort, il tire la gueule. Sorti des Celtics, quel parcours de playoff. Bravo. Bravo les Celtics, c'est clair. Incroyable. L'avenir est à eux. Ah, mais l'avenir est incroyable. Tatum, 24 ans. Je peux pas prendre la moindre phrase au sérieux. L'avenir est à eux. Incroyable, mais oui. Jalen Brown en lancé, il met le premier. Comme disait Alex, Tatum tellement jeune, Jalen Brown tellement jeune, ils ont passé leur cap. Il y a de la frustration forcément, mais t'as battu les Nets, t'as sweepé les Nets, t'as battu les Bucks, le Heat. Ouais. Ils vont revenir fort. La série contre les Bucks, elle était lourde. Et ça, bien sûr. C'est un mal pour un bien pour Tatum. Il va falloir que pendant un mois ou deux, il accepte qu'il va se faire défoncer. Ah bah ça, oui. Bah, ça, il faut qu'il accepte. Mais je pense que ça va durer plus de 3 jours que 2 mois, je pense. Faute sur Curry, je crois qu'il va pouvoir un peu continuer à afficher un énorme sourire. Un énorme sourire. Et on est en train de voir. Ouais, là, forcément, la tristesse. Ah, bah c'est dur, hein. Et forcément. C'est des défaites dures parce que c'est des champions. Ils avaient évidemment envie de gagner. Puis honnêtement, ils sont pas si loin, tu vois, dans la finale. Ils se prennent. Sûr que non. Ils sont pas si loin. Et Boston va pas encore passer la barre des 100 points. Encore une fois. Alors attendez, parce qu'il y a quand même Sauce Castillo sur un terrain en finale NBA. Non, mais. Il y a Nick Stauskas là sur le terrain. Donc je savoure un tout petit peu, moi, pour ça. Faites-moi rentrer Bielicha, comme ça il y aurait deux Kings sur le terrain. Ouais, la classe.
Alors, on va voir André Godala qui va aussi rentrer sur le terrain parce que c'est quand même lui un des OGs aussi. Faites rentrer Deuce. Non, mais rien. Non, elle est belle cette image. Ouais. KJ Wiggins parce qu'il l'a saoulé toute l'année. C'est lourd. Ah, bah il l'a mentorisé. Il l'a saoulé toute l'année. Il l'a mentorisé. C'est lourd ce qu'il fait, Wiggins. Exactement. Et mesdames et messieurs, Golden State, en début de saison, on attendait le retour de Klay Thompson. Ils vont être champions NBA. Steph va aller choper son titre de MVP des finales. La dynastie va être tamponnée. C'est-à-dire que pour Klay Thompson, par exemple, hormis les deux saisons où il n'a pas été là, qui ont été deux saisons sans playoff pour les Warriors. Je peux pas te parler là. Mais je suis désolé. Ce look, c'est le bédouin du turfu. Le bédouin du turfu. Mais moi, c'est je suis lui. Trop chaud. C'est incroyable. Regarde Steph qui se marre, défendu par Rodney Smith. Et ah, le papa, cigare pour il papa. Il a déjà le cigare, papa. Incroyable. Oh, incroyable. Il a tenté un 10 mètres là. Rebond, c'est qui lui déjà okay. Je sais plus. Et ça y est, on ah, y attends, est. Attends, je te casse qui prend un 3. Bah, court. Rebond Klay Thompson. Allez, c'est fini. Et ça y est, ils y sont. Il reste 20 secondes. Les Warriors. C'est quasi fini. 20 secondes, la balle dans les mains de Draymond. Et les Warriors de Joe Lacob, de Bob Myers, de Steve Kerr, de Steph Curry, de Draymond Green, d'Igodola, de tous ces garçons. Steph, on le voit, la joie, elle va bien évidemment s'exprimer. Oh là là, bah oui, c'est des larmes. Oh là là, elles sont belles ces images. Oh, elles sont belles ces images pour Steph. Oh là 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 là, Steph en larmes énorme. Sur le parquet du TD Garden. Mm. C'est énorme parce que il a été critiqué. On a dit que c'est pas son équipe quand il y a KD qui est là. On a dit que c'était Iguodala qui était MVP des finales. Il va à Boston pour aller choper le titre. Monsieur Stephen Curry et les Warriors sont officiellement champions NBA. 103-90. Warriors, la Dub Nation et le Strength in Numbers représentent ils sont tous, à fond. Ils sont tous sur Steph là. Exactement, ils sont tous avec Steph parce qu'ils le savaient, c'était pour lui, il fallait y arriver. Bien sûr. On voit les embrassades entre Draymond, on voit Iggy et Steph qui sont en train de célébrer, c'est beau. Et c'est beau de voir Steph aussi, ce véritable porte-drapeau de la NBA qui a toujours été très lisse, qui montre ses émotions aussi, Simon quand même. Bah là il craque, hein. Mais il craque dans le bon sens. Mais bien sûr. Ils étaient pas nombreux à y croire au retour des Warriors après le three-peat raté d'un rien quand même, avec la blessure de KD, la blessure de Clay. Il y a quelque chose d'assez fascinant quand même dans cette capacité de revenu à haut niveau là. Ils ont fait parce que on le rappelle, hein, l'an dernier c'est une défaite contre les Grizzlies en play-in, hein, ben les oui. Warriors. Ben oui, bien sûr. Et l'effectif a pas, c'est juste des retours en fait. Klay Thompson est revenu et tout. Ils ont pas fait de. Si, alors il y a un coup de génie. On pouvait pas le savoir. L'échange, on en reparlera. L'échange D'Lo-Wiggins. D'Lo-Wiggins, tout à fait. Mais même la draft de Jordan Poole. Et la draft de Jordan Poole. Ils ont perdu Kevin Durant. Ouais. Quelques années plus tard, ils sont où ils sont en finale en train de gagner le titre. C'est très très fort. Il y a des garçons qui ont débloqué le compteur aussi. Otto Porter de Washington, il y a la bagouze. Iggy a récupéré sa bague. Il va probablement pouvoir prendre la retraite. Kuminga qui démarre sa carrière tout de suite avec la bague. Moody, évidemment. Plein de garçons qui vont l'avoir. Gary Payton 2 de la G League au parquet NBA. Et il est bagué pour rejoindre papa. Ah, c'est beau là. Il y a Iguodala qui va parler. À Tatum, évidemment. À Tatum. Gentleman. Sans doute en lui disant faut passer par là, etc. Évidemment, ouais. Évidemment. Et puis désolé, hein, j'ai un peu trop donné de tips à Wiggins. Ouais, et regarde le shooting coach de Curry avec qui il a fait tous ses échauffements, tous ses entraînements. C'est absolument énorme. Et dans la même saison, quand même, on peut le dire, Steph. Nouveau recordman à 3 points au Madison Square Garden. C'est vrai que cette saison il a le monstre du All-Star Game à Cleveland où c'est lui qui fout le feu. Ouais, il y a ça aussi. MVP de la finale de conférence avec les Warriors, ouais, MVP des finales. Finales et totale. Et quatrième bagouze. La totale et la quatrième bague. On va prendre le temps de débriefer tout ça, de savoir évidemment ce que vous en pensez, de voir tous les débats autour de Curry dans les meilleurs joueurs de tous les temps, face à Magic, face aux 10, 12, 15 meilleurs joueurs de tous les temps. Mm-hmm. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous, déjà, on va se retrouver jeudi prochain. Parce que même si la saison NBA elle est terminée. Alex, il finit sa partie de VR. Ouais. C'était bien. J'ai essayé de. C'était bien Batman là. J'ai essayé de tweeter alors que je voyais rien. Je crois pas que ce soit idéal mon affaire. Mais bon. S'il y a des fautes, m'envoyez pas. Il n'y a pas de souci. Non, comme je disais, on se retrouvera jeudi prochain parce que la saison 2021-22 elle est officiellement terminée. Il y aura plein de choses. Des articles que vous allez retrouver sur les réseaux sociaux de Trash et sur le site. La draft, la free agency. On va être là tout le temps avec vous. On peut quand même laisser quelques images avec le trophée de MVP qui va être rendu, mais c'est beau quoi comme image. On est en train de voir
le retour au sommet d'un mec qui a été beaucoup, beaucoup critiqué pour le fait d'être bien accompagné, quoi. On verra dans leur déclaration, mais il n'est pas impossible qu'ils soient un paquet, notamment Curry en tête, à dire que c'est leur titre peut-être le plus marquant, le plus savoureux, etc. Parce qu'ils reviennent de loin. Ils reviennent de loin, t'as raison. Parce que les épreuves physiques, tu vois, Clay Thompson, on sent quand même que tout le groupe et tout était particulièrement touché. Ouais. Malgré tout, la je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que pour Steph Curry et Draymond Green, surtout, Clay Thompson, je sais pas trop, mais les titres avec Durant ont pas tout à fait la même saveur. Non, bien sûr. On sait, hein, on a compris maintenant. Et là, du coup, de regagner sans KD, c'est son titre à lui, je pense, Steph, parce qu'on va voir, mais sauf énorme surprise, il est MVP des finales. Mais non, mais il y a pas de. Oui, non, mais on sait jamais. Tu veux le donner à Wiggins ? Non, non, les gars. Non, ouais. 4 titres en 8 saisons, donc il y a un côté quand même. 4 titres en 8 saisons, 6 finales en 8 saisons. Et faudrait voir, là j'ai pas tous les chiffres en tête, mais ça veut dire que le trio, on va dire Kerr, Green, Curry et Clay. Et le Clay, le quatuor, quand tu te blesses pas et que t'as les 4 en début de saison, t'es en finale déjà. T'es en finale. Et à part si LeBron et Kyrie décident de mettre 45 points à tous les matchs, tout le monde se blesse, toi la Raptors. Tout le monde se blesse, t'es champion quoi. Ouais, exactement. En gros, donc il y a un côté entre guillemets Bulls de Phil Jackson, Pippen, Jordan, quoi. C'est une dynastie. Il y a une espèce de truc où tu c'est vois. C'est une immense dynastie. Parce que les Spurs ont pas ce côté. Les Spurs c'est plus sur la longueur, mais ils ont pas ce côté. On est là, on gagne, tu vois. Ouais. C'est une année sur deux, on va dire plus ou moins. Eux commencent à être un truc. Est-ce que c'est des favoris déjà leur propre succession? On verra. On verra ça. Mais ouais, voilà. Mais tu vois, il y a un côté quand même. Ah bah ils peuvent être repartis là. C'est ça le truc qui est flippant. C'est ça que je veux dire là pour finir. Ce que je disais pendant le match, c'est qu'il va y avoir quand même des discussions sur Jordan Poole, sur Kevin Looney, sur toutes ces choses. Parce qu'il y a des garçons qu'il va falloir conserver et ça coûte du fric. Mais là. Il valide aussi un truc, c'est que bon, alors le titre, il le gagne à Boston. Première année dans leur nouvelle salle, première année à San Francisco aussi pour la franchise des Warriors. Donc premier titre quelque part. Chase Center. Et Bastien, toi tu te rappelles un truc pour toujours reparler un peu de l'addition. Alors autant il y avait les algorithmes Boston, ça nous a amené jusqu'en finale. Oui. Ils ont pas gagné, mais rappelle-toi pendant les maillots, je t'avais donné un détail sur le maillot des Warriors. Je t'avais dit c'est pas impossible. Ils avaient mis la bague en plus. Ils avaient mis les points des victoires et des défaites en filigrane de tous les titres et ils avaient rajouté des points jaunes pour dire on en regagnera un. Comme quoi les mecs savaient quand ils ont les mecs du marketing. Les mecs du marketing sur le maillot, bah je peux te dire que le maillot là, il a pris de la. Faut aller le chercher. C'est le noir City Edition de cette année des Warriors. Il est culte là. Ah bah là, tu parce qu'ils ont brodé, c'est pas les deux, c'est les deux étoiles des bleus là en foot, sauf que ça a pas foiré quoi. C'est ça. Non, ceux qui ont la ref avec 2002, ce qu'avait fait l'équipementier de l'époque. Je sais plus. Bah, il y avait une pub avec deux étoiles en avance quoi. C'est ça. Sinon oui, sur Golden State au global, bah oui, forcément quand on revoit toutes les galères des deux dernières saisons, avec la blessure de Clay, avec la blessure de Steph, avec la saison un peu tronquée, tu parlais tout à l'heure de play-in tournament, on voit que Steve Kerr il est content. Simon, là, tu parlais du fait que ça puisse. Tu débattais avec Alex du fait que ça puisse se succéder un petit peu. Il y a Steve aussi Kerr. Peut-être du repos pour certains. On va voir Iguodala peut-être prendre sa retraite. Ouais. Peut-être que Steve Kerr aussi va dire genre. Steve Kerr, il a combien de bagues? Steve Kerr, il a 57 bagues, je crois. Bah. Il en a 50 en gros. Il a un three-peat avec les Bulls. Et deux aux Spurs, une ou deux? Deux, je crois. 99 et ça 2003. Ça lui fait 9 bagues. Hein. 99, il est aux Spurs. 2003, déjà. Ouais, 2003, je le vois parce qu'il met les Dallas. Il tue Dallas. Ah. Ça lui fait 9 bagues. Dans l'armoire. Il lui reste plus qu'un doigt. Ça a l'air de rien comme ça. Le type a 9 bagues. Ouais. Non, c'est fort. On veut les images. Puis alors dans les palmarès de meilleur coach, la Kerr, ça commence à. Ah bah attention. Ah bah il va causer. Hein. Ouais. C'est pas fini. Il a quel âge? Parce qu'en plus, mais là où c'est fort, c'est qu'il y a une patte. Le style de jeu des Warriors restera. Bien sûr. Le style de jeu des. Et choix tactique bien tranché aussi. Et j'en rajoute une couche là-dessus, mais je trouve en particulier le style de jeu des Warriors sans Durant. C'est-à-dire avec vraiment Steph Curry, Draymond Green, Clay Thompson en trio. Plus de mouvement de balle et tout. Iguodala, Wiggins maintenant, etc. Les Warriors avec Durant étaient peut-être plus forts, mais ces Warriors-là ont un jeu plus particulier, on va dire. Plus spécifique et peut-être plus beau. Ouais. Et plus fluide. Plus collectif. Voilà. Tiens, on voit Papa Curry et Fiston Curry. Ah, il peut être fier, hein. Tu m'étonnes. Ah, lui, il a des couilles nucléaires. C'est incroyable. Il a engendré lui. Ah, bah, il a des couilles nucléaires. Je suis désolé, mais franchement, c'est pas possible ce qu'il a quand et même. Et Maman Curie, pareil. Hein.
Bah, pareil. Elle a pas la fin de phrase. Oui, vous m'avez compris. On t'a compris. Voilà. On t'a compris. Belle rédemption aussi. Je vois qu'il y a des fans des Wolves, notamment, qui voient Andrew Wiggins champion après toutes les critiques qu'il y a eu. Numéro 1 de draft qui trouve son rôle. Ouais. Ça a été un des grands thèmes de cette saison. All-Star starter qui fait des sacrifices, qui leading scorer et qui devient le couteau suisse parfait pour contribuer comme il faut. À très bien défendre sur Luka, à très bien défendre sur Tatum. C'est vraiment le. C'est le Pippen quoi que dont t'as besoin quoi en fait. Mieux c'est l'Iguodala des premiers titres des Warriors. 31 points, 6 rebonds, 2 interceptions de moyenne pour Steph, 44% à 3 points, 48%. C'est des bonnes finales ou pas? Ça va. C'est comment? Ça va. Waouh, les finales de malade. Ouais, c'est franchement, c'est une putain de ligne de stats. C'est costaud hein. C'est une putain de ligne de stats à 44% à 3 points. Waouh, Steph Curry. 31 points, 6 passes. Pou. Non, après moi je voulais revenir un tout petit peu sur Boston quand même. Vas-y. Pour là ils ont une vraie grosse déception parce que en finale tu perds et tout, mais c'est quand même incroyable, je trouve l'adversité même là dans ce match hein. Oui. Moi je trouve quand même que dans ce match d'être revenu, de pas s'avouer vaincu et tout. Et puis pareil, mais ça rappelle un peu. Alors c'est une défaite, mais tu vois ce côté ils sont jeunes, Udoka première année de coaching. Etc. On pourrait les revoir aussi assez vite à un niveau assez loin dans les playoffs, etc. Oui. Et surtout, je trouve que ils ont permis, c'est bête hein, ce que je veux dire, mais par leur défense, leur abnégation, leur style de jeu, c'était vraiment une très belle finale. Et c'est aussi parce que je trouve que les Warriors ont été assez flamboyants quand même sur cette finale. Oui. Et franchement, en fait, merci les Celtics. Oui. Ah mais vraiment. Parce que c'est le style de jeu des Celtics d'être dur et âpre, mais sans être méchant. Sans avoir rendu la finale moche, avoir joué, etc. Mais ils ont vraiment poussé les Warriors à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, franchement, bravo pour ça, quoi. Complètement. Les Celtics, on aura l'occasion d'en reparler. Mark Tatum qui va donc rendre le trophée, puisque je rappelle que Monsieur Adam Silver est dans le Health and Safety Protocol. Ah oui. Donc malheureusement, il ne pourra pas être là. C'est un peu particulier, hein. C'est vrai que c'est Tatum, alors qu'il n'a rien à voir pour la peine. Enfin, qu'il n'y a aucun lien, de parenté avec Jason, hein. Non, Tatum, il n'a pas de. Bah, peut-être. Vous en savez rien. Non. Je crois que vous êtes sûr de ça? Non, je déconne. Bon, en tout cas, Non, tu m'as mis le doute pendant deux secondes. Il est tard. C'est quand même une belle équipe. Hein. Bien sûr. Ah, c'est beau. Ça fait plaisir pour Steph. Mais oui. Quel champion. Quel joueur. Putain. Quel emblème pour la NBA. Magnifique, quoi. Joe Lacob, il se dit bon, allez, je vais payer 300 millions de salaire, mais au moins j'ai un titre. Ah bah là lui on lui parle pas de luxury tax hein, ce soir. Ouais, il s'en fout là. Ouais, il la paye là. Faut surtout lui en parler là, il regretterait. Là il signe tous les chèques du monde là cette nuit. Ah bah là c'est sûr et certain maintenant qu'il faut aller le voir. Ah grave, moi je suis l'agent de Kevin Looney. Ah oui, c'est clair, je suis d'accord. Et c'est le nouveau trophée NBA, alors c'est le nouveau design. L'agent de Jordan Poole. C'est moi non. Il est en train de laisser un message à Joe Lacob en train de lui dire. On s'appelle demain matin. Il est comme ça. Non, ça c'est le trophée. C'est le qui fait genre. Comment ça va, Jacob? Ouais. Parce que je suis perdu, mec, l'histoire de nouveau design. Ça c'est le trophée NBA, c'est pas le trophée de MVP là qui soulève Curry. Non, c'est le nouveau trophée de champion NBA. Trophée de champion. D'accord, on est d'accord. Hein. Bien sûr. Mais qui a un peu changé. Qui a été un petit peu remodélisé pour qu'il y ait un filet, genre incrusté. Ouais. Allez, qu'est-ce que vous pensez? Que pensez-vous de votre rib? Voilà, bon, ça c'est l'interview la moins intéressante de la soirée. Ah bah c'est la première, hein, c'est aller voir le proprio. Hein. Merci pour le chèque, hein, merci pour le chèque, hein, cordialement. Il y a des gamins qui commencent leur carrière quand même. Pareil, un Juan Toscan Anderson, hein, passé par les méandres de la G League, qui voulait se faire une place. Ah bah alors là, il y a que le comptoir PMU, il y a tout l'hippodrome de Longchamp qui est présent là, pour nous dire « Moi aussi je l'ai mérité !» Ils sont forts ces joueurs. Ça court bien, hein. C'est clair. J'ai vu tous les matchs au premier rang cette année. Je peux vous dire, franchement, Steph Curry est un bon basketteur. Tout à fait. Vraiment. Wow. Bravo au type qui a recruté ses joueurs. Allez, Steve Kerr. Steve fucking Kerr, quoi. 9 bagues. Tiens, 9 bagues, bing. Ah, c'est quelqu'un, lui, quand même. Hein. Quel palmarès, en fait. Il se rend pas compte du délire. Ah, il appelle Bob Myers. C'est bien. Ouais. C'est bien. C'est bien d'appeler Bob Myers. Ouais, c'est clair, bon boulot. Tiens, Steph, tu crois qu'il va lâcher le trophée là? Non, c'est pas Steph, non, c'est Gary Payton, je crois, qui est au sol. Ah, c'est énorme.
Ben oui, il le dit, hein, c'est pas facile de supporter notre taf toute l'année. Donc merci aux gosses, merci aux femmes, merci à la famille. Hein. Être champion NBA, ça demande énormément de sacrifices. Hein, on dirait pas comme ça, mais oh, hein. Les Warriors qui se font mettre un petit podium au milieu du TD Garden là, pour fêter leur titre. Là. C'est qui la dernière équipe à organiser au TD Garden, Alex, Trivia? Allez, tu veux dire une finale? TD Garden. Une finale? Ouais. Lakers 87? Ouais. C'était là-bas? C'est là-bas, ouais. Ouais, hein. Je crois. Sinon, ça peut être qui? Non, c'est forcément ça. Ah, je crois qu'il, excuse-moi, il vient de dire, je crois, it's probably the most powerful one I've ever won. C'est possible. C'est vrai que tu parlais là tout à l'heure de ce côté parcours un peu dingue, hein, des Warriors, hein, sans KD, avec des doutes en début de saison. c'est un drapeau des. D'où il vient déjà, Bahamas? Ouais. Klay Thompson? Ouais. Klay Thompson, il vient des Bahamas? Ah ouais, 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 je crois. Ah, son papa, c'est le premier drafté international. Putain, moi je croyais qu'il venait d'Auvergne ou un truc comme ça. Numéro 1 de draft, son papa. Ouais. Ouais, ouais, ça je savais. Oui, oui, non, mais je pensais pas qu'il venait des Bahamas. Enfin... Et ça y est. Et membre des 75 ans de la NBA. Le trompard, regardez ces images, elles sont pour l'histoire. On va les retrouver sur des posters, on va les retrouver dans des livres. Bravo, Steph, il tape la tête, mais oui, monsieur. Et on voit un mec énorme. On a vécu la carrière de Steph, on vit la carrière de Stephen Curry. On est en train de voir ce monstre qui a changé le game, qui a porté une franchise sur ses épaules. Alex, combien de fois on a mis en avant le fait que c'est lui qui avait bien intégré KD aussi? Bien sûr, dans l'effectif. C'est à lui, c'est ses Warriors. C'est ses Warriors. Bien sûr que ce sont ses Warriors. La statue, elle va être incroyable. Il aurait déjà dû l'avoir en 2015, il le chope en 2022, tain, c'est 7 ans après, hein, c'est pas rien. C'est peut-être encore plus beau comme ça, tu vois. Ouais, ouais. C'est magnifique. Non, la story est incroyable, vraiment, vraiment. Et là, le club de j'ai plusieurs MVP et plusieurs MVP et de titres, oulala. Ah bah là, d'un coup, cette année... Il monte d'un cran là, tout de suite là. Là ça monte hein. Surtout en plus, c'est pas comme s'il était en train de défoncer les records à 3 points. Puis il faudra revoir, mais là j'ai pas la tête tout à fait grande, mais ces stats de finale là, moi j'ai bugué. 31 points à 48% au tir et 44% de loin. Ouais, ça, y a pas grand monde qui a fait ça avant. Y a personne. Hein? Ouais, aussi fort. Enfin, aussi... Dans l'ère moderne quoi là, en avec tout cas des de tête. Aussi haut pourcentage, ouais, c'est trop tendu. Plus de 30%, plus de 40% à 3 points, ouais. Ah non, 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 plus de 30 points, non, 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 c'est, je sais pas qui aurait, je vois pas, parce que même Jordan, je pense pas. Y a pas un Bird? Je pense pas qu'il avait ces pourcentages-là. Non, je me dis, Bird, tu mettais pas 30 points par match, si? Bah, je sais pas, je me demande sur une finale, tu vois, j'en sais rien. Oui, non, mais je pense pas. Regarder, ouais, c'est pour ça, si j'ai un doute, je dirais Bird, éventuellement, est-ce qu'il a flirté avec ça, tu vois? Genre le Bird 86, là, je peux pas. Ouais, ouais, peut-être, faut regarder les stats. Ah bah, il échale à sa chiale dans tous les sens, bah oui. Ben oui, Sonia maman Curry, est là. Maman et madame. Eh oui. C'est vraiment incroyable comme story. Hein. Le mec est drafté par les Warriors. On sait pas trop s'il faut prendre Johnny Flynn ou Ricky Rubio. C'est clair, on n'est pas sûr. On n'est pas tout à fait sûr. Il a failli finir chez les Knicks, les chevilles. Ouais. Et quand il change le game. Rappelez-vous aussi d'un truc, quand ils échangent Monta Ellis. Ouais. C'est le chouchou un peu de la fanbase, ça râle. Et il y avait même des voix pour dire non, mais c'est le fils Curry qu'il fallait échanger contre Bogut et pas Monta Ellis. Je vous jure, et à l'époque, ça, il y a une partie de la fanbase qui était pas fan de se séparer de Monta Ellis. Je pense qu'avec le recul, c'est. Ouais, non, mais. Ouais, non, mais je suis vers 2009, là, ou un truc non, comme ça. Non, c'est plutôt 2011. C'est après sa draft. Donc, ouais, c'est après sa draft, c'est vers 2011. Quoi, mais ça. C'est au moment de l'échange de Monta Ellis, je me rappelle vraiment de ça. Le choc Bogut, là. Ouais. Ouais, tout à fait. Ça avait été très discuté cet échange, et notamment. Et... C'est peut-être l'acte fondateur où vraiment, c'est Meyers, enfin, je sais plus lequel monte au créneau, mais en disant non, mais nous on croit en Curry, machin. Bon choix. Bien joué. Ça, puis. Klay Thompson, hein. Ouais. Il Klay a Thompson, fait 10, il a je fait pense. Genou et tendon d'Achille. Hein. Ah, c'est fou. Klay Thompson, mine mec de rien. Mec a pas joué 2 ans, quoi. Non, ouais, tout à fait, ouais, ouais. Tout à fait. Non, c'est très très fort. Parce qu'il y a un comeback à l'intérieur de la dynastie, quoi. Exactement. C'est... Ouais. C'est un schéma assez original comme dynastie. Ouais. C'est entre les Bulls et les Spurs, tu vois. Il y a un espèce de truc de, on brave le temps et on est un peu invincible, mais c'est assez original. Très très fort. Et puis c'est vraiment le basket moderne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est ce jeu de mouvement, de coupe, de main à main. C'est quand même un des jeux dans la NBA, les Warriors, qui ressemble plus à du le nombre de trucs qui ont unanime. Hein. Ouais, mais tu vois le nombre d'actions qu'on décortique. Pardon pour Steph. Ah oui, oui, oui. Ouais, oui. Le nombre d'actions qu'on décortique des Warriors pour dire bah, que c'est bien joué, que c'est intelligent, qu'on sait se servir de la gravité de ton shooter de Curry, de machin, les écrans, les mecs connaissent bien leur rôle. Ouais, et ça tout. Restera. Non, le jeu des Warriors restera. Clay aussi, les émotions pures et le mec qui revient et tout. Ses premières finales NBA de retour, il l'emporte. Mesdames et messieurs,
La saison NBA 2021-22 est officiellement terminée. Incroyable, on a vécu des centaines de matchs de saison régulière. Il y a eu de la TTFL, des jeux, des hauts débats, des apéros, des additions, des top 10 all time. Il y a eu de tout, c'était un parcours de fou furieux. Ce n'est pas terminé. Encore une fois, on va se retrouver très vite pour parler draft. Jeudi prochain, on sera ensemble en direct dans la nuit de jeudi à vendredi. Ça va être complètement fou. Merci à Léonce, à la prod comme d'habitude. Merci à toutes et à tous ceux qui étaient là. Nombreux et nombreuses d'entre vous, vous êtes à chaque fois présents tout au long de la journée, tout au long de la nuit, aux quatre coins du monde. C'est toujours un plaisir. Merci Alex, comme d'habitude, pour avoir ambiancé le live. Merci mon cher Simon. Je vous laisse checker. On vous fait des énormes bisous. Je vous laisse un petit mot de la fin si vous voulez. Alex et Simon, pour clore cette saison 2021-22. Bah écoute, moi j'ai bien kiffé ces playoffs, même s'ils étaient assez inégaux par moment. Oui. Et je trouve la story que ça raconte à la fin est assez belle. Ce côté Warriors qui revient, le collectif, le retour un peu sur le noyau dur de cette équipe qui quand même envoie du sale. Et puis bah c'est pas des petits jeunes et tout, tu vois, Steph Curry, c'est ça, ouais, fait, ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'il nous fasse cette saison là à ce moment là. On sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc je suis c'est des beaux champions. On est bien content. Mon cher Simon, petit mot de la fin. C'est un peu perso, je suis rassuré que les algorithmes ce soit quand même un poil foiré, je te jure. Ça n'a rien contre vous les fans de Boston, mais je vous avoue que ça devenait flippant. À mort les robots. Voilà. Il était un peu flippé à la fin, mon Simon, c'est normal, on avait commencé à le courser dans la puis rue. Merci à tous les gens, il y a encore quasiment 5000 personnes là. Ouais, c'est magnifique, c'est incroyable. C'est magnifique. Et merci alors, je vais tous vous revoir jeudi prochain pour la draft. Bien sûr qu'ils seront tous là. On va se la kiffer, ça va être incroyable. Des grands bisous à toutes et à tous. Félicitations aux fans des Warriors. Bravo aux Celtics. Et à très vite sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Ciao, bisous, ciao. À la prochaine. Bisous. Ciao.